Bonjour, bienvenue dans Game of Roll Mademoiselle, épisode 4. Voilà, je suis très content de vous retrouver avec mon équipe préférée. Je le dis, voilà. La vérité, non, Emily Montorovitch, c'est nous les meilleurs. Bah alors, c'est pas vraiment, il fait pas vraiment partie de mon équipe. Dans ce cas-là, peut-être que je réviserai mon jugement. Mais non, mais en fait, mon équipe préférée, l'équipe qui pulvérise un peu le scénario, qui prend des notes, qui les lit. C'est. En deux fois. Spécifiquement Clémence, quand tu dis qu'il prend des notes. Alors, ne te sens pas discriminée, la personne que je ne regarde pas, c'est Aïda. Voilà. C'est parce que je retiens tout fibre, tu comprends. Ouais, Aïda qui, 5 secondes avant le live, a dit « C'est bien, j'ai pas de place pour prendre des notes. Ça m'arrange. » Voilà. Donc, je suis avec mon équipe préférée, je suis avec Aïda. Ça va, Aïda ? Ça va, et toi ? Voilà, je suis très content de te retrouver. Mimi, elle est sur RTL, elle est sur France Inter, et elle est aussi sur twitch.tv/mademoiselle. Et ouais. Je préfère être dans Game of Thrones. Ah, ça me fait plaisir, voilà. Bientôt, inviter Nadia Dame, hein, j'espère, autour de la table. Voilà. Et écoute, ça voilà. peut vous arriver, je note l'idée dans mon... Bah oui, ouais, on la fera jouer Petit Jean Benoît. Ah oui, c'est une super idée. Et j'ai aussi David Caruso, c'est ça ? Philippe Manœuvre. Alors, toi, boomer rêve. Attends, c'est CSI Miami. C'est quand il enlève ses lunettes. Voilà, il enlève ses lunettes. Voilà. Ah oui, vous voulez que je les réenlève. Yeah. Oui. Santé. Alors c'est bien, mais le mieux c'est de regarder la caméra. Mais c'est pas grave. Attends, caméra, je gagne du temps. J'ai pas trop de scénario ce soir. Voilà. Vas-y, redis-moi bonjour. Bonjour, Alix. Bonjour. Oh my god. Et enfin Clémence, voilà, Clémence qui prend les notes aussi pour les autres, voilà, qui je dis s'il te plaît, prends pas les ne dis pas tout à Alix quand même, voilà, parce que Alix elle a dit tout à l'heure, on est d'accord que j'ai avorté, tout le monde dit oui, voilà. Donc elle a aussi dit, et ça tu le sais pas parce qu'on était en bas, ça veut dire quoi Monkey Carnagal aime les poissons à la dague. Voilà, l'aventure reprend en régie, c'est Bao. Au scénar, c'est Vincent. Ouais. Avant de préparer le cadeau de sub, on a reçu un cadeau. Alors, Mimi, c'est un peu ma boss. Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est ma boss sur Game of Thrones. Donc, on a reçu un cadeau. Regarde sous ta fiche de personnage. Je l'ai pré-ouvert. Tu peux l'ouvrir et distribuer les cadeaux qu'on a reçus d'un fan ou d'une fan qui nous a envoyé ça. Voilà. Arrête. Tout à fait. Alors, parlons. Anne-Laure, alias Frimae la rôliste. Ouais. Alors. Donc, pendant qu'elle ouvre ça, je dois vous dire que si vous subez, parce que je vois qu'il y a des Nodus qui subent, des Crélonidas qui subent, si vous subez, vous deviendrez un personnage comme un ours, par exemple, qui s'appelle Petit Jean Bonneau. Il y a un mot. J'ai tout sorti. J'adore cet unboxing en début d'épisode. Est-ce que ça peut nous arriver à chaque fois, s'il vous plaît ? Envoyez-nous des cadeaux. Merci beaucoup. Vous avez un mois pour envoyer un cadeau. Voilà. Donc, j'aime bien parce que le sous-entendu n'était pas subtil, mais tu l'as quand même assumé. On n'a pas nourri fibre ce soir. Non, ça va. J'ai pas besoin d'autant de bonbons. Par contre, tu peux lire de ta douce voix. Cher Fibre Tigre, merci de m'avoir permis de vous gâter, les filles et toi. Je m'éclate à regarder votre actuel play. Vous êtes tous incroyables. Frimae est une jeune marque d'accessoires rôlistes. Je fais tout moi-même ou presque. Oh. La particularité des bijoux et accessoires, c'est qu'ils sont uniques. Je ne refais jamais deux fois la même chose. Comme nous dans cette aventure. J'espère que ça vous plaira. Profitez bien de vos bijoux et de la piste à dés. De bons jeux. Frimae, la rôliste aux doigts donc, de fée. J'enlève ça, c'est ça. Donc on a une vraie piste à dés. On va s'amuser encore plus. D'après mes déductions, je pense que c'est ça, la piste à dés. Incroyable. Wow, la piste à dés Mademoiselle Game of Thrones, elle est floquée, c'est mon gars. Magnifique. Incroyable. Quel non, plaisir. Mais c'est du merci génie. Beaucoup, Frimae. Frimae, t'es cool. La meilleure. Merci. Je te laisse mettre ça au milieu. Et alors, on a plein de badges. On va peut-être pas unboxer tous les badges, mais on va en faire un au pif. Alors, la direction de Mademoiselle, hein, au moment du renouvellement de l'émission. Oui. Hein. Alors, le MJ qui pique, pièce unique. Merci Clémence d'avoir remarqué qu'il y a des étiquettes. C'est ta pièce. Oh là là. Waouh. Lune boréale. Mais what? Salma, c'est moi. Moi, j'ai quoi ? J'adore qu'on ait des cadeaux personnalisés. Louise, alors ça, c'est toi. Ah oh là, un petit, j'ai un petit badge. Et Alix. Et Alix. Madame 2, Isabeau. Ah, merci. Sur le micro, merci la régie. Désolée. Non, c'est moi qui sais pas. Attends, j'ai un médaillon. J'ai un pendentif. Waouh, des vins. Mais je vais le mettre. Mais magnifique. Bon, au final, on les incroyable. Ouvre tous. C'est déjà le meilleur épisode de ouais, Game of Thrones. Ouais, c'est ouf. On va faire gens, que ça. Les gens, ils sont chiés dessus. On est là. Non, on a des cadeaux. Non, mais nous, attends. On a des cadeaux. Donc, il y a des petits badges. Oh là là. Mais même les packagings, ils sont trop mignons. Genre avec mais des oui. petits chats et tout, quoi. Il y a des petits chats qui ont faim. C'est trop mignon. Je sais pas mignon. Si vous voyez bien.
C'est vraiment un rat du cou, hein, d'accord. C'est peut-être pas pour mettre au cou. C'est le deuxième cadeau. C'est vraiment plus un actual play, c'est juste de l'unboxing. Oh yes. Yes. Merci Frimae. Merci Frimae. Frimae, oh là là. Je le porterai à chaque épisode avec une joie non dissimulée. Oh, bah, Gertie, c'est un peu court, magnifique. Regarde. Magnifique. Mais moi, j'aime bien les chokers. Ça te va bien aussi. Très bien, voilà. C'est un peu, tu vois, caché dans ta barbe. Ouais, j'irai dans un bar SM avec ça. C'est trop joli. Faites voir, faites voir. Mais c'est incroyable. J'aime trop, trop beau. Et t'es la seule qui n'a pas de. Ah, si, t'as un dé. Ça va avec ton haut en plus. Avec la petite perle et tout. Incroyable. C'est rose à paillettes aussi. Bref, donc, pendant qu'elles mettent leur collier, moi, je vous propose de gagner aujourd'hui, pour les gens qui vont se baisser, ce sera tiré au hasard, Fleurir en hiver. C'est, je suis un peu dégoûté de vous l'envoyer parce que j'ai envie de le garder pour moi. C'est un livre dont vous êtes l'héros français, dans lequel on joue une femme qui est genre une courtisane dans le cadre de la Chine impériale. Et c'est une aventure qui se passe sans les dés. Voilà, et c'est un livre dont vous êtes l'héros à l'ancienne avec des paragraphes et des belles illustrations en noir et blanc. Il est très épais, il est génial. Et je vous le conseille. Enfin, si vous ne l'avez gagné pas ce soir, vous pouvez l'acheter. Ça vaut le coup. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas rater de jet de dés, du coup ? Parce que ça m'intéresse, du coup. Et il y a d'autres systèmes. Et je vais maintenant demander à la régie d'envoyer le générique. Même si vous avez des notes, je vais faire un petit récap qui m'a été envoyé par Maëva, mais que j'ai appris par cœur parce que je connais bien l'histoire quand même aussi. Donc, vous êtes quatre aventurières au service du seigneur Fig Jambon. Vous avez été envoyé à la Cité du Savoir parce que le fils du seigneur Fig Jambon, qui s'appelle Ace of Glad, étudie là-bas. Et la prophétesse de Fig Jambon, qui s'appelle Kaelia, voilà, a prophétisé qu'il allait rater ses études. Et s'il rate ses études, le royaume est en péril. Le royaume va certainement aller mal. Vous y êtes allé, vous avez retrouvé Ace of Glad en faisant tout un tas de quêtes secondaires qui ne sont pas d'ailleurs toutes finies. Et les phasmes. Manger des phasmes. Mon fœtus aussi. Vraiment. Mon fœtus. T'es fœtus. C'est vrai. Vous avez enfin trouvé Ace of Glad, qui avait une copine qui s'appelle Yesildia. Yensidia, c'est l'assistante qui connaît les réponses. Voilà, qui a dit Ace of Glad, qui a pas relu ses notes, mais c'est pas moi. T'es mal barré, mais il y a un truc, c'est que au 36e étage inférieur, 36e sous-sol, sous la tour du savoir, dont l'entrée est interdite, etc., avec des pièges mortels, il y a un livre avec toutes les réponses dedans. Les réponses. Et il vous a dit, écoutez, je suis mal barré, allez les retrouver. Et vous avez été assez diligente, puisque vous avez commencé à essayer d'y aller, et vous avez même franchi le premier obstacle, qui est tout simplement la porte d'entrée, une énigme avec des couleurs que vous avez réussi à 23h au dernier épisode. Après, et 18 et beaucoup de mal.
La porte s'est ouverte, vous avez descendu les escaliers. Est-ce qu'on peut définir d'un ordre définitif, parce que les escaliers, il n'y a qu'une seule personne qui peut y aller de front, qui est devant, qui est derrière. Moi, je dirais madame. Une personne munie d'un bouclier devant, c'est pas mal pour des pièges mortels. Donc, ouais, moi, j'ai pas peur, je vais le faire pour vous, les gars. Aïda est devant, deuxième personne. Allez, moi, bah, je veux bien être derrière. Voilà. Bah, un, ça se trouve, il y a un animal. 3, 4. Quoi? Mais t'as dit que tu veux être dernière? Non, je veux être derrière. Ah, ok. Donc, derrière. 1, 2, 3, 4. Derrière, suave. Aïda, et vous à la suite. Louise derrière moi. Voilà. Vous descendez une volée de marche et vous arrivez au sous-sol numéro 1. Vous pénétrez dans une salle où il y a des rangées d'étagères qui contiennent de nombreuses archives de la Cité du Savoir. Donc, sur tous les murs, une salle ronde. Toutes les salles vont être rondes. Sur les murs, il y a des archives. Et en face, il y a l'escalier qui descend au sous-sol numéro 2. Que faites-vous ? Est-ce que tu peux percevoir s'il n'y a pas des pièges magiques ou quoi ? Parce que j'aimerais bien percevoir s'il y a des trucs à voler. Mais si jamais il y a une alarme, par exemple, quand on touche un truc, je me dis que... Bah, après, c'est des archives. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à voler en soi. C'est plus si on veut des infos sur l'université ou sur une personne en particulier. Il y a peut-être un plan dans les archives. On peut peut-être checker. Hein. Ouais, c'est pas bête, un plan. Un plan ? Un plan, ouais. Un plan des sous-sols ? Ouais. Du moins 1 au moins 36. C'est juste descendre. Bah ouais, on sait jamais. Si quelqu'un veut fouiller dans les archives, déjà vous pouvez jeter un œil dans les archives si vous voulez. Si vous voulez. Moi je pense qu'on peut regarder un petit peu les noms qu'il y a écrits sur les dossiers d'archives, voir s'il y a des petites infos intéressantes à récupérer. Alors, je touche pas, mais je regarde sans toucher. Louise regarde, ce sont des dossiers qui sont identiques dans leur forme, c'est tous les dossiers des élèves. Ah oh. Enfin des élèves passés. C'est Marcel. Ah non. Ah. J'aimerais bien chercher le dossier de Louise Wichel. Ah ouais. Alors. Tu vas pas être déçu du voyage. Alors tu parcours voilà avec tes doigts comme si tu cherchais un vinyle et tu découvres le dossier de Louise Wichel effectivement qui a été expulsé de l'école. Pourquoi ? À main levée, qui veut lire le dossier de Louise déjà ? Louise, est-ce que tu es OK pour qu'on lise ton dossier ? Oui, si vous voulez. Bon, bah go, on lit le dossier. Allez. OK, il n'y a pas de vote. Alors, Louise Wichel, elle vient d'Aria, élève prometteuse très, très brillante, en fait, et qui s'est avérée être en deuxième année étudiante, enfin, parmi les étudiants enfin, des gens affiliés à l'Académie Noire de Cloudowood, je crois que c'était à l'époque. Voilà. Et donc, une académie destinée, on va dire, à la, enfin, comme il dit, à la libre pensance et à la liberté de penser des choses. Mais ça ne plaisait pas du tout. Alors, je ne sais pas pour quelle raison tu as été mêlée à ça et dans quelle mesure tu dis que la magie devrait servir à toutes les fins, quels que soient les moyens. Je ne sais pas quelle est ta philosophie personnelle avec ça. Mais en tout cas, tu as été pris la main dans le sac. Tu avais des complices, tu as refusé de dénoncer. La main dans le sac en train de faire quoi ? Et tu as été expulsé de l'académie. En train d'être dans l'académie noire. Voilà. C'est ça. Et je vais récupérer ce dossier et le mettre dans mon sac à dos. Mais ils vont pas se rendre compte que... Oh, okay. Non, mais moi j'ai peur que ça déclenche une alarme là. Mais on l'a pris, on l'a ouvert. Donc, Est-ce que si on le sort de la pièce, il y a une alarme ? Bon, c'est le sous-sol 1. En vrai, vous croyez qu'ils c'est vont... C'est quoi, vas-y ? Tu sais, dans les magasins, ils mettent des trucs des antivols que sur les trucs précieux. Donc, c'est vrai. Une archive d'élèves... C'est vrai. Il n'y a pas d'autres gens qu'on a envie de... Bah, Ace of Glad, on peut lire son... Non, c'est que les anciens élèves. Ah, c'est les anciens, oui. Ouais. Est-ce qu'on connaît des anciens ? Ah, pardon. Yggwild, la meuf qui fait peur. Yggwild. Est-ce qu'elle était la vicière ? Il n'y a pas de dossier à Yggwild, non. D'accord. C'est bon ? Bah oui. Est-ce qu'on peut voir s'il y a Figue Jambon ? Ah ouais ! Alors, il n'y a pas Figue Jambon. Ok. Bon, bah, il n'y a rien, quoi. On y va, on ne va pas rester 100 ans au premier étage. Avant de descendre au deuxième étage, Aïda remarque qu'il fait particulièrement sombre. Parce qu'il y a un peu de lumière qui vient. Déjà, il fait nuit. Ensuite, vous êtes au premier sous-sol, donc ça va. Mais là, le deuxième, le couloir, l'escalier qui descend, va être très sombre. Est-ce que vous avez une solution par rapport à ça ? Eh ben. Lumos, non. Non, mais je pourrais essayer d'invoquer le pouvoir de mon médaillon qui est censé contrôler la lumière. La lumière. Ou l'eau. Mais on peut pas l'utiliser l'un ou l'autre. Une fois, lui ? Non, je pense pas. Est-ce que tu as une idée des risques si jamais on tombe pas sur le bon truc ou qu'on fait, par exemple, vraiment pas du tout le bon geste au moment de le sortir ? Aucune idée. Non, je ne sais pas. Jamais utilisé. Bon. Alors, ça me semble super safe. Du coup, alors, peut-être solution éventuelle plus simple, il y a bien quelque chose qui éclaire les archives. Il y a des torches. Il y a une faible lumière qui vient de la bibliothèque, qui est très éclairée, juste au-dessus. D'accord, il n'y a pas de torche visible. On a de quoi faire du feu, sinon on a plein d'archives, on peut se fabriquer une torche avec du papier. J'ai connu des gens qui font le feu à des archives dans Game of Thrones, je ne suis pas d'accord avec ces personnages. Alors, vous pouvez avec quelques archives et on va dire un bout d'étagère, effectivement, et un jet d'artisanat réussi, fabriquer une torche.
Un jet d'artisanat. Tu veux qu'on brûle ton dossier comme ça, personne ne l'a jamais. Réussi. Artisanat réussi. Allez, bah, on brûle le dossier de Louise. Tu veux brûler ton dossier? D'accord, certes. Elle disparaît. Mais il faut réussir ce jet d'artisanat pour faire une torche. Oui, bon. Bah, moi, j'ai pas d'artisanat. Des skills en artisanat. C'est qui, bon? J'ai zéro. Je n'ai pas sur ma fiche. Moi, je n'ai pas non plus. Alors, ce sera un jet en dextérité. Ah, là, j'ai 80. 60. 70. Eh bien, c'est parti. Mingo. Allez, let's go. Vais-je rater la torche? Salma est en train de bricoler avec des archives millénaires. C'est réussi. 46. Et elle fait une torche qui va brûler pour combien de temps, je ne sais pas. Moi, on peut prendre des archives dans le sac à dos de Louise pour avoir de quoi en faire, parce qu'on va loin quand même. Quoi. C'est vrai qu'on va au 36e. Mm-hmm. Bah, est-ce qu'on prend des archives random? Parce qu'on n'a pas trop de noms. Oui. On prend des archives random. Tenez, dites-moi une lettre de l'alphabet. P. Voilà. Bon, vous prenez les archives de P. Ah, on prend... Oula, ça s'appelle. Moi, j'aurais étalé un peu, mais d'accord. En tout cas, c'est Isabeau qui a le carton avec les archives P. Vous descendez le deuxième étage à la lueur de votre torche improvisée dans l'obscurité. Et la lumière des flammes, vous avez du mal à identifier cette deuxième pièce dans laquelle vous arrivez. Il y a des objets froids rangés contre les murs qui ressemblent vaguement à... Enfin, c'est des silhouettes humanoïdes. Ils sont vraiment loin sur les murs, donc vous pouvez vous approcher de ces silhouettes humanoïdes immobiles ou continuer tout droit vers la... Statue ou golem, le jeu le plus fun des sous-sols de la cité du savoir. Moi, je suis un con. Si je réussis... moi, j'ai envie d'aller voir, mais je suis un con. Donc moi, je leur dis, ok, je m'approche d'une forme humanoïde. Alors, tu t'approches d'une forme humanoïde. Est-ce que Suave, tu veux bien venir avec moi? Moi, ça aurait pas été mon premier réflexe. J'ai l'impression que t'es la première meuf qui mourrait dans un film d'horreur. Et ben, j'y vais, je vais toucher la mer. Je vais venir avec toi. Merci. Tu t'approches avec la torche et en fait, les murs sont tapissés de soldats, de robots automates qui sont endommagés. Et l'un d'entre eux, à l'approche de Salma, se relève, se redresse et il te regarde dans les yeux et dit: vous êtes qui? Marcel Ingvild. Ingvild. Vas-y, fais un jet de mentir convaincre sur un robot. J'ai 70, écoutez, s'il est un peu endommagé, ça le fait. Hein. 33. Tout va bien. Et donc, alors, il dit tout va bien, circulez. Et il sera assis. Ok. On va peut-être pas regarder d'autres. Mais bon, t'as fini. Excuse-moi d'être curieuse, il y avait peut-être une bourse pleine d'or dans ses pieds. Et est-ce qu'il pourrait pas... ouais, non, s'il est cassé, parce qu'il aurait pu nous servir un peu peut-être plus tard. J'espérais un peu qu'il soit sympa, mais genre que comme il est cassé, il soit sympa avec nous, que ça devienne notre pote. J'ai de domestiquer un animal humanoïde. Le même film que toi, il y a pas longtemps, je crois. Alors, ses engrenages, sa mécanique intérieure est exposée, si tu veux trafiquer... Non, mais j'ai pas les capacités de... C'est un jet d'intelligence à moins 50%. Non, ça me ferait 20. C'est un automate extrêmement mortel, je pense. Personnellement, j'ai vu... Louise Ponder, non? Non, ok. Très bien. Non, mais moi, je suis pas très intelligente. Oui, non, mais on revient chercher. Il n'y a qu'un chemin. Vous descendez? Allez. Oui. Vous descendez au troisième sous-sol. Il y en a 36. Hein. Oh là là. La nuit. On s'arrête pas à chaque fois. Hein. La nuit progresse. Imagine, il y a des trésors. Vous descendez dans une nouvelle salle remplie de vieilles boîtes et de dossiers. Et vous remarquez que celle-ci est étrangement aménagée. En fait, on a démonté les étagères et on a construit une sorte de lit et un bureau. Et en fait, derrière le bureau, il y a un vieux gars avec une barbe. Ah. Il dort ou... Ah non, il vous voit, il dit: ah, bonjour, de la visite. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis Kiris. Et vous? Vous avez une excellente raison d'être ici, j'imagine. Et vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Il te regarde dans les yeux, Isabeau. Ah, vous êtes Kiris. Oui, vous êtes Kiris. Je viens de le dire, certes. Et donc, vous êtes... J'ai pas entendu votre nom, puisque vous l'avez pas dit. Ah oui, Ingvild. Alors, je sais qui est Ingvild. Vous avez beaucoup changé, Ingvild. Oui, j'ai pris une potion qui change les visages. Mais vous étiez aussi plus grande. Ah oui, mais ça change le corps en entier. Et vous n'avez pas la même couleur de cheveux. Bah, le corps en entier, c'est-à-dire que... Comment te le dire, Kiris? Enfin, tu me reconnais quand même. Vas-y, fais un jeu de mentir convaincre. Ah, fuck. Mentir convaincre, je suis à combien? Pas beaucoup, je crois. C'est deuxième en gauche. 30. Ta 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 ta. 27. Oh, yes. Oh, 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 oh.
Vous devriez faire attention aux potions que vous prenez, Ingvild. Bah, j'espère que tout se passe bien. En tout cas, sachez que j'ai très peu de visiteurs. Tout se passe très bien. Et je vous remercie encore de m'avoir laissé m'installer là. Je suis. Ça va, vous avancez bien. À quoi ? À ce que vous faites. Mais vous m'avez. Faut pas surjouer. Vous m'avez demandé de faire quelque chose, Ingvild ? Bah, vous avez un bureau, vous travaillez. Ok. Vous avez une mission à me confier, peut-être ? Oui. Je vous écoute. Je voudrais vous parler d'un élève. D'accord. Quel élève ? Ace of Glad. D'accord. Je note. Alors, il note Ace of Glad. Qu'est-ce que je dois faire avec Ace of Glad ? Je voudrais savoir s'il est déjà descendu ici. J'ai un doute. Non, non. Comme je vous dis, Ingvild, la dernière personne que j'ai vue, c'était vous. Vous vous en souvenez, d'ailleurs ? Oui, bah oui, oui. Pour le... Et c'était il y a bien longtemps. Ok. Bon, ça va alors. Est-ce que pendant ce temps, je peux essayer d'observer la pièce vraiment très fort pour essayer de comprendre ce qu'il a l'air de faire là-dedans ? Mais je pense qu'il vit juste là. Oui, non, mais d'accord, mais parce qu'il a dit la dernière personne que j'ai vue, c'est vous pour le. Tu as. Bon, bah. Donc, c'est pas juste pour s'installer là, j'imagine. Donc. Je veux juste regarder attentivement autour de moi. Alors, autour de toi, tu vois que c'était une salle d'archives. Et il a démonté des. Comment dire ? Il a fait un matelas en archives. Il a démonté les étagères pour en faire un lit. Et il a fait un autre bureau. Et puis, parfois, tu vois qu'il a des livres sur le bureau. Il lit les livres. Voilà. Je ne sais pas, genre les livres n'ont pas des titres ou un domaine spécifique. Genre, si, c'est que des livres sur comment tuer un golem. C'est des livres sur, non, c'est des livres sur la botanique et sur les animaux. Ah, j'adore les animaux. Huh. Ok. Eh bien, très bien. Je ne lui parle pas car ce n'est pas une bonne idée de lui parler. Oui, laissons Ingvild. Vous descendez au étage suivant ? Oui, on descend. Merci, Kiris. Vous suivez Aïda et vous arrivez. La go, c'est sa manager. Merci, mon petit. Vous arrivez dans une salle vide. Genre, il n'y a apparemment rien. Quand vous regardez les murs, il n'y a rien. Elle est vide. Au sol, il n'y a rien. Et au devant, il y a encore l'escalier qui descend. Est-ce que vous voulez prendre l'escalier et descendre au cinquième étage ? Bah oui. Non. On ne trace pas parce que la pièce vide, elle n'est probablement pas vide. Est-ce que tu peux perceptionner, s'il te plaît, Louise, s'il n'y a pas connaissance. S'il y a un voile magique, peut-être qu'il rentre. Pas connaissance des secrets. Oui, tu fais connaissance des secrets pour voir si tu as un instinct magique. Allez, un petit instinct magique, ça serait bien. 65 sur 70. Tu sens pas de magie particulière dans la pièce. Ok. Est-ce qu'on peut regarder tout court, voir s'il n'y a pas. Moi, je pense à un fil de piège très fin, tu vois, des comme ça. Fais un jet de perception. J'ai. Tiens, 60. Je te mets plus proche. Merci, l'excellente piste de dés. Est-ce que quelqu'un a un truc un peu lourd à jeter au milieu de la pièce, sinon ? Moi, j'ai une de mes haches. Ah bah très bien, on va faire ça. Peut-être. 75, c'est raté. 75. Il y a quelque chose dans cette pièce, mais elle ne l'a pas trouvé. Salma. Salma, son sixième sens lui dit, effectivement, cette pièce n'est pas si vide que ça, mais j'ai beau regarder partout. Même en levant la tête. Ah, Louise lève la tête. Et effectivement, il y a un ciel étoilé peint sur le plafond, représenté avec une exactitude scientifique, richement annotée à la craie. L'auteur de cette œuvre devait être un grand astronome. Et il y a comment ça s'appelle ? Il y a une forme de magie en fait dans ces étoiles. Et quelqu'un qui réussit un jet, notamment toi, en connaissance des secrets, pourrait peut-être comprendre la magie qu'il y a dans cette fresque. Bah, je peux refaire un jet ? Oui. Bon, allez. 80. Et non, hélas, la magie des étoiles, d'ailleurs, que... c'est dommage, hein, c'est tout un système magique qui a été créé qui est dans Game mais of Thrones 1. On aurait pu apprendre la magie des étoiles, là. Ouais, enfin, un sort de magie des étoiles, ça aurait été cool. Quoi ? Et au moins, ça ne va pas s'effondrer sur nous quand on traverse. Ce qui serait dommage au quatrième étage. Oui. Exactement. Bah, on continue. Ouais, on traverse. Il y a également, alors, juste avant que tu partes, puisque tu as quand même raté à apprendre la magie des étoiles, il y a une petite comète enflammée. Et il y a marqué « Comète qui a été détournée par Ikora la Splendide le jour où elle a voulu détruire l'université avec. » Et avec Aïda, suivant Aïda, vous descendez au cinquième sous-sol. Donc, marche après marche, Aïda est de plus en plus ralentie parce qu'il y a beaucoup de poussière. Et en fait, quand vous arrivez dans cette pièce où il y avait encore des archives, malheureusement, elle est encombré de terre parce qu'il y a un morceau du plafond qui s'est effondré, enfin un morceau du côté latéral du mur qui s'est effondré, laissant place à de la terre meuble
qui bloque le passage, parce qu'il y a encore le passage vers les étages inférieurs, mais il y a juste un passage de 30 cm. Ok, donc il y a eu un éboulement. Voilà. On ne peut pas avancer plus loin pour l'instant. Bah, il faut soit ramper pour descendre, soit creuser. Et il n'y a rien au moins 5 ? Attends, j'arrive pas à visualiser ouais. le truc. Il y a un mur qui s'est effondré, un mur de pierre, et derrière, il y a la terre meuble qui est rentrée. Voilà. Et donc, une partie, vous pouvez rentrer dans la pièce, même si elle est encombrée de terre. Par contre, la sortie habituelle qui descend encore plus bas, elle est encombrée de terre, c'est la terre meuble. Il y a quand même un petit passage qui fait 30 cm. Bon, en 30 cm, vous pouvez ramper. Oui, mais on peut ramper en 30 cm. Mais vous voulez rentrer dans la pièce ou vous voulez continuer tout de suite ? Mais pour continuer, il faut ramper. Ouais, c'est ça. C'est pas genre soit on rentre dans la pièce, soit on descend direct. Pour descendre, il faut traverser la pièce et donc ramper parce qu'il y a une plaine à ramper. Je croyais qu'il y avait deux entrées. On peut enlever un peu de terre d'abord. Enlever un peu de terre. Ouais, au cas où on doit se retourner. Si ça s'effondre un peu plus. Ouais. Ouais. Alors, si vous voulez servir de ton bouclier comme pelleteuse ou c'est un crime culturel. La personne qui veut creuser doit réussir un jet de force parce qu'il y a quand même beaucoup de terre et. 60. Eh bien, moi j'ai 80. Ben ouais. Et bah entre garde, creusons. Aïda creuse. Belle de l'équipe. Suave creuse. Le plus joli des tractopelles, finalement. Est-ce que je peux avoir le tapis de dés ? Donc. Le magnifique ! On essaye de faire une meilleure semaine que la semaine dernière. Allez, allez, allez. Là. 46, 49. C'est réussi. Oui. Sur c'est réussi. Ans, Aïda creuse avec ses mains et son bouclier. Mon bouclier. Et finalement, libère un passage où vous pouvez avancer accroupi. Ça va, accroupi. Oui, c'est mieux qu'en rampant, quoi. À l'étage numéro 6. Donc, on descend. La torche faiblit. Vous rajoutez quelques archives de la lettre P. Désolé, Patrick. Voilà. Dans l'obscurité, Suave remarque d'abord le froid, puis l'humidité. Et vous commencez, en fait, dans cette pièce, à vous patauger dans de l'eau. On va dire 20 cm d'eau. Alors, pourquoi ? C'est bien la peine qu'on s'emmerde. Il y a une canalisation qui passe là. Ah ouais. Et elle est percée. Voilà. Donc l'eau descend aussi dans les étages inférieurs. Il y a juste de l'eau et une canalisation percée. Est-ce que vous voulez continuer plus bas ou est-ce que vous voulez faire quelque chose de cette canalisation ? Maintenant, on a déjà pris de l'eau. Oui, on a un seau d'eau. Donc en soi, tout qu'il est plein, pas besoin. Mais c'est bien de savoir. Il n'y a rien qu'il y a de qui flotte ou ouais. On peut regarder un petit peu s'il n'y a pas des trucs. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des dans l'eau ? Fais-moi un jet de perception. Mon meilleur skill. 40. on a vu des beaux scores, hein, au Game of Roll. Allez. J'espère que tu avais prévu qu'on fasse les 36e sous-sol en détail. Hein. Mais c'est bah oui, puisqu'ils sont tous fait un par un. 0,4. Oh. 0,4 wow. Oh là. Il ouais, y a et des oui. trucs là. J'espère qu'il y a des trésors dans l'eau. Diamant dans la canalisation. Non, mais en vrai, il n'y avait rien. Mais quand on fait un 0,4, il y a un truc. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de cool ? Attends, quelque chose, je regarde. Il n'y a pas un truc qu'on n'a pas trouvé ailleurs ? Une formule sur la magie des étoiles, par exemple, qu'on aurait raté. Un outil qui tue un golem, oui. sur le coup. Tu découvres un poignard qui était logé là, qui a l'air magique. Un petit poignard comme ça, un poignard de lancer. Et sur sa garde est écrit « expéditif ». Voilà. Ok. Tu vois ce que c'est ou pas ? Oui. D'accord, ok. Voilà. J'ai le lore. Putain, j'ai le seum. Vous descendez Le garde ou tu veux le bah oui, confier oui, je le garde. je le garde précieusement et je le range du côté où t'as pas accès sur moi. Non, je volerai pas mes potes, ça se saurait. Alors, allez, septième. Vous suivez Suave et vous arrivez au septième étage où là, sans même faire de jet de connaissance de secret, il y a une énergie magique assez puissante et voire même maléfique qui est présente. Donc, au milieu de cette pièce ronde, et derrière, il y a encore, on descend, il y a une sorte d'autel cérémonial à la gloire d'Ikora la Splendide. Donc, il y a son portrait, une très belle femme blonde avec un air un petit peu hautain et sur une peinture à l'huile. Et sous ce portrait, il y a un tas de pièces d'or, et puisque vous voulez tout savoir, il y a 123 pièces d'or. Allez là ! On va partager en quatre. C'est mais sûr qu'il va déclencher un truc. Voilà, il ne faut pas prendre les appâts dans les sous-sols maudits. Ainsi qu'un collier avec un saphir au milieu qui est taillé en diamant. Donc, que faites-vous ? Après, on peut le prendre au retour, quoi. Je veux dire, on n'est pas pressé. Mais je ne suis pas sûre qu'on va se retaper tous les étages au retour. Je me demande s'il n'y a pas une autre. Another way.
On perceptionne et on... Bah, on fait connaissance des secrets. On peut analyser l'énergie maléfique. Au cas où quelqu'un voudrait peut-être. Des pièces d'or ou du collier? Des pièces. Les pièces, c'est pas reconnaissable, c'est pas traçable. On en a pas beaucoup. 80. 80 sur 70. Il y a peut-être un piège. Peut-être. Après, 123 pièces d'or. C'est beaucoup quand même. Un collier en saphir. Ouais. C'est quand même, ça nous serait utile, quoi. Voilà. Surtout ouais, non, mais surtout si c'est utile, tu vois, on peut juste y aller à 4 et mettre toutes les 4 nos mains dedans. Là, on travaille pour la lune. Si c'est vraiment si utile et peu dangereux, et si le risque en vaut tellement la chandelle. Est-ce que... On veut peut-être... J'ai une canne à pêche. Est-ce qu'on toucherait pas des trucs avec la mais canne à pêche de ouf, on les pêche. Ouais, ouais. Mais oui, c'est pas bête, c'est pas pêchons. Bête. Pêchons. Donc, tu, que fais-tu avec cette canne à pêche? Non, je peux être, pas moi. Non, mais regarde, t'as un faucon. Mais non, mais il est, pas est là. À l'hôtel. Ah, il est à l'hôtel. Mais on a une corbouille. On a une corbouille. Non, mais c'est un bébé, c'est un bébé. Vas-y, moi, je veux bien lancer la canne à pêche. Quoi? Ah oui, non, pas la corbouille, j'ai une peur. T'es fou, attends, la corbouille, c'est mon enfant. C'est notre enfant. Tu fais quoi avec la canne à pêche? Donc je me mets le plus loin possible. J'attache à la canne à pêche. Qu'est-ce que je peux attacher? Ah bah, on a une épuisette, non? On a une épuisette, ouais. Une canne à pêche. Ah, t'attaches l'épuisette à la canne à pêche et après t'essayes de loin de choper ouais, l'épuisette. Je la lance de loin. Fais-moi un jet de dextérité. Peut-être essaye juste avec la canne à pêche de bouger une pièce, voir ce qui se passe. Tu non, je fais tout de loin. L'épuisette, très loin avec l'épuisette et tout, et on va voir. Je promets. Alors, c'est vraiment de la dextérité. Enlève 10 quand même, parce que c'est compliqué. Tu l'avais pas dit Bah ouais, mais c'est quand même. Alors, c'est 25. Ah, d'accord. Ah, non, relance, c'est vrai, c'est 20. T'as raison, on relance. Allez, 25. 25, donc, c'est 25 beau. Sur 70. Waouh, incroyable. Alors, c'était tu cool. Touches un peu des pièces d'or qui tombent sur le côté. Tu n'arrives pas à les rattraper, mais voilà, les pièces d'or s'étalent un petit peu. Le tas de pièces d'or qui était compact sous le. Mais maintenant. Et est-ce qu'il ne dévoile pas quelque chose, le tas, en s'effondrant? Il n'y a rien en dessous? Non, il y a juste 123 pièces d'or. Et il n'y a rien qui se passe. Il ne se passe rien. Et ben, il ne se passe rien pour l'instant. Est-ce que sur le tableau, tu m'as dit qu'il y a un tableau d'elle? Oui, c'est sur ça. Sur le tableau et le collier? Sur les pièces d'or, non. Sur les pièces d'or, il y a un tableau d'elle et le collier. Ouais. Est-ce que c'est pas un genre d'alarme, genre pour les pillards, justement, on les tente avec les pièces d'or et donc là, si on a bougé les pièces d'or, ouais. Ça va déclencher une alarme, maybe. Ouais. Oh bah on les a déjà bougées. Donc on les prend. Est-ce qu'ils l'ont pas enfermée dans le tableau pour la punir? Est-ce que c'est pas elle dans le tableau? Pour de vrai? Ikora. Bah elle a envoyé une comète sur l'école. Je me dis, t'as envie de te venger quand même. Ouais, mais bon, si est-ce qu'on les prend? Ok, main levée, est-ce qu'on prend les pièces d'or? Moi j'ai pas envie. Hein. Ouais. Donc, non. C'est... Bah après on les a déjà bougées. Moi je dis on les a déjà bougées, il s'est rien passé. Ça change quoi de les bouger dans nos poches? Après parce que peut-être elles sont maudites et du coup la malédiction elle va nous suivre dans tous les sous-sols. Il en reste. C'est un piège magique, tu sais. C'est pas une alarme bip comme dans les bibliothèques. Ok. Je me range à votre avis. Si vous êtes trois à penser qu'on les prend pas, on les prend pas. Alix, pas de regret? Si, un peu. Donc on y va, on continue? Bah ouais. Hein. Allez, on verra si on remonte. Vous descendez au 8e sous-sol. 8e sous-sol, 6e sens de Isabeau. La travaille un peu. Oh, il y a un animal. T'as tes petites moustaches qui frémissent. Et vous arrivez au seul étage carrelé du sol au plafond. Certainement pour faciliter l'entretien. Pourtant, il y a une ambiance poisseuse là-dedans. Il y a des dizaines de cages qui occupent l'espace. Mais il n'y a que des animaux et malheureusement, ils sont morts. Faute d'entretien. Il y a néanmoins un énorme cage, disons une cage qui pourrait retenir deux ours. Et dans cette cage, un grand reptile filiforme aux écailles bleutées, qui avec des yeux jaunes, qui te regarde avec des yeux jaunes d'ailleurs, il est dans un enclos qui est un peu trop étroit. Il hurle à la mort, donc il est très très malheureux. Et il est nourri à la fois par l'eau qui est un petit peu en train de descendre d'en haut, donc patauger un peu dedans. Donc il boit l'eau et aussi il reçoit de la nourriture qui vient du labo des chimères qui est juste au-dessus. Il y a une sorte de, on va dire, de conduit, de vide ordure. Ils mettent un peu de viande dedans et lui il se nourrit comme ça. Mais il est très malheureux, ton sixième sens te dit qu'il est malheureux. Maintenant, tu n'as jamais vu un lézard bleu géant avec des yeux jaunes et tu te dis qu'est-ce que c'est et est-ce que ça va me manger aussi. C'est un lézard, moi, ça. T'as un lézard. Ah, faut lui parler, frère. Bah ouais, faut le domestiquer, non? Bah j'aimerais bien essayer de lui parler quand même avant. Bah allez hein. Et après je peux peut-être le domestiquer. Est-ce qu'on peut l'appeler Nodus? Oh ah, oui. Alors Nodus, vas-y. Donc tu veux lui parler? J'aimerais bien, oui. Alors qu'est-ce que tu lui dis? Ah mais je peux. Non mais d'abord il lance. Bah, faut lui parler. Tu me dis ce que tu lui dis, après tu lances les dés et on voit si ça fonctionne. Je voudrais lui demander qui il est, d'où il vient, est-ce que il aime les humains. Vas-y, lance les dés. Où es-tu? D'où tu viens? C'est une bonne question. Est-ce que tu aimes les humains? Bah, il a dû être un peu trauma, je pense.
67. Il te fait un signe, genre imperceptible de ses yeux, mais toi tu le comprends. Ouais. Comme quoi il faudrait que tu te rapproches parce qu'il veut te chuchoter quelque chose. Ouais, bien sûr, ouais. Je te connais, Nodus. J'en ai vu des comme toi. Non, qu'est-ce que je vais faire ? Tu peux le domestiquer, hein ? Ouais, je le domestique. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ta technique pour domestiquer un lézard ? Ma technique pour domestiquer un lézard. Parce que c'est une espèce. C'est une espèce inconnue. Donc tu as un malus de 20% pour le domestiquer. C'est pas un cheval, tu vois. Mais si tu as une stratégie pour le domestiquer qui est claire, tu peux gagner son cœur. Ok. Sachant qu'il est, il va pas bien. Hein, il va peut-être mourir dans les jours qui viennent. Oh non, mais bichette. Mais oui. On peut l'aider. Ouais. Il faut qu'elle fasse parce qu'on a un petit peu d'eau quand même. On pourrait lui. Il y a 20 cm d'eau par terre là. Après, lui, ah oui, il y a les animaux morts dans les cages autour. Après, il faut voir la fraîcheur, ouais, mais c'est peut-être faisandé, quoi. Puis c'est peut-être ses potes, la tu vois. Corbouille, non, je rigole. Est-ce qu'ils sont très, très décomposés, les bouffé, animaux qu'on n'a pas bouffé avec nous ? Il y a peut-être un animal qui est moins décomposé que les autres, un seul. On va dire un petit singe. Ok, je vais aller vers lui en lui proposant un petit singe et en lui promettant que si j'arrive à le domestiquer... Enfin, s'il veut bien nous accompagner, parce que finalement, c'est ça, c'est aussi son choix. s'il veut nous accompagner et peut-être nous défendre dans les aventures qui nous attendent, et bien, je m'occuperai de lui tout le temps. D'accord. Tu tiendras ta promesse ou pas ? Bien sûr, mais ça va pas la tête. D'accord. Lancelet, t'as pas de malus. Mais personne n'est très sincère. Hein. Mais tu as fait un pacte avec lui. Faut pas le trahir, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, tu crois vraiment que je vais le trahir ? Ça va pas. Bah petit Jean Bonneau. Bah petit Jean Bonneau, on l'a pas trahi. Petit Jean Bonneau. Petit Jean Bonneau. Et les carpes. Oh, 8 08 ouais. 08 Alors 08 forever, tu crées un lien incroyable avec ce lézard et il y a un lien d'amitié incroyable et il pourrait même mourir pour toi, tu vois, genre si un monstre il se jettera sur le monstre et il mourra pour toi. Non trop triste. Par contre il est très faible, donc tant qu'il ne sera pas bien nourri d'ici quelques jours, Nodus sera pas très utile, il va juste se traîner derrière vous. Yes. C'est aussi un lézard bleu géant, hein, donc géant comment deux ours gros comme deux ours. Gros comme, mais l'un sur l'autre ou en largeur ? En largeur. D'accord. Ça va être pratique, on pourra monter sur son dos pour se faire la grande échelle. Mais même pour se promener, tu vois, quand il ira bien, on pourra monter sur lui. S'il est ok, ouais. Il m'adore. Avec son consentement, bien évidemment. Vous descendez encore et encore. Alors là. Lézard qui nous suit. Avec un lézard, effectivement, qui vous suit derrière. Il aime. Et pas un petit truc à grailler là. On lui a donné le singe, non ? Ouais, super. Oui, on lui a donné le singe un petit peu. Déjà, le 13e sous-sol. Ah ! Eh oui. Vous savez qu'on n'allait pas faire les 36. Petite ellipse. Vous avez un message qui vous parvient de la professeure de sciences psychiques, Nila Tinuviel, qui t'avait mis à l'épreuve. Dans ma tête. Et Nila Tinuviel vous dit, vous êtes trop profond. Je vous espionnais jusqu'à présent, mais je suis en train de perdre le contact. Je ne pourrai plus vous aider si vous allez plus profond. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer ? Bah, d'où elle nous a aidés depuis le début. Ouais, grave. Attends, non, mais c'est sympa de sa part de veiller sur nous. Elle veut dire, nous surveiller, tu vois. Fin... Ouais, elle nous surveille plus qu'elle nous veille. Non, mais oui, c'est cool, mais on va pas s'arrêter là, quoi. Il y a littéralement aucune dimension où on s'arrête là et on disait, c'est vrai, merci Nina, on remonte, enfin, non. Bon, après, moi, je pourrais vivre heureuse avec mais nos... Mais t'as volé les armes propres, là. Ah ouais, mais bon, on fout. Alors, est-ce que vous formulez une réponse à Nila Tinuviel ? Bah oui, on lui dit. Moi, je sens, elle lit nos pensées, donc peux-tu nous donner des conseils pour la suite ? Oui, je vous donne un conseil, c'est que si toutefois vous trouvez le fameux livre que vous cherchez, je vous conseille de me l'apporter. Voilà mon conseil. Okay. En vrai, je vais peut-être le faire. Je déteste Ace of Glass. Vous descendez 22e sous-sol. Ici, l'escalier en colimaçon s'interrompt. Pour continuer la descente, il faut traverser maintenant le 22e sous-sol. À l'autre bout, comme d'habitude, de la pièce ronde, l'escalier reprend. Mais entre vous et cet endroit, un colosse de pierre qui... À partir du moment où vous mettez le pied, en tout cas, quand tu as mis le pied dans la pièce, commence à remuer. Son corps est un énorme bloc, ses membres sont longs, constitués de dizaines de galets maintenus par une sorte de champ magnétique. Sa tête inexpressive est un morceau de quartz. Il gronde et en retour, Nodus gronde aussi. Que faites-vous ? Mon bébé. Louise, c'est le moment de... C'est le moment d'utiliser le médaillon. Ouais. Alors... Donc on a le saut, on a le médaillon et on va espérer que ça fasse ce qu'on veut que ça fasse. Moi je suis devant vous avec mon bouclier. Alors, je vous explique le plan. Ouais, explique-moi le plan. Donc le plan, c'est que je vais invoquer le pouvoir du médaillon.
en disant la phrase qu'il invoque. Et ensuite, bah, je vais essayer de contrôler l'eau qui est dans le seau d'eau pour la projeter sur la tête du golem. Là, pour... t'as aussi 10 cm d'eau par terre. Oui, bah alors toute l'eau de la pièce, je vais faire une grosse c'est douche. C'est vraiment trimballé pour rien. Un tsunami sur le golem. Alors déjà, lance un dé à 6 faces. Aïe, 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 je les connais ceux-là, moi je tombe des falaises après. 6. Alors, tu as eu beaucoup de chance puisque c'est le score maximum et c'est le nombre de charges qu'il y a dans ce médaillon. Là, tu vas en utiliser une et tu pourras l'utiliser encore 5 fois. Voilà. Maintenant, tu... La petite tête de Louise qui dit c'est pas tellement beaucoup, mais j'aurais préféré peut-être 12, mais un dé 20 faces. Mais... Tu vas maintenant lancer un dé à 100 faces et plus le score sera bas, plus tu vas pouvoir faire des choses merveilleuses avec cette puissance de l'eau que tu maîtrises désormais. Combien ? Génial. Non, mais attends, 98. Tu devais. Non okay. 98, alors c'est mal. Tu peux rien faire. Tu devais pas lancer. Non, tu peux pas rien faire, mais tu peux manipuler l'équivalent d'un verre d'eau très lentement. Tu peux petite boule d'eau qui vole. C'est l'entraînement, t'inquiète, on en a encore 5. Voilà. Si jamais quelqu'un voulait le splasher avec un bouclier, par exemple, ça va, il est trop haut ou ça semble dans le champ d'eau. Déjà, est-ce que tu fais quelque chose avec ce verre d'eau, cette petite boule d'eau qui se balade ? Une petite boule là qui se balade ? Oui, très lentement. Trouver l'endroit où ça peut-être attire-le loin. Ouais, fais la voler. Fais une sorte de diversion, tu vois. Non, mais peut-être le ou temps que tu fais. Ou donne-la à Nodus parce qu'il a soif. Mais elle part Nodus. Non, mais peut-être pendant que tu fais voler l'eau, du coup, vu que ça va pas vite, on lui envoie de l'eau sur la tête. Toi, voilà, toi, tu t'occupes du verre d'eau qui est dirigé de façon précise, et puis nous, on l'éclabousse, quoi. Donc moi, j'essaye. Il est très haut. Il est grand comment ? Il est jusqu'en haut de la pièce, 2 mètres. Ah oui, ok. Donc comme un gars. Bah, j'essaye de lui splasher. Je donne des coups de pied dans l'eau qui est par terre. C'est quoi ? Pour leur splasher dans la gueule. On a le seau. Jette-le avec le seau. Ah oui, je jette le seau d'eau. D'accord. Moi, pour que ça va, la petite boule volette plutôt par l'arrière, non, pour venir en arrière. Faut qu'on lui fasse un Chevillus fragilus et comme ça on le check une fois qu'il est tombé. Attends, on essaye plusieurs choses. Mais j'ai peur qu'il s'énerve après. Vous avez droit à une action chacune, donc j'ai ton action. Isabeau et Suave, qu'est-ce qu'elles font ? On peut savoir ce qui se passe une fois qu'elles ont commencé à lui jeter l'eau dessus. Non, justement, il faut me dire qu'est-ce que je vais faire. Sinon, tu peux dire moi je fais rien, j'attends de voir ce qui se passe. Ensuite, le golem va faire quelque chose et ce sera à vous, à nouveau. Tu peux cheviller. Bah oui, moi je cheville direct et comme ça. On essaye de regarder où est spoté son truc. Chevillus fragilus, c'est pas une malédiction sous une compétence particulière ? Non, on l'a eu. Ouais. J'ai donné un sort qui fait trébucher. Y a pas un... ouais, ça marche à tous les coups sur mes notes. Ouais, moi. Pas besoin de lancer les dés. Tout le temps, j'ai noté. Fibre a dit qu'on ne pouvait ne pas lancer les dés car on fait automatiquement 0. On peut tout lancer le Chevillus fragilus. Mais moi j'ai noté 27 en dessous, mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc... D'accord. On va... Ok, très bien. Donc tu lances un Chevillus fragilus et toi ? Est-ce que je fais aussi mon Chevillus fragilus de l'autre côté, comme ça il est vraiment à plat ? Non. Franchement, il fait 2 mètres, il fait pas 10 mètres. Ok, bah je reste là en attendant de voir ce qui se passe sur cette première action. Très bien. Toi, tu vas donc. Salma s'approche et va essayer. Alors, quel est ton but de lui mettre de l'eau sur la tête ? On est d'accord qu'il a quelque chose d'écrit sur sa tête ? Quelque part, je sais pas si c'est un tatou. C'est pas un golem, putain. Alors, il a dit qu'il avait une tête en quartz. Les golems, c'est pas en quartz. Alors, tu veux voir. Alors, sur sa tête, tu veux regarder sa tête attentivement. Oui. Alors, tu t'approches, en tout cas, tu vas faire ce truc du seau d'eau, d'accord ? Oui, et je vise sa tête. Voilà. J'espère que c'est la. Je pense que c'était la meilleure idée. Tu l'éclabousses, il est pas très surpris. Et en fait, tu t'aperçois qu'il a effectivement une rune gravée sur la tête de quartz. Gravée dans la roche. Voilà, gravé dans la roche, exactement. Mais j'avais dit gravé, hein. Mais jamais il a dit gravé. Au cours, et le prof, il a dit non, écrit, ça suffit. Oui, ça suffit, coup, mais... Gros, comme les c'est genre, c'est suffisant, mais parfois, et on grave, voilà. Peut-être quand c'est un piège mortel. Donc en tout cas, super, l'eau dégouline sur sa tête, voilà. Il a une réaction ou... Bah, en tout cas, il y a Suave qui lance son Chevillus fragilus, qui le fait ployer de son genou, et toi, tu fais rien, et toi, tu fais bouger ta petite boule, c'est ça? Bon, on va aller prendre. Bah, toi, il va s'acharner sur toi. Fais-moi un jet de réflexe. Merci, c'est super. 70. Attends, il faut qu'on fasse les coups d'après. Commence à réfléchir déjà au deuxième round. Ouais, n'hésitez pas à brainstormer là. Est-ce que Nodus va mourir ? Alors, j'ai fait 0 déjà, donc ça va être super. Mais je relance l'eau. Faut qu'on... Et ça a bougé l'autre, mais bref, j'ai fait 41. La dague d'Inguild, d'accord. Elle doit être rechargée. Tu penses qu'on prend la dague d'Inguild ? Pas genre un couteau normal ? Mais genre, imaginez, elle va avoir une arme qui s'adapte. Ah, le poignard de lancer ? Elle a pas d'alarme quand les mecs lui ont pris. C'est vrai. Le poignard expéditif. Ouais. Le golem essaye d'écraser d'un seul coup mortel Salma.
Salma se met de côté facilement, d'autant plus qu'il roulade latérale. Il est fragilisé par un chevius fragilus. À vous. Je vise la rune sur sa tête et je lance mon poignard expéditif pour essayer de faire, enfin, de gâcher la rune, quoi. Ok. Et que faites-vous les trois autres? Est-ce qu'on utilise de l'huile champi là? C'est pas le moment de lui jeter des champignons sur la gueule? Je vois pas ce que ça fait. Ouais, fait sur rune, de la roche. Bah ouais. Sur bah si, un champignon qui bouffe la roche. Mais ça va le remplir. Enfin, je doute et j'aimerais bien le garder pour plus tard. Par contre, moi, j'ai une dague, tout simplement. Je peux faire. J'aimerais bien. Faire comme. Jeter des petites dagues dessus. Après, on aura plus d'armes pour se défendre. Mais moi, j'ai genre deux haches, trois dagues. T'es sûr que tu veux... Bon, on peut pas changer ce qu'elle vient de faire, on est d'accord, elle l'a fait. Tu veux pas le faire? Tu veux pas utiliser une hache au lieu du poignard rare que t'as trouvé grâce à un jet incroyable qui a un nom intrigant et qui peut-être vaut plus que juste le lancer sur un golem? Ah ouais, c'est mais après, vrai. Je peux le ramasser. C'est vrai, espérons. Il va pas très rentrer bien. Dans le golem, non? Who knows? Si, lui faire prendre la potion de Bunny Droga, non, il a une bouche. Non. Dommage. Il a même pas de yeux. Il est fait en rush. Il a pas de yeux? Non, il a juste une tête... Bah alors comment il sait où était Salma? Bah ça, genre ça, c'est magique ces trucs. Hein. Bon bah, je peux te prendre une hache et je lui mets un coup de... Ouais, je lui mets un... ouais, j'essaye je de lui mettre un coup de hache. Mais tu la ramasses après si je te la prends. Oui d'accord, je la ramasse. Coup de hache, expéditif. Isabeau, on est bien derrière, c'est ça? Voilà, et Louise? Non, mais t'as même pas coup de... Je vais consommer une deuxième charge d'eau là, c'est pas possible. Un truc qui marche mieux que ma petite boule. Allez vas-y, lance. Mais de toute façon, là, c'est tu vas faire un carcher. Mais mets pas de l'eau, mets du feu. Mais on n'a pas de feu. Mais si, on a une torche. Mais c'est du quartz. Ah ouais. Moi, je. Mais tu vas faire quoi avec l'eau? 43. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu peux modeler l'eau pour en faire des choses extraordinaires. Je veux faire un carcher très fort et je vise la tête. D'accord. Donc, le carcher. Donc, vous voyez Louise faire de la magie, ce qui est exceptionnel. Wow. Elle prend toute l'eau qui est là. Il y a un carcher très fort sur sa tête. Ça reste quand même des choses de gravées. Mais par contre. Suave lance le poignard expéditif, qui est un poignard extrêmement rare. le lore de Game of Thrones va enfin savoir ce que c'est que le poignard expéditif. Le poignard expéditif, c'est un poignard très rare qui, quand il est lancé, ne manque jamais sa cible. Et wow. Réussit parfaitement et tue instantanément ce qu'il a suivi. Par contre, le problème, c'est qu'à partir du moment où il est utilisé, il disparaît et il réapparaît ailleurs. Donc effectivement, donc on va pas le ramasser par terre. Il atteint parfaitement la rune, il altère la rune. Le golem s'effondre comme un tas de choses qui servent à rien. T'as perdu. Ça sert à rien. Donc t'as encore perdu une. Ouais, et t'avais perdu le poignard expéditif, mais voilà, ça c'est oui, plus d'un moment bien terminé. Ça sert à quelque chose. Ouais. Moi j'ai le seum. Franchement, on note ne pas utiliser les objets qui ont un prénom la prochaine fois en première instance. Attends, on va le retrouver. Mais non, oui. Mais on va en refaire des 8. Quelque part dans le monde. C'est vaste. Est-ce que vous souhaitez continuer au 23e et sous-sol? Ouais. Bah ouais, hein, on est là. Hein. Vous suivez Suave. Est-ce que je peux... Pardon, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à looter sur un golem géant? Il y a pas de... Il y a des morceaux de quartz, si tu veux. Il y a des morceaux de quartz. Ouais. Oh, ah ouais, moi j'en veux aussi, ouais. Potions, hein. Ça va. Ouais, combien de francs chacun? Pas plus d'un kilo, d'accord? Allez, un kilo de quartz. Faire des belles montres. Vous descendez 23e sous-sol, 24e et ainsi de suite. Plus de pièges, tout va bien. 35e sous-sol. Oula, vous êtes, on y approche, vous êtes presque, exactement. Et à partir du moment où vous arrivez au 35e sous-sol, la salle dans laquelle vous êtes change. Évidemment. Au lieu de pierre, les murs de cette section de la tour du savoir souterraine semblent faits d'un étrange métal, tandis que le sol est une surface blanche plutôt lisse. Au plafond, il y a des tubes qui émettent de la lumière et il y a devant vous, qu'est-ce que je pourrais dire ? Un autel de métal et une barrière métallique. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça... Est-ce que c'est... moi, dans ma tête, c'est un portillon du métro ou quelque chose comme ça, tu vois. On est sur une entrée de quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous reste comme piège, là? Est-ce que tu... Il y a on a des petites pièces. Il y a des petites fentes pour mettre des pièces ou pas? Il y a une petite fente dans l'hôtel. C'est marrant. On met chacune une pièce. Attendez, on est sûr? Oui. Est-ce qu'on regarde d'abord? Genre, est-ce qu'on commence par perceptionner avant de mettre notre pièce? Ouais. Si vous voulez, allez-y. Tu regardes. Perception. Bah, tu regardes autour de toi et tu vois qu'effectivement, il y a une porte. Enfin, derrière la barrière métallique, tu peux voir un petit peu, il y a un escalier qui descend. Ok. Bon, bah, s'il n'y a rien de plus à voir, on va mettre nos pièces, non? Est-ce qu'on peut essayer de passer sans mettre les pièces? Il ne se passe rien. Mais ça va zipper. On va mourir. Enfin, vas-y, je te regarde. Tu veux passer? Fais-moi un petit jet en courir-sauter. Allez. Il faut que tu essaies de franchir la barrière.
courir, sauter. J'ai rien. Ah si, j'ai 20. Tu vas très tamé, ouais. Grosse partie. 96. Aïe, aïe, aïe. Tu essayes de passer par-dessus la barrière. La tête d'Isabeau. Oh non. Non, en fait, c'est un mal pour un bien. Tu essayes de passer la barrière. Malheureusement, tu te vautres et tu te fais mal au nez, donc tu perds un point de vie. Voilà. Il se passe rien d'autre. Elle essaie de passer, elle n'est pas restée passée. Elle est encore de votre côté. Ah ouais. Bah moi, je mets ma roue en argent de Shazam dans la fente. Et tu veux pas essayer de passer au-dessus comme Non, moi je ne fraude pas. Tu mets la pièce dans la fente et la barrière s'ouvre pour toi. Je traverse. Tu passes de l'autre côté. Et je vous dis, c'est facile. Moi je le fais aussi, du coup. Mais je peux passer avec Nodus? Non, alors Nodus reste de l'autre côté. Non. Comment on fait alors? Parce qu'il fait deux ours. Bah, j'ai pas récupéré ma roue, elle est pas ressortie. Non. Ma pièce en argent. C'est pas le jeton d'un caddie. Cependant, tu peux me coller là, comme tu peux, dans le métro. Tu peux demander à Nodus de passer par-dessus la barrière plus aisément. Oui. Bah, en vrai, c'est un lézard, il peut. Ouais, mais j'ai peur qu'il se fasse mal. Bah, laisse-le là et on le reprend en remontant. Sinon, mais j'ai peur que quelqu'un soit venu le récupérer. C'est vrai que tu lui as promis. Et en plus, j'ai peur qu'on remonte pas. T'as combien en courir sauter, toi? Est-ce que tu peux pas le faire passer avec ta pièce, miskine, et toi après le faire à pied pour pas qu'il t'en fasse? Tu te sacrifies pour le 70 lézard, hein. En courir sauter. C'est elle qui reste coincée derrière. Mais tu veux faire quoi, toi? Bah, moi, courir sauter et lui le passer avec la pièce. tu peux courir et lui lancer la pièce après. Je veux dire, y a pas de mur. Tu veux pas faire ça avec le lézard? J'ai trop peur. Essaye d'abord de courir et laisse-moi ta pièce, je la donnerai à Nodus. Toi, tu mens. Mais non, elle va lui donner. Toi, tu mens. La confiance rend deux pièces. Alors, tu veux passer par-dessus? Je sens que c'est un piège. Moi, je vais mourir. Non, je me suis cassé le nez. C'est juste, il faut juste réussir ton jet. Et peut-être qu'il y a une barrière invisible. C'est possible. Voilà, attends, c'est ça. Est-ce qu'on voit toujours Salma ou elle a disparu? Non, Salma est de l'autre côté. Non, et tout va bien, tu nous dis tout va bien. Alors, bah, courir sauter pour sauver mon lézard. Je savais que j'allais le payer. Avoir des enfants. 84. Elle, toi aussi, tu te. Tu casses le nez. Tu te fais mal au nez. Tu perds un point de vie encore. Tu perds beaucoup de points de vie, non? Non, ça va. Tu as encore envie? Donc, tu es toujours du même côté que Nodus. Voilà. D'autres idées? Quelqu'un veut passer? La seule idée que j'ai, c'est que tu mettes une vraie pièce d'or à la place pour voir si ça marche. Genre, une pièce de Shazam, mais une pièce en pièce argent, d'or, ouais. En or. Et puis... Les pièces d'or sont trop épaisses. En dernier. Trop épaisses. Ah ouais. Genre, on casse pas le truc avant d'être tous passés. Non, mais c'est pas bête, mais ça passe. Mais dis à Nodus d'escalader. Il va y arriver, c'est un lézard. Il est gros et tout. Non, mais il va mourir ou pas? Dis-le moi parce que ça m'inquiète vraiment. Je peux pas te le dire, mais sache que tu lui as promis qu'il sera en vie. C'est tout ce que j'ai à te dire. Non, mais c'est. Non, c'est pas vrai. Mais. Si tu veux, si tu lui demandes de sauter, j'interprète en fonction, j'ai un scénario. Après, bah, alors moi je passe avec la. Non, ouais. Bah non, je lui demande de sauter et après je passe avec ma pièce. D'accord, tu demandes de sauter. Alors, Nodus, qui est un lézard obéissant et aussi un lézard assez fort, il n'a pas de problème à sauter par-dessus la barrière parce qu'il se retrouve de l'autre côté. Par contre, au moment où il se retrouve de l'autre côté, une alarme retentit. Non, ouais. Ah, fuck. Ne bougez plus, vous êtes des intrus, on vient vous chercher. Voilà. Bon bah au cavale là, on y cavale, va. Ouais. Ouais. On met nos pièces, on descend. Hein. Vous descendez alors qu'il y a des alarmes partout au 36e sous-sol. Okay. Vous entrez dans la plus petite pièce, la dernière pièce, celle qui n'a pas de passage plus bas. Et il y a une seule chose, un piédestal au centre avec au-dessus un grand livre jaune fermé qui émane une énergie un petit peu puissante et piquante même. On dirait qu'il essaye de s'ouvrir comme s'il était vivant et il a une couverture de cuir assez épaisse qui tient bon. Que faites-vous? Eh ben, on l'ouvre et. Mais quoi? Mais une connaissance des secrets. On ne peut pas faire un truc de connaissance. Mais c'est pas un livre maudit. Il y a toutes les réponses dedans. Oui, mais il essaye de s'ouvrir. Il nous a dit ça. On n'en sait rien. Ça a pas l'air d'être juste les copies du bac. Le truc, il palpite. Il veut sortir. J'aimerais bien que tu analyses si tu arrives à comprendre quel type de magie c'est. Ok, ok. Ou alors tu mets tes doigts dessus, mais on est. Allez, fais-nous encore un 90. Allez, 20. Allez. 20. Alors, c'est un livre qui a beaucoup de puissance magique. Contient-il les questions et les réponses? Alors, pour toi, ça te semble peu probable, mais plausible. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bizarre qu'un livre aussi puissant contienne les réponses, mais aussi, tu as des questions en prophétie, tu as des questions dans des
quand même des domaines puissants. Donc, tu te dis, est-ce que s'il y a des prophéties là-dedans pour les examens de dans 15 jours ou dans 3 mois, peut-être effectivement ça justifie la magie. Alors, est-ce que c'est un livre magique ? La seule façon de le savoir, c'est de l'ouvrir. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est un livre qui te dit ce que tu veux trouver dedans. Je pense qu'il n'y a rien dedans tant que tu l'ouvres et là, ils te disent ce que tu veux. Mais c'est juste une hypothèse. Donc, est-ce que je peux repérer si je vois des formes de pièges mécaniques ? Oui, fais un jet de perception. Avant qu'on essaye de mettre nos gros doigts dessus. Perception, j'ai 60. Ah. 74. Il y a peut-être des pièges, mais en tout cas, on ne les voyait pas. Moi, ils vont arriver là, les automates. Je pense qu'il faut qu'on ouvre, qu'on prenne le livre, qu'on l'ouvre et qu'on lui demande ce qu'on doit faire pour se débarrasser des automates. Je sais pas. Mais on n'est pas sûr de ce qu'il y a dedans. C'est ça, qui invente. Bah, go. Donc, tu ouvres le livre ? Ouais, moi, j'ouvre le livre. Alors, tu ouvres le livre et dedans, il y a des choses inscrites, malheureusement, dans un langage que tu ne comprends pas. Même en faisant une petite connaissance des secrets et tout. Tu ne le comprendras pas. Okay. Tu le sens. Tu le sens qu'en fait, c'est un chiffrage. Que peut-être les professeurs savent déchiffrer. Faut qu'on parte, là. Faut qu'on dégarpisse, ouais. Alors, vous voulez partir. Vous avez le livre avec vous. Qui le prend, le livre ? Toi, t'as déjà la dague. Moi, j'ai la dague, ouais. Moi, j'ai la... Alors, je sais pas qui a la statue. Je l'ai noté au cas où. Moi, j'ai le livre à Champy. Moi, je peux le prendre. Allez, Isabeau prend le livre. Et vous allez remonter les 36 étages. Malheureusement, il y a des gens qui sont en train de descendre à partir du premier étage. Donc, je vous laisse le choix d'une stratégie. Vous avez vu tous les étages que vous avez traversés. Est-ce que vous avez une stratégie par rapport aux personnes qui vous poursuivent, probablement Ingvild, très probablement des soldats mécaniques. Est-ce que vous avez une stratégie ? Alors, tu vois, moi, c'est là que je me dis qu'on aurait dû garder le griffon, tu vois. Mais non, mais il voulait pas venir avec nous, le griffon. Le griffon, t'es monté dessus, il était choqué. Je suis monté sur tous les animaux. Une des strates, c'est de se planquer et de les faire croire et leur faire croire que c'est Nodus qui a déclenché le truc en allant tout seul franchir la barrière. Sacrifier mon Nodus là. On le sacrifie pas, on viendra le rechercher après une fois que tout le monde sera reparti et qu'on aura plus de problème. Donc on laisse se balader. Une cachette et on laisse se balader. Ok. On peut se. Alors, est-ce que moi j'ai une idée de cachette. Ah. Qui serait peut-être genre le conduit entre le labo et la cage de Nodus où ils font passer la bouffe. Genre, ça a l'air d'être soit un raccourci pour remonter, ça, c'est soit malin, un endroit c'est où on peut se planquer de ouf. Okay. Là, je voyais ça comme un petit tube, mais si on peut se planquer dedans, c'est pas mal. Le seul problème, c'est que Kiris va nous balancer parce que lui, il nous a vus. Sinon, on sait pas qui on est. Mais si, il sait qu'on est Ingvild. Voilà, c'est super. Bah, lui, alors par contre, je pense que son petit bail de location là, de l'archive, c'est d'être. Donc, c'est est-ce que vous gardez l'idée de on laisse Nodus vacuum ? Bah, non, du coup, ça marche pas. Parce qu'il va dire, mais s'il y avait des gens, ou alors, sauf s'ils pensent, ils ont pas confiance dans le gars et qu'ils pensent. Mais avec le conduit, on peut remonter, ça va être la botte. Oui, c'est plutôt ça la technique, c'est de se barrer par le conduit. Mais sans Nodus, du coup. Hein. Est-ce que. Alors, question, mais on reviendra le chercher, promis. Non, mais non. Est-ce qu'on laisse la dague d'Igville par terre pour que ça attire son attention et que peut-être ça l'envoie vers une mauvaise piste, parce qu'en soi, c'est pas du tout nous qui lui avons volé. Donc si elle se dit, c'est les saligots qui ont volé ma dague, tu vois. Ou est-ce qu'on l'a. Je me dis que ça peut peut-être l'occuper d'autres. Moi, je me dis que cette dague, elle est puissante. On a déjà perdu un poignard ce soir. On va peut-être pas. Qu'on avait trouvé aussi ce soir. Ouais, on peut laisser le livre des champignons pour Non l'induire en erreur. On n'est pas obligé de laisser ma dague. Je me dis que le livre des champignons, si jamais il nous court, c'est une bonne technique pour au moins les ralentir. Ok, on essaie de courir jusqu'au conduit, du coup. Alors, Louise monte dans le conduit. Il y a un peu de viande et de gras sur le côté, mais vous montez quand même un petit peu. Suivi de Salma. Moi, je reste avec Nodus. Tu restes avec Nodus ? Non mais je l'ai promis, je peux pas partir. Oui, je sais. Alors justement, tu remontes pas dans le conduit. Bah en fait, je pense que moi je vais me cacher sous Nodus, on se remet dans sa cage, tu vois. Ah, tu fais style, la cage de Nodus est refermée. Tu veux la fermer de l'intérieur. Enfin, tu fais ça. Mais attends, mais ils vont jamais croire que Nodus est sorti s'il est dans. Ah mais remarque qu'on est bien tous planqués derrière Nodus dans sa cage. Est-ce qu'on peut passer inaperçu? En tout cas, il n'est pas dans sa cage. S'il croit que c'est lui, il faut bien qu'il soit quelque part. Non, mais il croit pas que c'est lui. Va dire il croit qu'on s'est échappé déjà. Pardon, je suis perdue. Moi, je suis plus à l'aise dans le conduit que dans la cage derrière un gros lézard. Mais si tu veux te cacher derrière lui. Moi, je pars par le conduit, moi. Donc, tu te caches derrière Nodus. Alors, c'est pas une excellente idée, mais c'est une bonne idée quand même parce que, effectivement, comme tu as basé ton amitié sur le fait de jamais l'abandonner, si tu l'avais abandonné, il aurait été vénère.
Bah voilà. Oui. Voilà. Donc ça c'est bien. Et toi que fais... Alors ça, c'est toi, tu vas mourir, mais loyer, alors, moi rentrer dedans. Alors le problème c'est que tu es trop corpulente et tu ne rentres pas dans le conduit sauf si tu trouves une technique pour rentrer dans. Voilà. Alors tu es trop large d'épaule, tu as trop de muscles parce que c'est un petit conduit. Qu'est-ce que tu fais? Je me plains que le conduit est grossophobe en premier lieu. T'as raison, c'est la priorité. On va le cancel. Et après, que je trouve une technique pour. Bah, tu pourrais. Je peux pas, genre, enlever. Je sais pas, jeter une de mes affaires. Non, de toute façon, je suis trop large d'épaule. Est-ce que tu veux abandonner une partie de ton armure de Valkyrie? Est-ce que je crois que c'est là qu'il va falloir qu'on fasse des choix. Non, mais toi, t'es en train de me faire des bisous à ton lézard. Et moi, je suis. T'as combien d'indiscrétions? Juste si t'abandonnes des trucs, essaye de pas les abandonner en bas du conduit pour qu'ils puissent pas se dire qu'on a fui par le conduit, quoi. Pas mêlé avec Isabeau derrière. En plus, ça peut lui servir, mais bon, j'ai, oui, c'est peut-être possible. Je peux filer mes cuissardes de Valkyrie à Isabeau. Ça roule. Je te les prête. Merci. Et moi, je rentre dans le conduit une fois que je les ai enlevés. Alors, vas-y, fais un jet d'endurance, tiens. Tu es forte en endurance, ça va être pas. C'est juste pour voir si tu peux forcer un peu le conduit. Et pas rester coincé. Et Louise et moi, on est suspendus au-dessus, on la regarde, genre vas-y gamine, on l'aide, on la tire un peu et tout. Alors que vous entendez le bruit des soldats mécaniques qui descendent les escaliers. Ça, c'est à cause du lézard. Après, je peux essayer de refaire un tsunami, mais ça se trouve, c'est une boule d'eau, quoi. Qui va 80, lentement. Non, 20. 90, 99. 99, ok. Elle va rester coincée. Alors, plusieurs choses. Tout va tomber. Plusieurs choses. Donc, on va tomber avec, je pense. Ingvild, suivi de trois soldats mécaniques, descend au niveau de la cage avec Nodus. Et de moi, du coup, caché. Exactement. Toi, tu es caché derrière. Fais réussir ton jet de discrétion, cher artiste, c'est le jet de la vie ou de la mort, ok? Non, quoi? Bah oui, c'est super dangereux. Vous êtes, il y a une personne ultra sévère qui vous poursuit et vous avez volé un truc ultra précieux. Ultra sévère et assassine. Désolé, c'est une université, tu vois, on va pas tuer les gens comme ça à vue. On verra. Bon, donc, cher artiste, c'est un jet très important. Il faut que tu fasses moins de 70. Mais ouais, pourquoi tu m'as dit ça? Mais ça m'a pas la tête. Non, mais quoi? Attends, je suis ma fille. Bah oui, c'est ça, c'est important, il fallait réfléchir. Tout ça pour Nodus. Seul interdit Modus. J'en veux trop à Nodus. Ah, putain, avec Nodus. Je stresse tellement. 90. Putain, j'ai eu 80 combien de problème. 90. 7. 97. Oh, yes. 97. Évidemment, tout de suite, elle dit vous derrière le lézard, venez tout de suite. Alors sors, tu sors du lézard ou pas? Tu sors de derrière le lézard ou pas? Je vous ai vu, sortez tout de suite, sinon je lance un sort magique et je vous fais fondre vos yeux. Alors, tu es sous les lames des soldats mécaniques et devant Yvill, donc grande, sèche, habillée en noir avec des cheveux blonds en chignon. C'est vous le voleur Vous êtes quoi? Vous êtes étudiante? Oui. Quelle année? Deuxième. Je peux voir votre médaillon d'étudiant? Oui. Tu lui montres ton médaillon d'étudiant? Elle dit c'est un faux, vous êtes un espion. Mais non, j'ai celui de Marcel alors. Là. C'est autant pour moi. Autant pour moi. Deuxième année, c'est quoi votre nom? Marcel. Putain, on l'aime bien. Marcel, on va vous allez me suivre. Qu'est-ce que vous faites dans cette tour? En fait, il y a une fraternité secrète et ils m'ont dit que si jamais, je voulais rentrer dans la fraternité, j'étais obligée d'aller dans la tour. Vous êtes en train qu'il y a d'autres élèves qui vous ont demandé de rentrer dans cette tour, c'est oui. Ça? Vous seriez prêt à donner leur nom? Oui. Donc je vous avertis, vous vous engagez maintenant à donner votre nom. C'est juste à ça que vous allez peut-être avoir la vie sauve. On est d'accord? D'accord. D'accord. Très bien. C'est votre lézard? Oui. Très bien. Vous êtes en train de discuter ça. Elle est sur le point de t'emmener. Et là, à ce moment-là, hein, 99. Non, ouais, Suave tombe du conduit. Non. Boum. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Bonjour. Qui êtes-vous? Vous êtes sa complice? Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ces lieux? Bah, en fait, c'est la fraternité secrète et ils ont dit qu'il fallait qu'on sauve les animaux du... Et quel est votre nom déjà? Simrune. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ce conduit? Alors vous êtes en train de grimper dans le conduit. Donc elle regarde. Elle fait son jet de perception. Qui est dessous? C'est moi en deuxième. Alors jet de discrétion.
Okay, ne pas bouger. J'ai 70. C'est trop là. Tu vas pas bien. Ton lézard, frère. C'est toi qui as fait 49. En tout cas, vous ne bougez plus, vous n'êtes plus rien, vous êtes une masse noire et elle se dit il n'y a personne. Donc il y en a deux qui s'en sont sortis. Dernier point. Ingvild, c'est pas une rigolote, vous l'avez vu, elle est méchante. Ouais. Elle aime pas du tout Nodus. Quoi ? Elle va peut-être le tuer. Non, bah non. Une chance sur deux. Non. Je te laisse lancer les dés. Tu lances n'importe quel dé, si tu fais un nombre pair, elle le tue sur le coup. Là, t'as décidé de me briser le cœur. J'ai pas rien, t'as raté ton jet de discrétion, t'as fait un 90. J'ai pas rien, elle a fait un 99, ça se paye, je suis désolé. C'est une tragédie, mais peut-être tu voudras te venger. J'ai plus envie de jouer. C'est quoi du coup ? Lance un dé et ne fais pas un chiffre pair. Sur celui-là, il y en a pas mal des impairs. Regarde s'il n'y a pas des trop bas. En général, il y a autant de chiffres pairs que d'impairs sur les dés. Hein. C'est un peu triste. A priori, oui. Celui-là, c'est un dé irrégulier. Mais le... ah, celui-là, il n'y a pas beaucoup. N'importe lequel. Pas pair. Il ne faut pas que ça pair. Ah, pas pair, oui, là, il n'y a que des pairs. Ah, bah oui, ça aurait été bien sinon. Celui des dizaines, il n'y a que des pairs. Celle-là, là, ça. Ouais, go. Ouais, vas-y, ouais. Non mais je sais pas. Ouais, ça. Allez Isabeau. Allez. Allez, ça va bien se passer. Faut arracher le sparadrap. 3. Yes. Beaucoup d'enthousiasme. Désolée pour ceux qui écoutent au casque. Alors elle dit, je sais pas ce que c'est que cet animal, je sais pas pourquoi il est là. Je le referme et je réglerai son sort plus tard. Et quand elle vous emmène aux étages supérieurs, tu l'entends. Génial. Tu l'entends pleurer. Mais tu pleures, c'est pas possible. Je vois des larmes dans tes yeux, c'est pas possible. Mais je suis hyper émue, moi. Je voulais pas qu'il crève. En tout cas, il est vivant, mais par contre, il a le cœur brisé là. Non, mais ouais, c'est même pas moi qui l'ai abandonné. Non, il a vu que c'était une ville qui t'avait. C'est un animal, il comprend rien. On pourra lui expliquer. Ça va pas l'être. Vous arrivez dans le bureau de. Alors, le professeur de chimère, j'ai pas son nom. Sherlock, non, c'est ça ? Pendant qu'on remonte, à un moment, on rentre. Shinkimos, un truc comme ça. Attendez, on a oublié un truc que j'avais. Docteur Shinkos. C'est quoi ? C'est Shinkos. Pendant qu'on remonte, à un moment, on passe dans le conduit tout terreux, là où on rampe dans plein de terre. Et donc, à ce moment-là, vu que c'est plein de terre et qu'on ne peut absolument rien voir à ce qui se passe parce qu'on est accroupi et que moi je suis un peu derrière. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Je lâche la dague d'Ingvild. Même si tu te rates, dans son bureau. Mais on ne peut pas voir, c'est bon, il y a de la terre partout. Attends, on va te débarrasser de la dague. On voit ça dans deux minutes. Nous on est dans le bureau de Ginkos. Toi tu émerges dans le bureau de Ginkos, donc il se retourne et il dit. Quoi ? Oui, c'est. La brigade de protection des animaux. Mais pas du tout, je vous ai vu tout à l'heure en cours, vous avez créé la corbouille. Vous êtes en train de me mentir, c'est ça ? Non, mais c'était une blague. En fait, je me suis cachée dans le conduit parce que je voulais vous surprendre pour vous rappeler votre promesse d'organiser le voyage scolaire à Birkanda. C'est hyper important. Franchement, il n'y a même pas à lancer de dé, c'est excellent. Vous sortez toutes les deux, il dit mais je vais pas oublier, mais c'est super bizarre, c'est dangereux ce conduit, il va sous la tour. Non mais en fait on voulait pas vous déranger, on voulait trouver le moment opportun pour sortir. Mais je jette des animaux morts toute la journée dans ce conduit. Bah oui d'ailleurs on en oui a, ça on en sent un peu d'ailleurs. Voilà donc vous sortez toutes les deux, vous êtes recouvertes de super voilà. Bizarre. Et donc toi. Je te dois tout. Donc tu dis qu'au moment au passage de terre, tu veux échapper. La dague discrètement, c'est ça ? Ouais. Mais pour qu'elle soit perdue ? Ouais. D'accord. Alors, il faut réussir un jet de discrétion, mais tu as un bonus de 40. Waouh. Oui, bah, il faut au moins ça, parce que je crois qu'on dit discrétion. I am not the best. C'est pas ton, tu vois. On se dit pas, oh là là, celui-là, elle est vraiment très discrète avec ses 120 kilos de muscles et son armure. J'ai un bonus de 40. 40. C'est négo, mais quelle arnaqueuse. 45. Non, ok, donc j'ai 30 en discrétion. Donc moins de 70, hein. Ouais, tout le monde réussit moins de 70, pas vrai? Oui, bah oui, tout le monde le sait. Attends, putain. C'est ce dé, c'est ça? Celui-ci, oui. Putain, je suis trop. Ah, c'est toi qui as le livre en plus? Oui. Je regrette tout. Je regrette ma naissance. Tous mes choix. Tout ce qui nous a amené à cette situation était une erreur. Notre vie a vraiment servi à rien. Franchement. Bah, à part à briser le cœur d'Isabeau, super. Ouais, vraiment. Alors, 10. Oui. Effectivement, tu échappes la dague et elle disparaît. Voilà, elle est là en tout cas. Et vous allez monter au bureau de tout en haut d'Atos, savoir le bureau d'Everius. D'Everius, le doyen de l'université, même s'il est minuit. Et vous, est-ce que pendant qu'elles vont à l'échafaud, vous faites quelque chose ?
fait une. Non, mais l'échafaud, elles vont chez le proviseur, calmons-nous quand même. L'échafaud métaphorique. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme diversion? Alors, on a le livre champignon. On ne sait pas combien de champignons il produit. Peut-être qu'il en produit à l'infini. Mais est-ce qu'on risque pas de les. Ah oui, en fait, c'est vrai que ça les occupera un peu. Dans tous les cas, nous, on va se faire buter par Ingvild. Donc... Mais vous allez pas vous faire buter. Oui, bah si je te fais pas croire ça, tu vas pas me sauver, ok. Bah moi, j'ai le problème avec Ingvild. On a la statue de toucan, mais je suis pas sûre que ni toi ni moi ne domestiquons les animaux. Je vois pas ce qu'on va foutre d'un toucan. On sait qu'elles vont chez le doyen. Oui, vous avez cette, okay. Vous avez cette intuition. Okay. Et d'autant plus qu'il y a des rumeurs en disant il y a des gens qui sont introduits dans la salle, dans les couloirs interdits. Vous avez vu, tout le monde a entendu l'alarme, tout le monde en parle. Voilà. C'est la mort, c'est mort. Vous souvenez-vous ce qu'ils ont fait à Ikora? Elle a fait ça. Non, et... mais stop, Ikora, elle a lancé une comète sur l'université. Il faut quand même deux poids, deux mesures. Quoi. Non, pas du tout. Alors, ça, c'est un Crélonida, c'est un élève qui dit elle a voulu le faire. Et quand on a appris qu'en fait, ils lui ont retiré tous ses pouvoirs et je crois qu'ils l'ont maudit à vie. Top, du coup, on va faire une diversion. On va faire une diversion. Est-ce qu'on peut pas libérer un des animaux des toilettes? Alors, tous les élèves regardent la tour. Et l'envoyer dans la cité du savoir, comme tout bazar. Tous. Tu vois, il y avait un gros machin dans les toilettes. Oui, et en vrai. Un bouffe-tout, là. Comment il s'appelle? Non, il y a le bouffe-tout, c'est un petit équel à deux têtes. Mais quand on est allé le chercher dans les toilettes, il y avait un gros monstre. Ah, ouais, et il nous voyait pas. Et on une chimère. Dit, on une s'en chimère. Va. Mais on ne sait pas s'il est méchant ou pas en soi. Ouais, excitez-le un peu. On peut essayer de. Merci pour le conseil. On peut essayer de créer un peu de panique dans l'université. On anime le toucan, on lâche la bestiole. Ça fait deux. Non, mais lâche des champignons. Ah, mais attends, on est dans le bureau du prof Chimère, là. Bon, ouais. On est toujours là, lui. Oui. Ok, super. Non, mais est-ce qu'on fait livre de champignons plus sortir l'animal des toilettes, la chimère des toilettes? Mais livre de champignons, il faudrait le faire près du bureau du doyen pour que ça ait de l'intérêt. Est-ce qu'on le lance juste sur Ingvild et on attend de voir ce qui se passe? Ouais. Et on sinon, court. J'ai un poison mortel. C'est quand même moi à savoir, mais je vois pas trop comment lui lancer du poison sans qu'elle s'en rende compte. Il y a tous les automates autour. Si on empoisonne Ingvild, les automates, ils vont le voir. Si jamais on voulait lancer une dague, ce serait sous dextérité? Oui. Non, lance, combat à distance. Attends, en vrai, j'enduis ma fiole de poison, ma dague de poison, je la lance sur Ingvild, j'ai 80. Mais c'est un assassinat en plein jour. De 1 et de 2, il y a tous les automates autour. Si elles s'effondrent, ils ne vont pas lâcher leur proie pour autant. On les suit de loin. Ah non, vous ne pouvez pas les suivre de loin. Enfin, en tout cas, vous intervenez quand vous voulez, mais je vous avertis, je ne vais pas me retourner vers vous en disant que faites-vous, d'accord? Vous me dites stop, voilà, il se passe un truc. Vas-y, on va au chiottes. Isabeau et Suave se retrouvent dans le bureau de Verius. Et Verius qui n'est pas très content parce que d'une part, il est réveillé en pleine nuit. D'autre part, vous êtes rentré dans la tour. Donc, vous avez dit, c'est une sorte de bizutage, c'est ça? Déjà, vous sachez que de base, vous allez être exclu à vie de la Cité du Savoir. Vous ne viendrez plus jamais. Là, on est en train de discuter sur est-ce qu'on doit vous laisser en vie. Si vous avez volé la moindre chose, la moindre archive, vous avez altéré la moindre archive, le moindre dossier, sachez que vous risquez des malédictions terribles, voire même une sanction, pourquoi pas la mort, je sais pas. On a volé des archives. Pourquoi vous dites ça? Vous étiez là pour des archives, c'était donc les personnes qui vous ont demandé, pour ce bizutage ou je sais pas quoi, de voler des archives? Oui, mais je préfère vous le dire parce que faut t'avouer à moitié pardonné. D'accord. Vous avez volé quelles archives? Les P. Tous les gens de la lettre P. Et vous en avez fait quoi? Ils sont là. Mais ils sont pas tous là. Ceux qui manquent, vous en avez fait quoi? Je sais plus. Ils sont encore dans la tour? C'est des dossiers inestimables, hein, de tous les magiciens de tout l'univers. Techniquement, oui. D'accord. Vous avez volé d'autres choses? On vous fouille? Bon, qui vous a demandé de faire ça? On veut des noms. C'est qui? Mais est-ce que si je vous dis qui c'est, vous allez me libérer? Parce que si je vous dis qui c'est et que vous me libérez pas, en fait, je vais pas vous dire qui c'est. qui sont les noms? Mais t'es une guerrière. Simrune, oui. Qui sont les gens qui vous ont demandé de faire ça? Dis pareil, comment? Wesh. Comment vous avez pu avoir la clé? Mais... en fait, c'est parce que... Non mais en fait, je sais pas trop comment on a eu la clé, parce que c'est le genre de bizutage. Je comprends pas bien ce que vous dites, tu sais, c'est quoi? Mais moi, mes parents vont me tuer. De toute façon, vous avez peu de chances de rester en vie. Alors qu'est-ce qui se passe? On s'en fout.
C'est un gag. Mais non, mais demande si tu vas être en vie. Est-ce que vous allez nous laisser en vie et nous laisser partir si, si on vous dit, parce que moi, ça se passe de la façon inverse. On veut les noms. Attention, sinon on les prendra de force dans votre esprit. Je demande à Nila Tinubial de le faire. On dit qu'on veut parler avec elle. Bah, j'aimerais bien parler avec elle. Très bien, on va commencer par vous fouiller. Ingvild te fouille. Et donc toi, tu as le livre, on va dire, sur toi. T'as ton sac à dos. Dit, bah non. Dans ton sac à dos, t'as un sac à dos et t'as un livre dedans. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle mon DJ Cactus qui vient voler mon livre dans mon sac à dos et qui s'envole avec. Alors, DJ Cactus, ok, tu fais ça et toi, tu fais quelque chose ou pas? Tu laisses faire? Moi, je fais semblant de faire un AVC. Je me jette par terre et je convulse. Le drama, putain! D'accord. Mes parents. Et en disant ça, je les pousse un peu et je fais diversion. Moi, je fais un truc. Lance les dés et fais moins de 30 pour DJ Cactus. Mais alors, il le fait, mais sans se faire voir. Hein. Non, c'est... Ouais. Sans se faire c'est voir. C'est un faucon quand même. C'est grand, un faucon. Bah non, c'est petit, un faucon. Lance les dés. T'es dans un bureau, il y a un faucon qui rentre, qui prend un objet, qui s'en va, tu le vois pas. Oui. Oula. Zéro. C'est DJ Cactus. Alors franchement, t'aurais fait plus de 30. Ingvild, elle aurait tué DJ Cactus sous tes yeux. On était sûr, c'est pour ça que je peux pas perdre aussi, putain. Alors, tu prends le livre. Et là, tout le monde dit « Elle a volé le livre. Elle a volé le livre sacré du dernier étage. » Mais non, DJ Cactus. Non mais attends, DJ Cactus arrive, il défonce la fenêtre en mille morceaux parce que la fenêtre est fermée aussi. Par un effet, parce que c'est un 0-1, par un effet... De télépathie totale. Il comprend qu'il faut prendre le livre. Le livre est 10 fois trop lourd pour lui, mais il arrive à le prendre dans ses serres de façon magique et il s'envole. Ingvild, elle est folle de rage. Elle lance des traits magiques, des éclairs, des boules de feu. Et il passe à travers, incroyablement. Et il part dans la ville universitaire, dans votre hôtel. Voilà. Ok, trop bien. Elle dit, vous avez volé avec la complicité de ce faucon. Je ne connais pas ce faucon. Alors, prochain tour... Je n'ai jamais vu ce faucon de ma vie. Elle dit ça, c'est haute trahison. C'est ultra, ultra grave. C'est ultra grave. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous allez mourir, c'est sûr, mais on prendra tous vos secrets avant. Sachez-le. Voilà, Isabeau, vous êtes wanted numéro 1 de la Cité du Savoir. Toi, tu convulses. Ouais, vous pouvez pas faire des trucs porte. Là, ouais. Si, j'y vais. Mais j'y vais, mais ça va être définitif. Je kick la porte, mais on se casse. Et je lance le livre à champignons au milieu. Je crie « Géronimo !» Je lance... Est-ce que tu fais quelque chose ou pas, toi? Oui. Moi, j'essaye de faire un bon jet pour que toute l'eau dans les sous-sols de l'université remonte dans les canalisations et fasse péter les canalisations. Vas-y, lance. Je sais pas si ça va marcher, mais c'est incroyable ce qu'on fait. Allez, 15. 15. Allez, 15. Alors, il se passe plein de choses destructrices et extraordinaires. Donc... T'aurais mieux fait de demander à DJ Cactus de t'emmener toi. J'avoue, il aurait pu t'emmener avec le bouquin. À 0-1, c'est pas mal. Alors d'abord le livre champignon, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tu jettes le livre champignon à terre et Everius le sage dit le livre myco, de mycologie, maudit. C'est dommage. Et donc tous les champignons se répandent partout et notamment ils montent sur les murs et commencent à manger tous les livres qui sont dans le virus et aussi ils descendent dans la bibliothèque et ils mangent tous les livres de la bibliothèque. Oh merde. Oh non. Au même moment une cascade inversée venant du sous-sol toute la on va dire partir, là, tout le monde se barre en cours. Ouais, ouais, bah le savoir millénaire, il se barre aussi. Ouais, bah, parce que... ouais, ça arrive, il y en a qui brûlent des bibliothèques. Alors, l'une d'entre vous va être rattrapée par les soldats mécaniques. Pas moi. sorry, suave, mais bon, il y en a qu'une qui s'est approchée. Hein. Alors que vous êtes en train de courir. Ouais. C'est des robots, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai du poison. Vas-y, t'as une hache, moi j'ai pas. Oui, j'ai mon bouclier, j'ai une petite dague. Je te donne ma dague si tu veux en avoir deux. Vraiment, vas-y avec deux dagues. J'ai trop peur. Donc, ce sera toi? J'ai plus qu'une que trois charges, moi, d'eau. Hein. Alors, vous commencez à fuir, vous fuyez dans l'université. Bien sûr. Alors qu'il y a l'eau qui surgit du sous-sol de partout et tout le monde crie. Dramatique. De toute façon, là, la priorité, à la fois, c'est Isabeau, mais aussi. Là, Everius, il est en stress, il dit qu'il faut sauver les livres, il ne sait pas trop comment faire. Toi, tu as enfin, on va dire un par un, tu as trois gardes, mais ils te poursuivent un par un. Toi, Suave, quelle est ta stratégie? Est-ce que tu veux courir pour les éviter? Est-ce que tu veux les combattre ou faire autre chose? Jeter du quartz dessus.
Oui. Non, bon. je veux essayer on a un kilo pour les éviter d'abord. Alors, si j'ai de courir sauter. Allez, cours saute. Courons sautons. 65. Pardon. Tiens. Merci. C'était si intense, je suis pas bien. Oui, bah vous êtes bien, mais ça suffit le débrief là. Moi, je suis en galère. On va pas aller chercher notre douce. Notre douce, il va flotter sur les canaux. 88. L'épée intégrée dans le bras d'un des soldats mécaniques transperce ton flanc. Tu perds 2 points de vie. Waouh. Faut qu'on. Tu l'as dit, elle en a 14 en vrai. Tu as toujours encore des soldats mécaniques derrière toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que j'ai sur moi? Déjà, je mets mon bouclier devant moi pour me protéger. Et j'essaye de leur lancer mes haches dessus. D'accord. Alors, sachant que tu vas lancer... Oui, vas-y, lance ta hache. Donc, j'ai de lancer. On va pas la récupérer après. Ah non, là, je vais mourir. Non, mais la hache... Ce sera votre faute. Mais non, on regarde. Si ça devient grave, on vient t'aider. On regarde. Vas-y, le combat à distance. Tu as combien? 80. J'ai chaud, là. Je suis pas bien. Suaf se bat contre des robots. C'est le fight de ma vie. Allez, allez. 29. La hache vole dans le ciel, tombe dans le visage d'un des robots mécaniques qui ne bouge plus. Par contre, ta hache est fichée dans le robot. Est-ce que tu veux le récupérer ou pas? J'en ai une autre, c'est bon. D'accord, donc tu t'en vas. L'une d'entre nous peut la récupérer. Ah non, vous êtes loin. Les autres, vous. On est loin. Les autres robots. Alors, vous courez dans tous les sens, un peu comme dans un épisode de Scooby-Doo, alors que c'est la panique partout. Et que faites-vous? Vous allez où plus précisément? Moi, je me dis que si on aide le doyen à récupérer des livres, peut-être que c'est non, mais MDR, moi, je suis wanted numéro uno, donc on trace, on se casse de la ville. Dead, ouais. Alors, la mission It is dead. On va récupérer le livre de DJ Cactus à l'hôtel et on se barre, quoi. Genre forever? Parce que non, parce qu'il va falloir qu'on aide à Sauvelade un peu, mais... Ou pas, franchement. Est-ce que Nodus va bien? Est-ce que Nodus est remonté, porté par l'eau? Porté par l'eau, ouais. Non, il est encore dans les sous-sols. Putain, il va se noyer, peut-être. Qu'est-ce que je fais? Alors. Est-ce qu'on redescend dans les sous-sols? Ah ouais. Hein. Parce qu'en vrai, les pièces d'or. Vous trace que dans vous les sous-sols. Pièces d'or. Pièces d'or, ça vient Nodus. De mon sang. Est-ce que Ingvild va pas se douter un peu qu'on devra retourner dans, essayer de retourner dans les sous-sols? Non, parce qu'on retourne jamais sur les lieux du crime. C'est pas faux. Ah bah si. Là, ça revient toujours sur les lieux du crime. Ah oui, c'est vrai. Voilà. En fait, vous avez aussi un problème, c'est que les sous-sols, c'est juste sous la bibliothèque où tout le monde est en train tout de travailler. Tout le monde est en train d'aller, ouais, c'est pas terrible. Mais si on passe par le labo des chimères, encore une fois. Oui, c'est une solution. Enfin, moi, encore une fois, je ne peux pas. Mais personne n'a soigné pour peut-être lui filer un coup de main. Non, mais parce que moi, je peux soigner. Non, c'est trop tard, là. Si on va chercher Nodus, en fait, il ne pourra même pas remonter par le conduit. On sera obligé de remonter. Il ne peut pas, en fait. Oui, ça va être cramé. Cela dit, si au moins on le libère et qu'il se balade, tu vois, dans les... Oui, en fait, à partir du moment où on l'a libéré, on a quand même un truc qui fait la taille de deux ours devant nous. Je pense qu'on peut avancer derrière lui. Mais j'ai peur qu'il nous déteste. Ça, frère, fallait pas lui faire des promesses. Ça, c'est ta décision. De type, pacte. Bah oui, mais je l'ai jamais abandonné. Donc, en ok, vrai, donc on le laisse. Bah, je sais pas, moi, je sais pas moi, quoi faire. Moi, ça me va, hein, c'est pour toi. Bah ouais, non, mais j'ai pas envie. Alors. Ouais. C'est bon. Non, mais j'ai pas envie de crever en fait. Alors. Vous pouvez récupérer les 124 pièces d'or. Oui, non, on va pas y aller pour 100 pièces d'or. Non. Moi, je me casse. Et un collier de saphir. Oui, bah il est modeste. Est-ce que vous retournez à votre hôtel? Bah ouais. Personne ne sait que c'est notre hôtel, donc je dirais oui. À part Tinivelle. DJ Cactus. Et Nila Tinivelle. DJ Cactus. Et DJ Cactus. Et Nila, ouais, c'est vrai que Nila, elle sait un peu où on est, qui on est et tout aussi. Et vas-y, on appelle Nila, on lui dit de venir. Ah, on peut lui donner le livre. Oui, on lui donne le livre. Mais oui, on lui donne le bouquin contre la protection. Ouais. Contre tout et contre Nodus. D'accord. Ça marche? Donc tu la contactes? Une démarche de négociation. Mais on va faire ça. Vous la contactez psychiquement? Psychiquement. Tu veux lui parler, c'est ça? Ouais. Vas-y, tu dis quoi? Nila, j'ai le bouquin. Oui, je sais. Enfin, non, tu l'as pas techniquement, il est dans ton hôtel. Et je suis dans le lobby de l'hôtel. Donc j'attends, apporte-moi le livre. Eh bien, je te l'apporterai si tu me dis OK pour être complètement. J'ai une meilleure idée. Je vais plutôt aller dans ta chambre et récupérer le livre. Non, je pense pas. Alors, je t'attends, tu m'apportes le livre. Et vous allez en faire quoi? Allez, et la communication s'interrompt. Si je te laisse faire. Alors, est-ce qu'on peut y aller l'hôtel, est-ce que quelqu'un peut rentrer par la fenêtre dans notre chambre? Mais on est déjà dans la chambre, non? Non, vous êtes, vous êtes en train de courir partout. Okay, okay. Bah moi, je veux bien rentrer par la fenêtre dans la chambre de l'hôtel, comme ça on y est avant. Bah après, les. Ah, je sais, ok, j'ai une idée incroyable. Ouais. Si on se bourre la gueule, est-ce qu'elle peut lire nos pensées ou pas?
Est-ce que c'est vraiment le moment de se bourrer la gueule alors qu'on a besoin de tout notre... Est-ce que c'est le moment qu'il y a une meuf qui lise dans nos pensées alors qu'on veut la lui faire à l'envers? En fait, non plus. Elle peut lire dans vos pensées si vous-même vous pouvez avoir des pensées cohérentes. Donc si tu veux, tu peux faire ça, mais on prendra tes décisions au hasard. Tu me diras 3 décisions et je les tirerai au hasard. Franchement, c'est fun, je fais ça. Mais dans la première taverne... Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Mais on fait tout ça, du coup. Mais on n'est pas obligé de le faire toutes. Si non. Moi je le fais et que vous avez aucune idée de ce que je vais faire après, ouais. Vous pouvez pas lui dire dans votre tête, du coup tu vas rien faire. Si aucune mais non, ce que tu vas faire, tu peux rien. Je peux faire des trucs quand vous me voyez pas, genre vous me laissez, je bois des coups. Et après tu perds ma vie et je vous rejoins à l'hôtel. Tu vas faire des trucs, me laisser, je bois des coups. C'est pas grave, c'est l'aventure. Et puis la situation n'est pas du tout critique. J'ai 9 points de vie, j'ai une dague. Bon, d'accord, je vais pas faire ça. Mais fais-le. Non, mais on y va. Vous retournez à l'hôtel ou pas? Mais mets-toi une caisse. Vous retournez à l'hôtel? Non, sinon t'appelles DJ Cactus, il t'amène le bouquin. Et on retrouve. Ah oui, bah ouais, mais le bouquin était trop lourd pour lui. Nila va nous retrouver. Je sais pas si je vais refaire des 1. Et je veux pas qu'elle tue DJ Cactus. Non, mais on y va et on voit avec elle une fois qu'on est en face à face. Parce que là, on est loin, donc elle peut faire ce qu'elle veut, tu vois, mais peut-être qu'une fois sur place. Nous, on est plus nombreuses qu'elle. Vous retournez dans le lobby dans votre hôtel. Et dans le lobby de l'hôtel, il y a Nila qui dit « j'attends le livre ». Enfin, elle vous fait un petit sourire, mais elle vous le dit dans la tête. Mais il y a deux autres personnes qui vous sont familières. Il y a Ace of Glad. Ah, frater. Et il y a sa pote, l'assistante prof, Yasnidia. Comment elle s'appelait ? Yansidia. Voilà. Et il dit « avec tout ce barouf, j'espère que vous avez récupéré les solutions de l'examen ». Frère, en fait, franchement, il s'inquiète encore de ça, alors qu'il n'y a même plus de bouquins dans l'université. Non, mais surtout, il est à côté d'une prof qui lit dans les pensées et il dit « Salut, vous avez ma triche ?» Et il est complètement con. La prof, elle dit rien, là. Mais de toute façon, à partir du moment où j'ai pensé de la triche, où je voulais demander, elle le savait. Elle dit « C'est vrai, j'étais au courant ». Bah super, du coup, on va pas lui donner, hein. Moi, je lui dis, toi, t'es un con. Mais alors, vous allez faire quoi de ce livre? Donc, vous allez chercher le livre. C'est pas ta vie, Cactus, il est hyper câlin. Je vais donner hyper au plus offrant. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut se battre pour ce livre. Sinon, elle lit dans nos pensées, mais on peut toujours. Alors, vous descendez dans le lobby de l'hôtel. Il y a Dila Tinuviel et il y a Ace of Glad. Donc, au plus offrant, Isabeau. Alors, Ace of Glad, il dit, c'est facile. Ils vont protéger. Et facile, vous êtes les servantes de mon père. Donc, normalement, déjà, vous devriez le faire. Mais si vous me donnez le livre, je vous couvre d'or, bien entendu. Non, mais je m'en fous de l'or, là. Ma vie est en danger, wesh. Wesh. Le seigneur Fic Jambon peut vous donner sa protection. Ouais, vous retournez au... Mais il a aucune juridiction ici. C'est vrai, mais il suffit de revenir à Bérit et il négociera peut-être. Mais tu veux pas sinon réviser, toi? C'est pas une possibilité dans ta vie. Maintenant que vous avez volé le livre... Mais on l'a pas volé pour toi, fraté. Et vous l'avez volé pour quoi? Il y avait même pas les réponses dedans. Mais vas-y, on l'ouvre, on regarde. Mais c'est pas... Attends, vous savez quoi? J'ai un super deal. On l'ouvre maintenant, je le lis et je vous le redonne et vous le donnez à Nila Tinuviel. Vous êtes gagnante. Non mais Nila, elle me donne quoi? Parce que moi j'ai dit que je le donnais au plus offrant. Moi, Nila elle dit j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ce livre. Ah. Mais c'est pas une offre ça, madame. disons que je vous dénonce pas, parce que je saurai à tout moment où vous serez dans les 120 km à la ronde. Là, je pourrais dire à une ville, tiens, j'ai vu la personne que vous recherchez, la personne numéro 1 que vous voulez tuer absolument, qui a tué des millénaires de livres. Mais si non, mais ça, on détruit le livre immédiatement. Et si on le file d'abord à Ace of Glad, qui nous couvre d'or, et qu'ensuite on le donne à Linda, elle est OK. Dis-moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas trop ce que c'est que ce livre, en fait. Je ne suis pas au courant de ce livre. Donc je suis curieuse de savoir ce qu'il y a dans ce livre. OK. Donc on peut d'abord le montrer. Le montrer à Ace of Glad d'abord. Mais elle dit, mais à partir de pas, moment, hein. Vous pouvez me le donner non. Juste ensuite, mais vous savez, entre nous, Ace of Glad, c'est un abruti. Je pense pas qu'il arrivera à lire ce livre. Moi, je pense pas non plus, mais c'est ce qu'il a dit. Un truc, hein. Il a dit que son père nous couvrirait d'or. Okay. On ouvre le livre devant Ace of Glad, mais on va le chercher d'abord. Ouais. Mais on le tient, on lui donne pas. On le tient à la main. Ouais. Et c'est Suave qui le tient, parce que... Il se penche et il dit, je comprends rien à ce livre. Sans blague. Non, mais attendez, je vous avais demandé de chercher le livre. Bah, c'est le livre. Alors, Yasnidia s'est trompée. Et Yasnidia dit non, moi je sais que c'est le livre des réponses. Bah comment tu sais? Il faut le lire. Je demande à Yasnidia, comment tu sais? Qui t'a dit? Je peux lancer un sort sur le livre juste pour le décrypter? Oui. Yasnidia? Oui, Yasnidia. Yansidia. Ah non, personne ne va lire ce livre qu'on connaît pas là. Vraiment, qui t'a dit? C'est pas du tout la réponse à ma question. Non, mais d'où tu tiens l'info qu'il y a un livre avec les réponses dans le 36e sous-sol après 80 pièges mortels? Nila Tinuviel. Nila Tinuviel, elle est perchée, ok? Elle s'intéresse aux gens, elle leur fait faire des tests spéciaux, tout ça. Moi, je suis au conseil des profs et ils m'ont dit que c'était là qu'il y avait toutes les solutions. Donc je suis au courant. Alors Nila, elle dit, c'est pas vrai. Moi, j'aime bien Nila parce que je trouve que ça a l'air d'être une prof renégate et je préfère être avec une prof renégate qui, à mon avis, n'a pas trop envie qu'on dise à Yggvine mon cul qu'elle veut lire le livre et tout, parce qu'il y a ça aussi. Ace of Glad qui dit, écoutez,
Juste, elle décrypte le truc comme ça. On le lit tous et on peut passer nos examens tranquilles. Non, mais moi, je pense qu'il faut croire Nila plus que... Oui, oui. Moi, je crois Nila et pas Ace of Glad et sa pote. Mais attendez, on a des gens qui nous ont dit que Nila, elle faisait chanter les gens et tout. Que... Ah, j'avais oublié. Donc bon. Bah non, mais on donne pas ce livre à la casse, de toute façon. En fait, on donne pas ce livre à personne. Mais il va nous servir à rien, on peut pas le décrypter. Moi, je mais peut-être qu'on va apprendre à le décrypter. On va pas... Là, ça fait 10 minutes qu'on l'a, on va déjà le donner à une random louche qui fait chanter des gens. Bah, ou si à la lui donne de pas, elle le décrypte devant nos yeux. Elle le décrypte devant nos yeux. Et ça se trouve, c'est un sort super puissant et elle va se barrer avec. Mais ok, d'accord, bah la go le déchiffre. On lui donne pas, du coup. Attends, qui le déchiffre? On le donne à la pote de Ace of Glad. Donc elle le tient. On le tient. Attends, mais Nila, là, elle est en train de le lire, elle voit quelque chose? Mais non, mais non, Nila, elle est assise sur le canapé comme ça. Elle attend que le livre vous lui donniez. Et voilà. Alors. Bah, on demande à la pote d'Ace of Glad de le lire. Parce qu'au moins, elle est un peu chez père et tout. Elle va nous la faire. Elle va acheter un sortilège dessus. Donc la pote. Et nous, on sait pas quoi faire. Donc Yann Sidia, c'est ça? Donc Yann Sidia s'approche. Un mince sourire se dessine sur les lèvres de Yann Sidia, une lueur inquiétante dans ses yeux. Non mais moi je ferme le livre et je me casse. C'est trop tard, c'est trop tard. Elle lâche le livre jaune sans y prendre garde, il rebondit sur le sol, il s'ouvre. Mais non, c'est pas lui qui l'avions dans les mains. Ah, on lui a pas donné, on lui montre. D'accord, autant pour elle moi. Elle regarde de loin. Elle regarde de loin, elle lance son sort et le livre tombe par terre. Il s'ouvre et il est vierge. Putain, elle l'a absorbé. Elle a absorbé tout le pouvoir et effectivement, un bref instant, elle change d'apparence. Elle devient Kayla, la sorcière du roi Fig Jambon. Et ensuite, elle devient cette sorcière flamboyante aux cheveux blonds et rouges qui est Ikora la Magnifique, qui vient de récupérer tous ses pouvoirs qui étaient enfermés au 36e étage depuis toujours. Voilà. We fucked up. Et non, elle est trop cool cette meuf, c'est trop bien. La cité du savoir qui a passé une mauvaise nuit n'a pas encore au bout de ses surprises puisque elle utilise son pouvoir pour invoquer cette fois-ci une énorme météorite qui va tomber sur la cité du savoir. Elle dit : je vous maudis tous, j'ai eu ma vengeance et maintenant je vais devenir reine du monde. Et elle disparaît. Sauf nous ? Nous on l'a sauvé. Nous on l'a sauvé. Vraiment le connard, on l'aurait laissé foirer ses examens. Le royaume aurait été moins en péril, hein, parce que là il y a une comète qui arrive pas loin de chez Fig Jambon, mais d'accord. Alors la comète va détruire de sur la cité du savoir. Vous êtes un petit peu proche encore, vous auriez mieux aller loin. Vous avez, on va dire une petite demi-heure avant que la comète arrive. On prend nos chevaux et on trace. Mais on prévient les gens, non? On fait courir un bruit. Une comète arrive. Mais moi je veux récupérer Nodus. De sauver des gens quoi. Mais là c'est trop tard, là on a une demi-heure. Ouais. Là Nodus il va mourir. Sauf si t'as un plan, je t'écoute. Est-ce qu'il peut te maudire s'il est mort, je l'ai dit? Parce que c'est juste qu'il t'en veut quand il est vivant, tu vois. Oui, mais moi je l'aime. La mort c'est le pardon. Mais imagine, tu vas le chercher. Est-ce qu'on a envie de prendre une météorite sur la gueule? Non, pas du tout. Donc, vous partez. Vous chevauchez dans la nuit, c'est ça? En criant qu'il y a une météorite qui arrive et en essayant de faire en sorte. Alors, Ace of Glad, il dit : je vais être sur un de vos chevaux. Non. Bah non. Vous laissez. Mais on va pas le laisser mourir. Non, bah viens si, sur si, mon bah cheval. Si. Il faut qu'on ait la protection de Fig Jambon. Si on laisse Fig crever. Au moins ça. Et viens sur mon cheval, s'il te plaît. Je prends envie qu'on ride ensemble. Et vous partez le plus vite possible, vous mettez énormément de distance alors qu'une énorme météorite tombe sur la cité du savoir. De toute façon, il n'y avait plus grand chose à apprendre, mais il y a quand même toute une génération de magiciens qui va disparaître. L'avantage, c'est qu'il y a aussi des tas de gens un peu qui vont disparaître, des gens méchants. Il y a aussi Moena, du coup. Moena, Marival, la traîtresse. J'ai obtenu ma vengeance. Alors, peut-être certains ont réussi à s'enfuir au dernier moment. On verra pour Moena. On verra aussi, il y a faible chance hein, quand même. Tout seul, peut-être qu'il va s'en sortir. Voilà, peut-être. Peut-être. Hein. Et il va passer sa vie à chercher pour aussi jamais tu sais quoi parce que... Soit on laisse un voile de mystère, soit on lance les dés, et si tu fais 0-1, il s'en est sorti. Non. Non, mais s'il s'en sort, il va venir se voir. 0-1. Mais si il ne fait pas 0-1, il est mort. Oui. T'as 99 chances sur 100 qu'il soit dead. Il vaut mieux pas savoir, non? C'est une philosophie de vie. C'est vrai. Est-ce qu'il vaut mieux pas savoir ou est-ce qu'il vaut mieux 0-1, mais 0-1, je l'ai fait une fois déjà, je vais pas le refaire. Et c'était on beau. Sait pas. Okay. Est-ce que tous les profs sont morts? Bah oui. Ils sont pas encore morts parce que la comète n'est pas encore tombée. En tout cas, vous qu'est-ce qui va se passer, vous saurez mais pas. Attends, on peut pas empêcher la comète de tomber. C'est non, mais je sais. Mais est-ce qu'on peut pas prévenir les gens? Tu vois, Nila, elle est télépathe. On l'a dit. Non, mais Nila, Nila. Est télépathe. Bah oui, elle peut pas dire aux gens. Elle est là, elle l'a vu. Nila, elle s'occupe d'eux. Elle s'occupe d'elle. Voilà, elle est en train de gérer. Elle fait du mieux aussi pour sauver les gens. Bon, bah super.
Voilà. Espérons qu'elle sauve. Ok, on a fait de notre mieux. Et votre destination dans la nuit, c'est quoi? Loin. Est-ce qu'on mais... on retourne on à Birkandel, on se planque derrière le griffon et tout, et puis ils nous doivent une pièce d'or. Ouais, ouais. Birkandel. Si on avait envoyé 10 personnes, on aurait envoyé un prof qui est mort. Le voyage scolaire, il n'aura jamais lieu à Birkanda. Il y a plus de scolaire pour faire du voyage scolaire. Attendez, vous allez à Birkanda ou à Bérit? À Bérit, en vrai. Ouais, on va ramener Sauvglade, on ramène chez son daron. Ouais. Alors, imaginez une bombe nucléaire derrière vous et vous partez dans la nuit. Et un jour plus tard... Alors que c'est moins grave les champignons dans la bibliothèque qu'on dit à commettre sur la bibliothèque. Alors que le soir tombe, vous arrivez dans la jolie ville de Bérit, vous arrivez dans cet immense palais de Figjamon. Figjamon dit: vous êtes de retour et mon fils est avec vous. A-t-il réussi les examens? Au rapport. Qui veut faire le rapport? Je suis désolé, ma chère Kaleya n'est pas présente, elle est en mission, elle est partie. Mais en tout cas, je suis là. Donc, il vous reçoit dans son immense observatoire où il y a les nuées d'oiseaux et vous voyez toute la ville. Il vous sert aussi des petits plats délicieux. Vous pouvez gagner un point de vie d'ailleurs, vous mangez bien. Ah bah merci. Qui fait le rapport auprès du seigneur Figjambon? Moi, je propose pas moi, car moi, je vais le démarrer. Vraiment, je suis très en colère. Donc, je pense que diplomatiquement, en termes de management, c'est pas dingue. Bah, moi je peux le faire si vous voulez. Louise, je vous écoute. Alors Sauvglade dit rien, tu vois. Parce qu'il voilà, il est un peu perturbé par la situation. Donc expliquez-nous, il a passé ses examens, il les a réussi? Nous venons de sauver votre fils d'un péril mortel. Nous n'avons pas réussi à lui faire réussir ses examens, mais il n'y aura pas d'examen cette année. Du coup, s'il bosse bien l'année prochaine, finalement dans l'autre, on a réussi. Donc la prophétie de Kaleya, elle est bonne. Enfin, elle n'aura pas lieu, puisqu'il ne va pas échouer ses examens. Il ne va pas échouer ses examens, car il n'y aura pas d'examen. Le royaume est sauvé. Bah écoutez, félicitations. Bah, merci. De rien, ouais. Merci. Et par contre, la cité du savoir est détruite. Vous l'avez détruite? Non, pas nous. Qui l'a détruite? Ikora la Magnifique, qui est de retour. Qui était aussi votre prophétesse. Pour info, c'est bien de le savoir. Faut peut-être se méfier d'avec qui on traîne. Attendez. Votre aussi, d'ailleurs. Hein, parce que vous traînez pas mal avec. Non, mais pardon. Donc toi, vraiment. Tu lui dis tout? Oui. Mais je suis pas obligée de lui dire ce que nous, on a fait. Vous êtes en train de dire que Ikora la Magnifique, la terrible sorcière qui a voulu détruire la Cité du Savoir il y a deux générations de ça, est de retour? Et elle a réussi à détruire la Cité du Savoir. Elle a obtenu sa vengeance. D'accord. Mais c'est lié à... par la fenêtre, là. Et vous dites que c'est Kaleya. Est-ce que c'est lié à Sauvglade ou est-ce que notre royaume et mon fils est personnellement lié au retour d'Ikora la Splendide? Oui. Bon, je dirais pas ça indirectement. Alors, demain, s'il y a des magiciens inquisiteurs qui viennent, est-ce que je peux leur regarder droit dans les yeux et leur dire mon fils n'a rien à voir avec tout ça, ou mes fidèles serviteurs n'ont rien à voir avec ça? Alors nous, oui, on n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est sûr. On a rien à voir avec tout ça. Elle a profité d'une faille dans la sécurité de l'université pour s'échapper, plus une inondation. Bon. C'était confus pour tout le monde. Hein. Ouais, c'était un peu la panique. En fait, y a vous avez dit que c'était Kaleya qui était Ikora? Ou alors Ikora a pris possession de Kaleya, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a assisté à la. On a vu Kaleya. Se transformer en Ikora la Splendide. D'accord. À Bérit. Vous qui étiez sur place, quel conseil vous me donnez à moi, Figjambon, seigneur de Bérit? De dire que vous ne savez rien. Et d'éduquer votre fils, éventuellement. Pas mal. Et de l'envoyer dedans, oui, je sais pas, un petit camp de redressement. Ouais. Non, mais à la maison, tu vois, vraiment, vous le gardez sous le nez, parce que dès qu'il est tout seul, il fait de la merde, et vous lui donnez un prof, mais sévère, vous voyez, un instructeur bien sévère qui va le faire taffer, parce qu'il a du potentiel. Hein. Mais là, désolé hein, de vous le dire, mais ça bossait pas beaucoup. Hein. Et je pense que c'est qu'il serait bon aussi de former des magiciens peut-être directement chez vous. Oui, hein. De former une académie peut-être. Par exemple. Une nouvelle académie, parce que là, il y a un créneau. Il y a un créneau à saisir. Voilà, et moi, je pourrais peut-être participer à la création de l'académie. La Go, elle vient de finir sa quête. Hein. Elle nous laisse, là, c'est bon, elle a fini le jeu. Voilà. Après... Vous vous sentez capable de créer une académie de magiciens? Eh bien, je... Un verre d'eau. Mais vous avez du savoir magique à transmettre? Moi, un petit peu. Mais l'idée, c'était plutôt d'aller recruter des magiciens. Parce que je pense que tous les magiciens n'ont pas été tués à la Cité du Savoir, qu'il en reste ailleurs. Et l'idée, c'est plutôt de les rassembler. Moi, je vois plutôt mon rôle comme celui de facilitatrice, finalement.
médiatrice. Voilà, une... Très bien, je vais méditer sur ce conseil. Je ne vous couvre pas d'or parce que vous êtes déjà chevalière du Griffon, mais... Pardon. Profitez quand même des jours... Le titre pas payé, donc la visibilité. Ouais. La visibilité, bah non. Même pas la visibilité non plus, mais vous pouvez jouir librement des bienfaits de ce château et de vous reposer, prendre tout le repos dont vous avez besoin et monter vos plans si vous voulez. Vous avez 10 jours de battement. Avant qu'il vous arrive quelque chose. Est-ce que vous voulez profiter de cette magnifique ville de Bérit, faire diverses choses? Vous pouvez me dire, on fait rien, je me repose, à la cool. Je suis stressée là, j'arrive pas, il faut que j'aille faire un massage. Point de vie, non moi, tu veux te faire faire un massage chez Inoto, le meilleur masseur de Bérit? Bah ouais, je veux récupérer un point de vie, tu vois. Ah même, il te rapporte tous tes points de vie. Ah bah c'est let's go. Il te fait un très bon massage, vraiment. Super, merci. Il t'appuie partout là où ça fait du bien. Donc là, je suis à 12. Ouais, et même, t'es même troublé par Inoto, parce que. Toi, t'essayes toujours. Non, mais c'est pas ça. Mais il te caresse bien, tu vois. T'es une chevalière du Griffon. Et t'as vécu des tas de trucs. Et lui, il se passe. Il y a possibilité, mais tu peux dire non. Je reste en professionnel. Voilà. Est-ce que tu fais une aventure avec Inoto? Je te parle pas, mes enfants. Je te parle pas. Je te dis rien. Est-ce que je lui laisserai pas mes enfants? Il faut avorter, c'est ça la prio, c'est pas d'accoucher. Bon, pendant qu'elle réfléchit à ce qu'elle fait avec une auto, est-ce que vous faites autre chose pendant... Moi, j'aimerais bien, c'est possible de s'entraîner à quelque chose pour améliorer un petit peu une... J'aimerais bien m'entraîner en courir-sauter, donc en escalade et agilité, parce que je suis vraiment nulle. Alors, tu peux, avec Piaf, le maître d'armes du château, courir sur les créneaux si tu veux. Alors, il faut que tu lances les dés et que tu rates un jet, de courir-sauter. Ah, bon, j'ai eu 30, c'est possible. Faudrait pas se casser la cheville, hein. Ce serait dommage. Non, mais il faut juste que tu le rates. Et 20, il est réussi. Malheureusement, tu n'arrives pas à apprendre parce que tu es suffisamment agile pour les exercices qu'il te donne. Suave, Louise. Super, Louise. Ouais, moi, j'aimerais bien. Il y a une bibliothèque dans le château. Oui. Ouais. J'aimerais bien fouiller un peu dans la bibliothèque pour essayer de trouver des infos sur le continent du Phénix. Je veux tout savoir, la géographie, l'histoire, la géopolitique. Alors, tu apprends que le continent du Phénix est émergé de nulle part. En tout cas, non, il n'a pas émergé de nulle part. Ce qui s'est passé, c'est que la reine Julia d'Aria a envoyé des expéditions un peu partout et ils ont découvert un nouveau continent. Voilà. Qui était là au moins depuis 200 ans, mais on ne l'avait pas trouvé. Et il est très étrange. Il y a de la magie puissante dessus. Et notamment, il y a deux civilisations. Il y a une civilisation qui ressemble un peu à la Rome antique, très puissante, qui s'appelle le Royaume de la Loi. Centré autour d'une capitale qui s'appelle Is, Y-S, et une autre puissance adverse qui s'appelle le Royaume de la Foi. Et au milieu, il y a une colonie qui s'appelle la Nouvelle Aria, qui dépend de Julia. Voilà. Et c'est un continent qui est plein de mystères, plein de magie, plein de richesses, plein d'oiseaux aussi. Et il y a plein, même tu racontes ça au soir que Isabeau te parle d'Inoto, il y a plein d'hommes-oiseaux, une race nouvelle, et il y a aussi des poissons fantastiques, paraît-il. Mais what? Dans l'eau de mer et d'eau douce, car c'est possible. Voilà. Il y a aussi des nouvelles formes de magie. Et une légende raconte qu'il va se passer de grandes choses dans les deux années qui suivent dans le continent du Phénix. Et toi, Suave? Moi, je pense que je vais faire comme Salma. Je vais essayer d'apprendre un peu pendant ce temps-là, d'essayer de gagner en compétences. Tu vas apprendre quoi? Un truc où t'es vraiment nul. Hein. Ouais, grave. J'aimerais bien devenir un petit peu moins nul en discrétion, par exemple. Alors, Volute Ludique, qui appartient à la guilde des poissonniers de Bérit, donc des voleurs, te propose contre 5 pièces d'or de t'apprendre à être un maître, une maîtresse de la discrétion. Est-ce que tu acceptes ou pas? J'aurai combien après si je deviens une maîtresse de la discrétion? Eh ben, en tout cas, il faut que tu réussisses en plus ton jet. Donc, c'est pas gagné. C'est pas certain. Ah, donc c'est 5. Non, mais j'essaye de négocier. Eh ben, écoute, je suis désolée, j'ai pas du tout 5 pièces d'or. Alors, tu veux faire un effort. D'accord, fais un jet de mentir-convaincre. Ah, ça aussi, j'aurais pu jamais le faire. Il y a des dés qui sont là. Je pense que ça va être. Ça, cette optimisation. Ah, mentir-convaincre. Sauf pour toi. Bah ouais, mais moi en fait je savais pas qu'on pouvait faire des trucs utiles. J'ai 20. Allez, pour une pièce d'or. Ah trop bien, et bah écoute, je te file une pièce d'or. Ouais. Là il faut que tu rates ton jet en discrétion. Donc ils appellent dans la nuit. Non mais moi je peux pas masser 10 jours en fait, je peux faire d'autres trucs aussi. Hélas, il y a cette idylle qui vient, tu regardes tous tes points de vie et puis tu vas le voir, vous allez dans le parc. C'est réussi, malheureusement la leçon n'entre pas. Alors Inoto et toi, c'est possible ou pas? Un coup du... Alors tu peux me dire rien. Coup d'un soir, coup de 15 jours ou genre l'amour, tu vois.
J'ai trop aimé dans ma vie, là. Trop aimé d'animaux, ça m'a trop retenu derrière moi. Cela dit, donc, tu peux pas retomber enceinte quand t'es déjà enceinte, donc c'est vrai. Why the fuck not? Je dirais 15 jours, mais est-ce qu'il peut m'apprendre quelque chose? Et tu sais quoi passer, par exemple. Tu sais quoi vrai, pour se soigner les unes les autres. Rate un jet d'intelligence. Non, réussis un jet d'intelligence. Non. Réussis un jet d'intelligence. Réussis un jet d'intelligence. Bon, mon intelligence, je suis pas très intelligente. Ouais. 100. Alors 100, c'est affreux. Alors, en fait, tu dis apprends-moi à masser. Donc, tu l'apprends à masser et tu deviens, tu acquiers la compétence masser à 5%. Donc, tu sais masser les gens. Et il se trouve qu'un soir, donc la veille de ce qui va se passer, tu pratiques le massage sur lui et il se passe un truc, tu l'appuies là où il ne faut pas et il meurt sur le coup, crise cardiaque. Donc, ça va, on a tué 1000 personnes hier. Heureusement que c'était pas l'amour. Donc, il est dans ta chambre du château, il est mort. Qu'est-ce que tu fais? Inoutou, j'ai fait Inoutou. C'était bien que tu voulais. Moi, j'avais pas noté son prénom, je pense que j'ai eu un pressentiment. Désolé le sub. Hein, heureusement que t'as trop aimé. Hein. Donc, qu'est-ce que tu fais avec le cadavre d'Inoutou? Qu'est-ce que je risque si je me dénonce? Parce que moi, dans la vie, j'irai voir la police, tu vois. Mais... Donc, tu vas voir la police. Bah non, je t'ai dit non. Mais je sais pas, je risque quoi. On est avec. Ouais. Oui, bien sûr, voilà. Jacques. Dit qu'il est mort pendant l'amour. Oui, qu'il a fait une crise cardiaque. Oui, parce que t'es super doué, quoi. Mort pendant l'amour. Alors, il se trouve qu'Inoto t'a pas tout dit. Inoto, c'est un homme marié, 13 enfants. 13. Ouais. Ça fait des ordres. Donc, sa femme arrive devant le seigneur Fixambon. Elle dit, écoutez, je refuse de croire que mon brave Inoto avait une relation extra-conjugale. C'est pas possible. Voilà, on s'aime trop. Et je trouve ça très bizarre. Je sais qu'il la massait tous les jours. Elle n'arrêtait pas de demander des massages. Il me disait, il faut que j'aille la masser. Elle a besoin de massage. Voilà. Elle lui apprenait les massages. Et comme par hasard, il meurt. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Il est mort pendant l'amour. Alors, Fix Jambon, il dit, vous aviez une relation avec lui, c'est ça? Oui. J'aimerais être discrète sur ce point, mais apparemment, tout le monde le sait maintenant. C'est ce qui arrive quand l'homme meurt pendant le sexe. Généralement, ça ébruite un petit peu l'affaire. Il dit, est-ce que je dois apporter une compensation à cette femme? Elle? Oui. Bah oui, Bichette. Donc, qu'est-ce que je fais? 5 pièces d'or, ça vous va? À moi, je les donne? Oui. Ah, pardon! Ben vous avez tué cet homme? Ah oui, mais c'est pas moi, non. Il est mort pendant l'amour, c'est pas moi. Vous lui donnez 5 pièces d'or. Vous me parlez un peu mieux déjà. Pardon, monsieur. Vas-y, fais un jet à mentir convaincre. Tu lui as pas bien parlé. Non! Non, mais. Non, putain, on est épuisé. Et je le vois plus. Ah, il est là. T'as fait un 100 et un 0-1 quand même. Hein. C'est fou quand même. Hein. Une soirée avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mentir, convaincre, je sais même pas où je suis, je vois plus rien. C'est dans la deuxième. 30, bah, c'est super. Alors là, 62. Je vous condamne, vous, qui me manquez de respect, non. Et vraiment que pour ça, à payer 5 pièces d'or à cette pauvre femme éplorée qui s'appelait... Attendez, il faut que je lui trouve un nom à Inoto. Elle s'appelait Xanazu. Voilà, Xanazu et ses 13 enfants. Oh, on va parler des enfants de Xanazu, non? Allez, il y a Drôle d'Oiselle, Mr. Boobix, Achilda, Nicolas, Inspiring Hobo, Queen Azenas, Reine des Boubous et Lolo Vénère. Voilà. Vraiment plein de très, très beaux prénoms. Il n'y a pas 13, mais c'est les enfants, en tout cas, qui sont là et qui se souviendront de ce qui s'est passé quand même. Parce que c'est un sang. Mais non, mais voilà, on va avoir des ennemis jurés forever. Non, mais bon, déjà, j'ai un crocodile qui me cherche. Alors, les 5 pièces d'or, c'est pas un... Oui, je les ai. Il me reste 0,5 pièces d'or. Bah, vas-y, je te les donne. L'aîné. C'est Drôle d'Oiselle, c'est une fille. Mr. Boobix, c'est le deuxième. Achilda, c'est la troisième. Nicolas, la quatrième. Inspiring Hobo, qui tourne un peu mal, le cinquième. Queen Azenas, la sixième. Et Reine des Boubous, la septième. Beaucoup de femmes, voilà. Tu feras des photocopies avec moi. Jamais je note ça. Le lendemain, le magicien impérial Alpha Pizza... Non, mais c'est encore un truc de mon 000, là? Non. Accompagné de ces deux magiciens, Suture de Toulouse et Edgel, demande audience à Fix Jambon, qui ne tarde pas à vous contacter également. C'est qui, pardon, Edgel? Alpha Pizza, c'est le grand mage royal de la reine Julia. C'est le number one de la magie aria. Et c'est quoi, ses adjoints? C'est Suture de Toulouse et Edgel. Ils viennent voir et ils disent, voilà... la cité du savoir a été détruite récemment.
donc également tous les gens spécialisés en lecture des esprits et en prophétie. Donc oui, la situation est encore très floue. Néanmoins, on pense que c'est la faute, on va dire, de vos gens, donc de vous, Seigneur Figue-Jambon. Et plus grave, mais alors ça c'est plus grave, Ikora la Splendide, qui est une magicienne qui est destinée à créer une superpuissance pour conquérir le monde, et qui a récupéré tous ses pouvoirs et qui est vraiment très 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 puissante. Ah bon ? Est en route, pensons-nous, pour la cité 10YS sur le continent du Phénix, pour en prendre le pouvoir tout simplement, puisqu'elle peut manipuler mentalement les gens très facilement, et il sera très facile de devenir la prochaine Dominus ou Domina, c'est-à-dire l'empereur de Is. Donc, nous vous demandons de faire un investissement particulier en ressources pour contrer ça, et vous n'êtes pas les seuls à qui on va voir tous les pays pour aider. Mais vous en particulier, nous vous demandons d'investir parce que nous vous estimons responsable. Et si vous ne rattrapez pas la situation, vous-même, Figue-Jambon, vous serez jugé par vos rois, vos pères rois, de cette grave situation. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire face à ça ? Isabeau, peut-être ? Non ? Est-ce que... Il a survécu. Isabeau, qu'est-ce que tu veux dire ? Quoi ? Est-ce qu'il y a un lézard qui a survécu ? Un lézard, vous dites ? Oui. Un grand lézard. Il a survécu à quoi ? À la Cité du Savoir ? Oui. Non, je sais pas. C'est que des cendres. On est occupé par Ikora la Splendide. Vous pouvez retourner à la Cité du Savoir si vous voulez. Super. Est-ce qu'elle a des points faibles qu'on connaît ? Est-ce qu'il y a des choses qui permettent de l'affaiblir ? Absolument aucun. En fait, s'il y a un seul espoir, c'est que sur le continent du Phénix, il y a d'autres formes de magie inconnues. Donc peut-être des magies potentiellement plus puissantes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Quand Ikora avait été dépossédée de ses pouvoirs la première fois, il y a bien quelqu'un qui l'a dépossédée de ses pouvoirs. C'était Ingvild et Everus le mage qui s'étaient associés avec l'aide de tous les professeurs de la Cité du Savoir qui sont les plus grands professeurs du monde. Ils sont tous morts. Pas tous, mais oui, beaucoup. Est-ce qu'on sait qui a survécu ? On sait qu'une certaine Nila Tinuviel a survécu. Et il y a aussi quelques... Aujourd'hui, Certain Shazam, peut-être ? Les gens qui sont... Shazam, il est toujours quelque part. Mais la plupart des gens qui ont survécu sont encore dans la périphérie de la zone de destruction pour aider les blessés, on va dire. Et donc, Ingvild et Verius ne pourraient pas recommencer ce qu'ils ont fait une première fois parce qu'ils sont probablement morts, quoi. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de prophéties concernant le continent du Phénix et peut-être qu'elles concernent Ikora, la Splendide, ou peut-être elles concernent la chute d'Ikora, la Splendide. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Elles sont où, les prophéties ? Elles étaient à la Cité du Savoir. C'est le problème. Elles n'existent plus du tout. Personne ne les avait. Mais vous êtes un petit peu difficile à comprendre les choses. Hein. Mais vous avez du mal. Intelligente. Il y a une météorite géante qui a pulvérisé la Cité du Savoir. D'ailleurs, vous devez être au courant, je crois. Votre seigneur m'a dit que vous étiez sur place. On a vu le retour d'Ikora. On l'a vu lancer une malédiction. Vous l'avez vu personnellement ? Vous savez à quoi elle ressemble ? Parce qu'il y avait un portrait d'elle. Ouais. Nous, c'est la légende. Elle était là il y a 200 ans. Il y avait un portrait d'elle. Et déjà, c'est bien. Vous allez pouvoir nous la décrire. C'est déjà un premier passage, même si c'est quelqu'un ultra puissant. Et après, heureusement, on est avec Ace of Glad à ce moment-là. On a essayé de prévenir un maximum d'élèves. Et puis, on est monté sur nos chevaux et on s'est éloigné. Très bien. La situation est très grave. J'espère que vous en prenez tous la mesure. Mm-hmm. Et les magiciens s'en vont pour aller voir d'autres royaumes pour solliciter leur aide. Donc, vous ne serez peut-être pas seul dans cette. Vous êtes seul pour le moment. En tout cas, peut-être vous allez prendre cette charge ou pas. Est-ce que vous avez un conseil par rapport à Figue-Jambon ? Figue-Jambon, il dit c'est pas terrible cette histoire. Moi, je suis volontaire pour aller sur le continent du Phénix et pour essayer de trouver des solutions pour contrer Ikora la Splendide. Hein. Toute l'humanité doit s'unir derrière cette terrible menace. Mm-hmm. Même si nous n'y sommes pour rien. Mais... C'est vrai. Évidemment, je trouve ces accusations fallacieuses. Mais voulez-vous faire ? C'est les rumeurs. Hein. Membre du Griffon, on est obligé de faire honneur à notre titre et se porter volontaire pour aller nous voir. Nous voulons protéger votre royaume, Seigneur Figue-Jambon, et là, le péril le plus grand qui le menace, c'est Ikora la Splendide. Est-ce que vous sentez l'âme d'une conquérante, c'est-à-dire, le continent du Phénix, c'est plein de populations qui n'ont pas encore de maître, disons, et ce serait intéressant peut-être que vous créiez une petite colonie de bérites. Des comptoirs, oui, ou un petit comptoir. Même un petit royaume. Et ben on peut essayer. On s'enseignera, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui serait
apte à devenir gouverneur? Moi, je pensais bien gouverneur. Vous sentez l'âme d'un gouverneur? Je pense que j'ai l'œil, vous savez, le cerveau manager, quoi. Disperser les ressources, attribuer, voilà. Alors, je sais que vous m'avez déjà juré allégeance, mais évidemment, dans le cadre de la prise de pouvoir montée sur le trône, est-ce que vous me jurez allégeance? C'est-à-dire que vous serez toujours mon fidèle vassal et non pas reine d'un royaume renégat qui viendrait porter atteinte à Bérit? Évidemment. Évidemment quoi? Évidemment, je serai toujours votre fidèle vassal. Très bien. Je vous donne un mandat. Il écrit un mandat et il dit vous pouvez vous rendre à Sidon, que vous connaissez, où se trouvent des bateaux qui passent. Et grâce à ce mandat, vous pouvez demander le passage sur n'importe quel bateau. Il n'y a pas un autre endroit où on peut, parce que... Pourquoi? Non, ok. Très bien. Non, mais on va revoir des potes, c'est bien. Ouais, c'est le seul port. Ouais, c'est sympa. Est-ce que vous avez des fonds aussi à nous donner un peu? Vous avez besoin de combien? Alors, on va loin et on part longtemps, donc au moins 200 pièces d'or. 20 pièces d'or. 70? Non, 20. Mais 20, c'est beaucoup. Et vous avez ce mandat? 20, c'est beaucoup. Votre maître d'armes, il lui a demandé 5 pièces d'or pour l'entraîner pendant une semaine. Là, on part. On ne sait pas pour combien de temps. On est 4 face à un péril, excusez-moi, mondial. Vas-y, fais un jet à mentir convaincre. Merci. T'as quand c'est pas d'Az. 70. Oh bah, on aime la moula, attendez. 25, 50 pièces d'or. C'est plus qu'il vous en faut pour fonder un royaume, s'il vous plaît. Bah attendez, parce qu'on n'a pas 50 pièces d'or chacune, ouais. C'est en tout. On peut se les répartir? Ouais, on fait quoi? On a déjà eu cette conversation. Toi qui as négocié, prends-en 20 et nous on prend 10. Allez. Ok. Merci. Allez-vous à Sidon? Oui, bah ouais, hein, c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter rapidement, peut-être dans une auberge quelconque pour que tu l'avortes? Avorte, oui. Alors, avant l'avortage, juste, et vous... Fortement, c'est sûr. La nuit est longue. Vous partez, vous avez 4 nouveaux chevaux. Hein, c'est la... Donc, moi, je commence à m'habituer. Scarabée, Popsy, Momo Arueb et Skirata, on va dire. J'aimerais Momo. Momo, j'appellerai Momo. Momo, Popsy, Scarabée et Skirata. Moi, je prends Skirata. Skirata, okay, je prends Popsy. Moi, Scarabée, c'était le meilleur. Très bien, Scarabée. Et vous vous arrêtez dans la taverne chez Niatis. Une taverne de passage. Pour faire, je ne sais pas ce que vous voulez faire. C'est toi qui savais faire la décoction de sauge du lapin. C'est à toi qui l'a donné le prof en te disant... Ouais, il faut que je fasse un petit jet d'intelligence, je crois. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'elle va boire avant que tu fasses le jet d'intelligence. Non! Mais je suis désolée! Arrêtez d'essayer de me tuer! Alors que vous êtes à l'auberge, qui vous coûte d'ailleurs une pièce d'or au passage. C'était un jet d'intelligence? Vas-y, je la paye la pièce d'or. Une pièce d'or. J'en ai plus. Vous êtes réunis dans la chambre le soir. J'accouche parce que vraiment, j'ai flemme. Alors, de mourir. Elle te prépare avec une petite flamme, avec un petit peu de sauge. Elle te dit: t'inquiète, je maîtrise. Une petite potion anti-bébé. Est-ce que tu la prends? Ou pas, sachant qu'on fera faire le geste ensuite, le jet, pour savoir s'il est réussi. Oui, je la prends. Hop, elle l'avale d'un coup. Est-ce qu'on fait ce jet d'intelligence? Bah oui. Allez, c'est parti. Tu as combien d'intelligence? Eh bien, j'ai 80. 80. On a vu pire ce soir. Ouais. Bien toi, ton 70. Nous, on l'encourage, on est là. Ouais. 0 et... 8. Ouf. Oh. C'est pas passé loin. Là, t'es requinqué même, je pense. Ah ouais. T'as un petit shot d'énergie. J'ai des points de vie, là, je pense. Et la potion fera effet d'ici quelques jours. Tu n'es plus enceinte de jumeaux. Youpi. Peut-être réfléchissons avant d'aller ken des gars sans protection, du coup. Vous avez cavalé 4 jours depuis le fiasco de votre mission à la Cité du Savoir. Kaleya Aka Ikora, alias Ikora la Splendide, a pris de l'avance. Mais vous gardez espoir de lui faire un jour payer sa traîtrise. Première étape, Sidon, où vous trouverez peut-être un navire. Déjà, la familière odeur d'iode vous envahit les narines. Souvenez-vous, c'était l'épisode 1. Oui. Seulement, quand vous arrivez en ville, où vous attend vos amis Martissette, etc., quelque chose a changé. Ah. Pas un bruit. Pas un mât de navire. Dans les rues, toutes les portes sont fermées, les volets sont fermés. Et vous entendez un petit... comme ça, voilà. Que faites-vous? On va dans la direction du... Il a l'air de venir de partout, d'un endroit. Alors, il a l'air de venir, et d'ailleurs, il zabot grâce un peu des dents, de la fontaine où il y avait les carpes. Il dit que c'était un truc de ouf, cette fontaine. Quoi? Est-ce qu'elle les a transformées en poissons? Okay. Mais elles sont mortes, les carpes.
Non, mais Ikora, elle a peut-être transformé les habitants en poissons. Oh, mais oui. Et ils sont tous dans la fontaine, du coup. Bon, on va voir la fontaine. On va voir. Moi, je sais pas détransformer des gens. J'ai arrêté de prendre des notes, je suis trop impliquée. Ouais, moi aussi, vraiment. Alors, tu t'approches de la fontaine. Tu progresses dans les étroites ruelles du haut village. Tu t'approches de la source du son. Et ce dernier, effectivement, c'est une petite mélodie qui est murmurée. Et donc, c'est la fontaine. Et la fontaine, elle a un petit visage et elle vous parle. Elle dit hey, les copines, venez. Je sais faire un truc trop bien. Bah, approchez-vous. Elle va nous bouffer. On met mal la tête. On attends, la regarde de loin. Non, venez. Mais venez, venez, vous inquiétez pas. Quoi ? Tu peux décrire le truc que tu sais faire avant de le faire ? On n'aime pas les surprises. Ouais. C'est quelque chose que je sais faire avec mon bassin. Mais t'es une bah, fontaine. Montre-nous de loin. Et bah, non, mais... Toutes les fontaines ont un bassin. Ah oui. Et là, danse du ventre. Quoi ? Elle twerk la fontaine. Qu'est-ce qui se passe ? S'il vous plaît, faites un fanart d'une fontaine qui twerk. Alors, non, mais elle dit, pourquoi vous êtes inquiète comme ça ? Je suis toute seule, venez. Non, ok. Ils sont où tout le monde ? Non, c'est clairement un piège. Ouais. Ils sont où tout le monde ? Je sais pas où ils sont. Venez, approchez-vous. Approche. Merci. Non, merci. Ça va. Je lui lance un bout de quartz dessus. C'est gratos, ça. Non, si, je vise la bouche. J'essaye de viser la bouche. Je lui lance un bout de quartz dessus. Voilà. Elle dit, c'est pas très sympa, ça. Bah, désolé, c'était pour voir. C'est pas tous les jours qu'on voit une fontaine qui parle, excusez-moi de me ouais, méfier. Ouais, c'est pas la peine d'être impoli non plus. Mais la dernière fois, vous parliez pas. Vous dites quoi ? Je n'entends pas très bien. La dernière fois, vous parlez pas. Vous parlez encore, j'entends rien, encore moins. La dernière fois, vous ne parliez pas. Oui, bah, les choses changent. Vous vous souvenez de nous ? J'ai un petit cadeau pour vous qui brille, ça vous intéresse ? Il est au fond de mon bassin. Non, mais non, elle croit vraiment qu'elle est tarée. Est-ce que... Donc là, on est en face d'elle, de la fontaine. Ouais, c'est ça. Un peu loin. Est-ce que tu peux envoyer DJ Cactus la survoler pour voir à quoi ça ressemble non, son bassin DJ Cactus, il a déjà haut. Porté. Mais, non, mais, la mais il vole, STP, il faut bien qu'il serve. À... Regarde, putain, la corbeille. De... Elle va bien, la corbeille Bah, okay, la corbeille. Ouais, j'envoie DJ Cactus, mais très haut. Enfin, elle pourra rien lui faire. Il fait quoi ? Et juste, il regarde. Il voit rien. Ok, fontaine normale. On fait le tour du village pour voir ce qu'il y a. On ah ouais, il y a quelqu'un qui n'est pas dans la fontaine. Ouais. Alors, le tour du village. Vous faites le tour du village et vous arrivez près de l'auberge de Martissette, barricadée. Bah, on et là, il ouvre et il dit, venez, venez, venez. Yes. Il dit, ça va, vous êtes de passage, tout va bien. Mais Martissette, il n'y a plus personne ici, c'est calme, non Alors, on a des petits soucis, c'est vrai, à gérer, mais peut-être vous allez nous aider. J'ai vu que vous aviez 4 chevaux, est-ce que vous voulez que je m'en occupe? Pas là, non, ça ira. Non, mais non. Je les mets au comment dire dans notre étable. On a une non, étable. Non, on va les garder vers nous pour l'instant et on te dira peut-être après. Martissette, tu te souviens de ce que tu nous as dit la dernière fois qu'on était là ? Je vous ai. Je vous ai. Tu te souviens de ce qu'on a fait pour toi ? Ouais, vous êtes occupé de. Alors en vrai, je me souviens plus du nom de. Ok, c'est l'auberge concurrente, c'est pas grave. On a brûlé l'auberge concurrente, mais c'était pour voir si c'était pas un faux. Tu vois. Non, mais aussi vous êtes occupé de la sorcière qui s'appelait, je me souviens plus qui. Oh oui, entre autres, mais on a surtout cramé un chantier pour lui. Oui, c'est ça, oui. Bah, écoutez, d'ailleurs, il avait dit qu'il nous redonnerait des sous, mais c'est peut-être pas le moment. Donc, écoutez, vous voulez une petite chambre ? Ça non, mais gratuit. Non, mais Martissette, c'est important, il y a un problème là dans le village. Oui, il y a un problème dans le village, c'est vrai. Merci. Je veux bien que les affaires soient des affaires. Alors, non, mais ce qui s'est passé, c'est que donc, vous savez qu'il y a eu un procès avec tous ces gens-là qui n'étaient pas recommandables. Les habitants se sont méfiés des dirigeants. Du coup, je suis devenu un peu le chef du village. Et il se trouve que récemment, c'était il y a quoi, 3 semaines, même un peu moins, il y a une femme qui est arrivée et encore une sorcière. Et cette fois-ci, c'était une vraie sorcière, super vénère. Et elle a dit, je veux un bateau. Il y avait un bateau. Je veux prendre le bateau, il est pour moi et prosternez-vous. Genre comme ça. Et donc, nous, on a dit, pas du tout. Et en fait, elle a enchanté l'épuisette d'un de nos pêcheurs. Et cette épuisette, elle a commencé à mordre le pêcheur. Et donc, on lui a donné des coups sur cette épuisette. Et l'esprit qu'il y avait dans cette épuisette est parti ensuite dans un tonneau qui a englouti le pêcheur. Donc, on a détruit le tonneau. Et cette fois-ci, l'esprit est allé dans la fontaine. Et depuis, on n'ose plus bouger de la fontaine. Voilà. D'accord, donc tout le monde est là, à part ce pêcheur. Tout le monde le est barricadé est chez soi. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, et, ouais, ça va. Et les bateaux Alors, le problème, c'est que comme il n'y a pas d'activité, les bateaux, ils croient que le village, il n'y a personne et les bateaux ne s'arrêtent pas. Mais elle a pris un bateau, du coup. Ah oui, elle a pris. Il y avait un bateau, elle l'a pris. Il partait pour le continent de Phoenix. Et cet esprit, on ne sait pas d'où il vient, comment le combattre et tout. Il a été invoqué par la sorcière. On ne sait pas son nom, la sorcière La sorcière, je ne lui ai pas demandé son avis. Oui, tout à fait.
Et l'esprit blonde. Parmi tout, parce que là, la fontaine, elle nous a parlé quand on est venu. Elle vous parle aussi à tous. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a le moindre truc qu'elle vous a dit qui pourrait être... Est-ce qu'elle a un prénom? Alors, est-ce quand on lui donne à manger, elle nous laisse tranquille. Vous lui donnez quoi à manger? Des oursins. D'accord, des fruits de mer, du poisson. Voilà, c'est ça. Absolument pas des personnes. On évite. Très bien. Et quand vous vous approchez d'elle, et ben, ça passe rien? Elle arrive à vous attirer un peu plus près? En fait, tout ce qui est fontaine, elle peut le bouger. Et l'eau aussi, elle peut s'en occuper, elle peut s'en servir pour nous frapper. Okay. Donc elle a déjà frappé des gens, la fontaine? Tout à fait. Il ne faut pas s'approcher d'elle, quoi. Ne vous approchez pas trop d'elle, donnez-lui à manger et elle nous laissera en paix, je crois. En fait, le problème, c'est qu'on n'ose plus trop sortir. Et on a demandé de l'aide à Fig Jambon, mais je crois que le messager n'est jamais arrivé chez Aberit. Et vous savez pourquoi elle voulait un bateau, la sorcière? Elle allait où? Au continent à Is. Elle a demandé un bateau pour aller à Is. Y-S. Il avait un nom, le messager qui est parti? Oui, il s'appelait Stokast. Et du coup, il est parti il y a combien de temps? Il est parti il y a 2 jours. D'habitude, ça prend moins de jours. Bah bon, si, 4 jours pour aller, 4 jours retour. Oui, donc... De toute façon, il vous aurait peut-être envoyé vous. C'était au cas où il y avait Anguille sous roche. Que faites-vous? Est-ce qu'on va parler... Alors... Non, vas-y. Est-ce que vous voulez vous reposer déjà du voyage, monter dans votre chambre tranquillement? Bon, bah, de toute façon, il faut qu'on relance l'activité du voyage, du village, pour pouvoir avoir des bateaux. Genre, on peut pas... On peut aller dans un autre village, on va pas attendre qu'ils en reconstruisent un, c'est très long. Mais apparemment, il n'y a pas d'autre port. Sidon, c'est le seul village portuaire de Brie. C'est le seul endroit où on peut choper. Un beau royaume qu'il a choisi, Fig Jambon. Il y a des royaumes limitrophes, éventuellement, avec des villages qui ont des côtes et des bateaux. Il faudrait aller au pays des monastères, mais c'est assez loin. Eh bah, super. Ok. Bah, cela dit, tu peux y aller. Enfin, vous pouvez te dire, allez, on se casse. Moi, j'ai jamais aimé ce patron. J'ai envie de travailler pour lui. Ok. Tu as juré d'être son gouverneur fidèle. Hein. Mais on jure des choses. J'aurais de s'occuper d'un lézard aussi. Est-ce qu'il y a que... Pardon. Le headshot, alors... Non, mais on a fait de notre mieux. On a vraiment essayé, mais parfois, la vie... Tu peux faire contre une comète. Oui, c'est vrai. Mais cela dit, on n'est toujours pas sûr qu'il est mort. Attention, il y a peut-être... Raccroche-toi à cet espoir. Merci. Moi, j'ai trouvé ça chelou quand il a voulu prendre nos chevaux. Mais est-ce que c'est juste zinzin? Non, moi aussi, j'ai trouvé ça chelou. Donc, j'ai pas envie de monter dans nos chambres et lui laisser nos chevaux. Ouais, moi aussi, est-ce qu'il va partir avec les chevaux? Genre, c'est possible, parce que ça a l'air nul d'habiter là-même. Ouais. Donc, on va... Non, on garde nos chevaux, on reste dessus. Ça va, mon cheval, il s'appelle Momo. Toi, il s'appelle Scarabée, on les aime bien. On va pas les perdre en minute. Non, non. Alors, quel est le plan? Bah, peut-être on s'en va, non? Qu'est-ce qu'il y a pays d'à côté? Je sais pas, non, on peut explorer un peu. Est-ce qu'on va reparler à la fontaine? Non, mais il y a d'autres gens, on peut aller voir, prendre des news de Parabench et tout, tu vois. Alors, Parabench, j'ai trompé sa femme. Tu te rapproches de la fontaine? Non, je reste à une distance prudente. Mais pour lui parler? Oui. Et elle te dit, oh, damoiselle, c'est un très beau cheval. Madame, c'est un très beau cheval que vous avez là. Est-ce que je peux le voir de plus près? Non, bonjour fontaine. Est-ce que tu as un nom? Si vous laissez votre cheval s'abreuver dans mon eau... Non, mais il a bu, là. Je peux vous faire un petit cadeau. Mais j'ai pas... C'est très gentil. J'aimerais bien qu'on fasse connaissance avant. Est-ce que tu as un nom, Fontaine? Oui, je m'appelle Minami Holz. C'est très joli. Moi, c'est Salma. Bonjour, Salma. J'aurais peut-être pas dû lui dire. Comment t'as dit Mina? Minami Holz. Est-ce que tu peux apporter ton cheval? Je perds patience. Sinon, je vais tous vous tuer. Tu as faim, Fontaine? Je voudrais juste voir ton cheval de plus près. Non, merci. Je recule. Je n'ai pas envie de m'approcher de cette fontaine plus que ça. Ouais, on s'éloigne le plus loin possible, quoi. Ouais, je pense qu'il faut qu'on se casse du village, hein. On se barre de Sidon. Est-ce qu'on fait un petit tour des maisons, quand même? Est-ce qu'on peut lâcher une gourde de poison dans la fontaine? Bah, j'y pensais, mais c'est un esprit, donc en soi, ça fait qu'on n'a plus de poison. Et qu'elle, elle en a. Au lieu de frapper les gens, elle va les empoisonner. Il y a de liquide dangereux, là, de poisson, là, de Sidon, depuis... Ah, mais oui, fais ça. Ok, moi, j'ai une fiole de poison de base. Sinon, mais de la bunny droga dans la fontaine. Non, mais moi, je peux la lancer, j'ai combat à distance. Vas-y, lance un animal volant. Combat à distance. Pour la dropper dedans, ce qui est moins risqué que... D'accord. Arrêtez d'envoyer mes animaux. Hop, j'ai 60. Ce qui est à la fois bien et pas top. Sinon, j'ai dextérité. Si c'est lancé, c'est pas vraiment du combat. 0-2, mon gars. 0-2. Waouh, j'espère que ça va la buter. Alors, 0-2, effectivement, à 0-2, c'est spectaculaire. La gourde arrive parfaitement dans la fontaine. C'est un poison très violent, qui était prévu pour tuer la sorcière à la base, souvenez-vous. Et il a des effets inattendus sur cette fontaine. Et l'esprit de la fontaine saute
sur la maison voisine, la maison la maison du chef de Parabench. De Parabench, tout à fait. Et elle commence à grignoter les gens qui sont à l'intérieur. Hop, elle les a mangés. Elle dit ah, je vais beaucoup mieux. Elle a mangé les gens là. Oui, c'est ça, qui étaient à l'intérieur. Adieu Parabench. Mais attends, mais c'est un esprit, il est grand. Il... Okay. Là, il prend toute la maison. Non, mais c'est la maison du coup qui. D'ailleurs, elle ouvre ses deux volets comme des yeux. Ah, est-ce qu'ils sont morts alors? Beaucoup peut-être trop enthousiaste. Okay. Alors, elle crache la tête découpée de Parabench. Ils sont morts. Ouais, bon, il était pas super cool Parabench. Bon, donc c'est ça le truc extraordinaire parce qu'elle est pas morte. Hein. Quoi? Bah, c'est pas mort l'esprit. Normalement, le poison n'aurait pas eu effet, mais en tout cas, ça a eu cet effet-là. Donc on arrête d'essayer de buter les objets. Sur les trucs à côté. Ouais. Plus on essaye de tuer l'esprit, plus on saute sur des trucs. Est-ce qu'on peut pas essayer de le faire sauter dans un petit truc qu'on... Dans une fiole, ouais. Ou on tu vois, le ferait rentrer dans une bouteille. Tu peux pas fouiller ta mémoire pour voir si tu sais rien sur des esprits, ouais, les esprits objets ou des lieux, tu vois. Tu veux fouiller ta mémoire? Faire un jet d'intelligence. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Tu te souviens que la dernière fois que tu es passé dans cette ville, il y avait une sorcière qui peut-être s'y connaît. Ah, mais oui, à l'auberge, du coup. Celle qu'on a sauvée et qui se repose à l'auberge. Mais non, c'est pas une vraie sorcière, ça. Mais c'était pas une sorcière. C'était pas une sorcière. Elle avait un médaillon magique. Oui, mais c'était un gars qui lui avait filé. Non. Non, elle l'avait de base. C'était un gars qui lui avait filé. Je confirme. Ah, ok. Je croyais que. Ok, bon. Attends, c'est qui le gars qui lui avait filé? Mais c'était son love là. C'était un des gars. Je crois qu'on parle pas de la même personne. Ah. En fait, ils ont commandé. Il y a une guérisseuse qui est venue pour sauver la fille. Ah. Et cette personne est une. Ah bon. Et elle est. Mais ça, tu nous l'avais pas dit qu'il y avait une guérisseuse qui était venue? Non. On le découvre. Au premier épisode 1. Non, j'aurais pris des notes. Elle est arrivée sur deux jours après. Bon, en tout cas, il y a une guérisseuse. Ok. C'est peut-être une personne qui peut t'aider. Oui, bah oui. Vous voulez aller voir? Bah ouais. Alors je n'ai plus son nom parce qu'elle a vraiment existé, mais on va l'appeler Alinoun, d'accord? Alinoun la guérisseuse. Vous allez voir Martissette qui reluque encore vos chevaux, mais qui vous dit Alinoun, elle est là-bas. Vous faites un gros tour pour éviter la maison de Parabench et vous arrivez à Alinoun qui vous laisse rentrer et qui vous dit bon, effectivement vous venez pour la fontaine, c'est ça? Bah maintenant c'est la maison. D'accord, c'est une maison. Elle a tué les gens qui étaient à l'intérieur, c'est ça? Oui. Ok. Parabench. Il y a Louise qui grogne et Isabeau. Oui, Parabench est mort. Sa femme aussi. Bon, j'ai commandé quelques livres, je les ai reçus et j'ai pu trouver une solution, mais elle n'est pas extraordinaire. C'est, il faut. En fait, si on met l'esprit dans un objet qui a un certain signe dessiné dessus, il peut plus sortir de l'objet. Ah, bon, donc ça peut être utile. Ouais. Vous connaissez le signe. C'est quoi le signe? Oui, je l'ai, le signe. Ah, oh! Le voici. Alors, je le montre à la caméra. Et il y a un truc, c'est que ce signe, il est tellement magique que quand on le dessine quelque part, il disparaît. Donc, il ne faut pas le dessiner. Ah bon, bah, non, mais d'accord, j'ai compris. Il faut le mémoriser, Isabeau. Vous voulez chacun mémoriser un truc ou pas? Alors, putain, c'est smart. Okay. Isabeau, tu peux rayer le dessin que t'as fait. Oui, pardon, moi aussi. Okay, qui retient quoi? Moi, je veux bien retenir en bas. Genre, tu retiens la croix? Le triangle dépasse et il y a une croix chrétienne à moitié sur le cercle. Moi, je retiens qu'il y a deux petites étoiles de chaque côté du triangle. Moi, je retiens le triangle et le cercle. Moi, je retiens que le triangle dépasse du cercle. Ouais. Ok, vous pouvez me demander à tout moment, mais pas quand vous serez dans l'action. Par contre, en plus de ça, elle vous dit qu'il faut qu'il soit tracé avec du sang humain. Ah, oh. Ah, nice. Ah bon, voilà. On a la tête de Parabench, justement, qui est dispo. Je vais l'attraper avec la canne à pêche. Ok. Bah non, mais excusez-moi. Donc, quel est votre plan? Quel objet? En fait, il faut qu'on foute le feu à la maison pour que l'esprit saute hors de la maison. Et il faut qu'il ait envie de sauter sur cet objet. C'est l'objet le plus proche. Donc ce sera la maison d'à côté probablement. Donc on peut discrètement demander aux gens qui sont dans la maison d'à côté de sortir. Déjà sur le mur, le dessin avec le sang de Parabench. Non, mais un petit objet. Pourquoi la maison? La maison c'est hyper, enfin c'est hyper grand, tu vois. Ouais, mais elle va dans des objets de plus en plus gros. Mais elle va rester là.
Enfin, il va rester là toute la vie, du coup, l'esprit, s'il peut plus sortir. Il va rester dans une maison. Si on met un petit tonneau devant la porte de la maison... C'est plutôt ça, oui. Et peut-être on peut le prendre sur un truc portable qu'on garde avec nous, et comme ça, on peut libérer... C'est aussi un peu ce que je voulais faire, j'avoue. On a des fioles vides, on a des choses... Un petit gourde, la gourde, qu'elle est dispo, la gourde. La gourde est... Donc il faut qu'on mette la gourde plus près de la grosse maison que tout ce qu'il peut y avoir autour. Il faut qu'on vérifie qu'il n'y ait pas un autre truc. Bah, on va l'acheter, quoi. Éventuellement, la dropper sur le toit. Tu peux me remontrer le dessin ? Je voudrais voir combien de branches ont les petites étoiles en haut. C'est 5. Donc la gourde, alors il y a un petit problème, c'est que, dans votre plan génial, c'est qu'il y a un magnifique chêne dont la branche est posée sur la maison. Et quand vous le voyez, vous dites « Ah, il va se téléporter dans le chêne ». Mais bon. Ah, c'est un objet, ça compte ? Pardon ? Les objets vivants, ça compte ? Les arbres peuvent compter, alors on peut prendre le risque que non. Mais Après, on peut couper le chêne. Mais sinon, on l'a fait bouger de maison. Ouais, mais elle va encore... On la rebouche d'une maison. Après, s'il y a des chaînes sur toutes les maisons... Mais le feu à deux maisons, ils vont peut-être commencer à faire un peu la gueule. Pourquoi tu veux foutre le feu ? Comment tu détruis la maison pour que l'esprit saute sur le truc à côté ? Il faut que tu aies le chasse de l'endroit où il est. Et dans tous les cas, l'esprit, il ira dans le chêne, quoi. Après, une fois que l'esprit est dans le chêne... Mais en fait, on sera jamais sûr qu'elle va dans le chêne. Même si on dessine... On peut dessiner plusieurs fois le truc, sur plusieurs trucs ? Alors non, c'est ça le truc. C'est qu'une fois qu'il est dessiné, il disparaît. Oui, non, mais on peut le dessiner sur plein d'objets. Non, une fois qu'il est dessiné, si tu le redessines une fois, il disparaît. C'est pour ça que vous pouvez pas, vous devez le mémoriser. Mais c'est pas le problème de le mémoriser. Est-ce qu'on peut prendre 5 verres, enfin 5 gourdes, si tu le dessines une fois, et que tu le dessines une autre fois, la première fois, celui sur le premier objet disparaît. C'est pour ça qu'il faut le mémoriser. Vous voyez qu'il s'efface juste, tu vois, il est en encre invisible, tu vois. Voilà. Cela dit, du coup, si on est rapide, on peut regarder où elle va. Et très vite. C'est facile de savoir où elle va. Elle va et se téléporte, mais c'est l'objet le plus proche. Mais si on drop la gourde sur le toit, entre l'arbre et le toit. Mm. On dessine l'objet sur la gourde, on jette l'objet sur le toit, on jette la gourde sur le toit. Ou on la drop avec un oiseau. Ou avec une épuisette. Ou une canne à pêche. Oui. Ok. On fait la gourde sur le toit. L'arbre. Sa branche est sur le toit aussi. Oui. Parce qu'on peut couper la branche avant, tu vois. Ouais, mais la branche, elle est proche de la maison. On s'approche trop de la maison, Tu veux lancer une hache pour essayer de couper la branche de loin ? J'en ai déjà une grosse branche, c'est une petite branche. C'est une petite branche. Bon, on peut couper une branche. Celle qui était dans l'automate, non, j'ai couru pour ma vie, je l'ai pas du tout récupérée. Ouais, peut-être tu demandais des arbres. Tu veux monter à l'arbre pour couper la branche ? Je peux jeter un truc pour essayer de couper la branche. Pas en jetant, il faut que tu montes. Alors, monter à l'arbre, ce sera facile pour toi, tu as fait ça toute ta vie. Couper la branche aussi, mais tu seras près de la maison, il y a un petit risque. Après, peut-être qu'elle vient de bouffer et tout. Oui, et puis en soi, les gens loin d'elle, pour l'instant, elle leur jette de l'eau, non ? Enfin, elle mange que les gens. Elle a peut-être tué les gens de la volée ou je sais pas quoi. Ouais, sachant que je serai au niveau du toit, donc à moins de soulever toutes ces tuiles. Elle pourrait t'envoyer des tuiles dessus. Bon. Ouais. Tu montes à l'arbre ? Allez, je monte à l'arbre. Tu montes à l'arbre, tu commences à couper. Et là, la fenêtre à côté de toi s'ouvre, les deux volets, et tu vois un bureau qui arrive à toute vitesse vers toi et qui va traverser la fenêtre pour t'écraser contre l'arbre. J'ai de réflexe. Il n'y a pas eu de demi-mesure. J'ai failli dire surprise. Surprise. Surprise M, voilà. Non, sur Twitch, non, on ne peut pas le dire. Justement, c'est ça. Surprise. Oh là là, 96, c'est l'écrasement. Alors, c'est affreux ce qui t'arrive. Ah oui. Parce que tu as un bureau, effectivement, qui arrive à toute vitesse contre toi. Donc, déjà, tu vas perdre un des 6 points de vie. Et tu vas avoir, on va dire... tu vas lancer un dé à 6 faces. Ah, pardon. Et tu perds le nombre le nombre que tu fais. Mais c'est pas, j'ai une armure, c'est pas possible. Oui, c'est ça, mais bon, c'est un bureau. Mais t'avais repris, non, au château, non ? Ouais, j'avais repris, d'ailleurs. Tant pis. 3. Alors, attends. 1, 2, 3. Et malheureusement, ton bras gauche est cassé. Voilà. Pour quelques semaines. Pour essayer de te soigner. Ouais, il y a une guérison. Tu tombes à terre. Ouais, La branche, elle est coupée. La branche est coupée, tout à fait. Voilà. Moi, je me tiens comme ça. La sorcière guérisseuse, là. Ok. Donc là, on prend la canne à pêche. Non, d'abord, on dessine sur la gourde. Alors, que dessinez-vous sur la gourde ? C'est le moment. Ne regarde pas ton carnet. On dessine un. Ah, mais faut te le décrire à l'oral ? Oui. Alors, on dessine un cercle. Oui. Dans lequel il y a un triangle dont les trois pointes dépassent du cercle. Il y a une croix chrétienne en bas du cercle qui... En fait, le croisillon est au-dessus de la limite du cercle, mais le reste est en dessous. Exactement. Et il y a deux petites étoiles
en type astérix, de type astérix à 5 branches, qui sont chacun des deux côtés du triangle à l'intérieur du cercle. Voilà. En histoire de l'art, on appelle ça une ekphrasis, c'est merveilleux. Et donc, vous dessinez ça avec le sang de qui? Bah de Parabench. Parabench. D'accord, le sang de Parabench. Et maintenant, il faut réussir un moyen de le mettre sur le toit. La canne à pêche. Bah, je l'envoie à la canne à pêche. Un petit jet de dextérité. Mais c'est pas plus dur de l'envoyer à la canne à pêche qu'avec un bras, genre. Je veux pas le savoir. C'est vos plans. C'est pas beaucoup de choses. 53, c'est réussi. 53, la gourde retombe sur le toit. Et la maison dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et là, on fout le feu. Mais on n'a pas de feu. Bah, on n'a pas réfléchi au feu. Bah, ça va, on a le temps. Bon. Bah oui, bon. Bah, elle se doute qu'on est en train de faire des naninanas. Si elle peut faire sortir des bureaux, des fenêtres, elle peut probablement faire tomber la gourde en bougeant. Il faut qu'on agisse vite, je pense. Ouais. On va vous chercher quelque chose à manger. On retourne voir Martissette. Oui. On lui demande s'il a du charbon ou des trucs comme ça. Une torche. Bah non, de l'alcool, on fait un cocktail Molotov, c'est une taverne. Allez, de l'alcool et du... Merci Isabeau pour cet enthousiasme. Une pièce d'or. Ok. Fraté, tu nous dois de l'argent la dernière fois, tu nous as dit que tu nous donnerais plus d'argent parce qu'on t'a aidé. C'est donc vrai. Du coup, on est quitte. On est quitte. On est quitte, ouais. J'allais même pas lui demander, le gars il essaye de m'arnaquer, oh. Vous récupérez de l'alcool pour un cocktail Molotov que vous envoyez sur la maison. La maison commence à brûler, elle n'est pas contente, elle saute dans la gourde. Ouais. La gourde est sur la maison. Qui est en train de brûler dans les grandes flammes et la gourde va peut-être aussi brûler. Ouais, il faut la récupérer peut-être. Est-ce que vous laissez l'esprit mourir dans la gourde ou est-ce que vous allez récupérer la gourde? Épuisette, je croyais qu'ils ont détruit. DJ Cactus. Épuisette. Non, mais DJ Cactus, il va se brûler encore. On t'attrape sur un toit avec une épuisette. Ouais. Mais canne à pêche, moi je peux refaire la canne à pêche. Et si ça marche pas. Bah tant pis, enfin. Ou l'oiseau, voilà, c'est un esprit. Mais de toute façon, ah oui, parce que ça brûle par le bas ou ça brûle par le haut? Par le bas. Quoi, oui. Bref, je retente la canne à pêche pour essayer de... Mais non, mais je la vois même pas. Je grimpe à l'arbre. Non. Si. Bah non, l'arbre. Non, j'ai trop envie de courir. Fais un jet dextérité avec 20 de malus. Allez, merci. Je peux. 60 du coup. C'est quand même pratique d'avoir la gourde pour relancer son. Ah bah, je suis d'accord. 0,8. C'est voilà. Oh. Tu la récupères dans les flammes. Elle n'a rien. Elle tombe même froide dans tes mains. Et elle est intacte. Donc il y a ce minamiols de puissance dans tes mains. Alors Aliloun arrive et elle dit ce serait bien de détruire la gourde, mais vous pouvez la garder si vous voulez. Sachez que si toutefois la marque disparaît, l'esprit sera à nouveau là. Et comment il commence à disparaître puisqu'on l'a... Ah, si quelqu'un d'autre écrit le signe. Si vous l'effacez ou que vous la faites tomber dans la mer, par exemple. Ah oui, et ah non, mais si nous on écrit le signe. Franchement, faut qu'on la brûle. Ouais. Vous la rangez dans la maison pas. Alors oui, non, oui. Oui. Quoi? Attends, non, je sens la connerie là. Quoi? Ben en fait, moi j'étais partie du principe que si la gourde est détruite, l'esprit n'est pas détruit du tout. Il va juste sauter dans un autre truc. Bah, veux dire, il y a des maisons. Non, mais sauf que là, il est bloqué. Oui, il est bloqué dans la gourde. Il est bloqué dans la gourde. Si vous détruisez l'objet, il disparaît. Alors? Bah, on le rejette en vrai. Faut la détruire, non? Ouais. C'est trop dangereux. D'un avis commun, vous la relancez dans le brasier et l'esprit de Miami Halls disparaît dans le néant. Ouais. Vous avez sauvé le village qui reste quand même un peu, et vous n'avez pas le temps de vous reposer car vous voyez à l'horizon un navire. Est-ce que vous voulez lui demander d'arrêter ou pas? Non, moi j'aimerais bien que Alinoun elle me soigne d'abord. Elle est là. Ouh là là, vous avez un bras cassé. Vous en avez pour 2 semaines. Hein. Ah, vous pouvez pas faire un truc avec une petite potion pour que ça. Appelle une petite potion. Vas-y, lance un dé. Un seul dé. Vas-y, fais un petit score. Mais avec n'importe quoi. Ah bah c'est notre spécialité ce soir, soit très petit, soit très grand. On n'est jamais sûr. Un dé avec des unités. 5, elle dit bon bah elle pratique des soins sur toi, elle te fait une attelle. Il faudra quand même 2 semaines avant que. Et 2 semaines, je suis gentil hein, pour un bras cassé. Et tu regagnes 1 point de vie. Merci. Vous laissez le bateau partir au loin? On fait signe au bateau. On fait signe. Ah ouais. Ça va être des pirates et tout, putain. Oui, on fait signe au bateau. Oui, on fait signe. Moi, j'ai un bras cassé, je peux vous. Alors, que faites-vous pour lui faire signe, sachant qu'il y a une maison qui brûle derrière vous? Bah, rien, du coup. Enfin, normalement, avec la maison qui brûle, ça va les alerter, non? On dit au secours, au secours. Au feu. Devant la maison qui brûle, je veux dire, il y a une maison qui brûle. Et des gens qui crient au secours. Ouais, alors, c'est un très beau navire à 3 mâts et avec des voiles d'or. Qui passe au loin de vous et quand il voit votre au secours, il a tendance à s'éloigner un petit peu. Ah ouais? Bah, montre-leur ton or. Ah, c'est des racistes de Kniga, je suis sûre, c'est des riches. Il y a des barques. Quoi? Il y a des barques. Il n'y a pas de bateau, mais il y a des barques. Oui, il y a des petites barques dans le port. Est-ce qu'on pourrait aller en barque jusqu'au bateau ou il est vraiment trop loin? Ah bah si, tu peux y aller, mais il va falloir ramer ça, que votre meilleure rameuse a un bras cassé. Mais j'ai un bras. Ils vont jamais nous laisser monter. Non, mais on les déteste, on va pas avec eux, c'est des racistes.
Ah ouais. Il y a un pays où les gens sont riches et ils font des automates et ils sont aussi racistes et désagréables et hautains et bourgeois. Ok, donc, mais je pense juste que même si on les atteint, ils vont pas nous laisser monter. On est des pouilleux, tu vois. Bah au pire on leur pique leur bateau. Ouais. Avec un bras dans le plat et on est trois. Ce sont des automates. Mais c'est peut-être la pas magie du tout, des eaux, hein. Peut-être. Quoi? La magie des eaux. La magie des eaux. La magie bah de l'eau. Oui, toi, ah tu oui. peux encore jeter. Ah, bah oui, oui, je peux faire un petit raz de marée, ouais. Ou un verre d'eau. On n'est jamais sûr. non, bah, on fait les ramène vers ce que vous voulez faire. Après, c'est vrai que ce serait pratique d'avoir un bateau, quoi. Bah ouais, ouais. On sait pas dans combien de temps d'autres bateaux donc, on vont passer. On rame jusqu'au. Parce que là, on lui a fait signe, il veut pas venir, donc qu'est-ce qu'on fait? On rame. En même temps, on peut aussi tranquillement attendre. Comme ça, on voit un petit peu ce que Ikora la Splendide fait sur le continent, si elle fait des dégâts. On regarde, voilà, non, mais... Google News le matin. Hein. Voilà, on se tient un petit peu au courant de ses pouvoirs, de ce donc qu'elle sait faire. Donc vous décidez de vous la couler douce un peu à Sidon, c'est ça? Bah sinon, on va voir les gens du bateau pour leur demander. Mais comment c'est on va voir les gens du bateau? Bah en soi, tu l'as dit, on rame. Il est au large, il est là, on rame. Passe. On rame. Bah oui, on rame. On va leur demander s'ils savent des trucs sur Ikora, au pire, même si on ne vole pas le bateau. Vous ramez désespérément derrière le navire. Le navire, il va s'appeler, on va dire, le Rouge Oiseau, en hommage à un fils de Rouge Oiseau. Donc, le Rouge Oiseau. Et donc, il refuse de faire les voiles. Et voyez quelqu'un d'un petit peu smart, très bien habillé, qui a une petite coupe de champagne à la main, qui dit « Ah, pourquoi ramez-vous? Vous voulez nous rejoindre, c'est ça ?» Quelqu'un veut répondre ? Oui, on est très intéressé par une croisière. Mais nous n'acceptons que l'élite chez nous. Est-ce que vous faites partie de l'élite? Nous sommes, qui vous parlez? Nous sommes des très proches du seigneur Fig Jambon. Seigneur Fig Jambon, quel nom ridicule et quel pays ridicule. Vous êtes des étrangers. Alors il y a beaucoup de gens qui viennent, ils sont tous très bien habillés, ils sont un peu boomers. Et ils vous regardent et se moquent de vous. Et puis ils vous jettent des petits trucs à l'eau comme pendant que vous ramez derrière. On aurait dû garder leur gourde et lancer la gourde sur leur bateau. Ah ouais, ils auraient tous fait bouffer. Ça aurait été un bateau vivant fantôme sur l'eau. Putain. Est-ce qu'on a encore de quoi faire un cocktail Molotov ou pas? T'as le temps de revenir. De ça très vite. Si je monte pas à bord, je les crame. Alors, il y a le capitaine quand même, Coco Xinel. Il dit, vous voulez donc nous rejoindre? Est-ce que vous voulez travailler pour nous? Vous avez l'air d'être de bons bouffons. Où est-ce que vous voulez payer votre bouffons, place? Ah, c'est mon métier. C'est incroyable. C'est vrai, vous êtes bouffon. Faites-nous rire. Allez, faites-moi rire. Bon. Faites-moi rire. Qu'est-ce qui est blanc et noir et rouge? Blanc et noir et rouge. Réfléchissez. Vous trouvez ça drôle? Regardez, vous riez. Je réfléchis. Qu'est-ce qui est blanc et noir et rouge? Attention, plusieurs réponses possibles, mais une seule est la bonne. Et là, je fais un petit pas de danse, tu vois. Petit truc de bouffon, genre. Hop, ouais. Je saute et je fais claque avec mes. Fais un jet de dextérité. Le pas dedans. Dans la barque. Alors, si je tombe à l'eau, franchement. 70 sur 80. 70 on n'est pas passé loin de l'humiliation. Alors, en même temps, ça aurait été très drôle. C'est dans quel camp, toi? Non, mais pour les faire rire, ils ont été là, génial. C'est vrai. Alors, il y a une noble qui dit, qui s'appelle Daria Kill, qui dit mais tout ceci est fort drôle, fort distrayant. Ces indigènes sont très drôles. Je veux savoir qu'est-ce qui est rouge, blanc et noir et je veux rire. Un pingouin avec un coup de soleil. Merci. J'avais pas compris parce qu'en plus c'est trop intelligent. Alors le capitaine Coco Xinel dit, est-ce que vous savez faire chauffer un peu la salle, mettre l'ambiance? Ah ouais, bah ouais. Parce qu'on s'ennuie un peu. Ah bah ouais, non mais attends. C'est déjà celle-là, deux shots, vous lui donnez un micro. Pardon, vous lui dites de parler fort. Là, le bateau, on s'ennuie jamais. Ah jamais. Ouais, je sais pas où on va, mais alors on verra pas le voyage. Puis on a des animaux sauvages. Et ben justement, on s'ennuyait. Montez à bord du Rouge Oiseau. Ouais. Voilà, le voyage sera gratuit. Alors attention, nous allons sur le continent de Chaos. Nous allons à Eleife, la ville des éléphants. Ok. J'espère que vous mais aimez ça. Qui oui sont ces gens? Attendez, ils viennent d'où? Ils ressemblent à quoi? Eh bien, alors ils sont tous. Alors ils sont tous, blonds. Avec des longs cheveux, ils sont tous de Kniga. C'est tous des nobles de Kniga. Super. Et ils sont tous vieux. C'est un peu le voyage de la croisière. Exactement, la croisière s'amuse. C'est génial, j'adore. Et c'est où le continent de Chaos par rapport au continent ouais, de c'est Phoenix ça. C'est pas du tout à côté. Le continent de Chaos, c'est plutôt loin d'ici, tout à fait, oui. Mais par rapport au continent du Phoenix, c'est. C'est à mi-chemin. Chaos, c'est à mi-chemin. Avec le continent du Phénix. Ici et le continent. Mais sur la route ou pas du tout sur la route? C'est un peu sur la route. Il y a un petit détour. Ah bon, c'est la ville des éléphants, c'est ça? Exactement, la ville des éléphants. Les éléphants sont sacrés là-bas. Et c'est vrai que les éléphants, c'est vrai que les éléphants, on adore ça. Alors, ils sont tous, ils vous regardent tous de haut, un peu froid. Ils sont en train de manger des petits fruits de mer. Et là, donc, il y a Daria Kitt qui dit faites donc chauffer la salle.
Faites donc. Allez. Ouais, alors, est-ce que vous êtes là ce soir, Kniga? Comment ça va aujourd'hui? Alors, il y a Raya Cheka, une autre femme, qui dit on n'est pas le soir, là, il est 10h du matin. Mais est-ce que c'est pas toute la journée la fête? C'est la fiesta toute la journée, allez, allez, tout le monde sur la piste de danse, on éteint les lumières, on... Il y a quelqu'un parmi vous qui sait jouer de la musique? Parce qu'il n'y a pas de... Alors, moi, je veux bien danser, mais il n'y a pas de musicien. Oui, alors moi, Louise sait chanter. Alors quoi... Toi, tu dois savoir jouer de la musique, ouais, comme j'étais bah bouffon, ouais. Non, je sais pas. J'étais vraiment bouffon de profession. Tu veux faire des bruits avec ta bouche ou Il n'y a pas d'instrument du tout. Oh, moi je sais, je peux faire de la divination si vous voulez. C'est vrai? Bah, en fait, j'ai connaissance des secrets, donc je me dis peut-être que je peux essayer de deviner un peu leurs secrets des alors, gens. Alors, Daria Kill, lisez-moi les lignes de la main. Okay. Une mentaliste. Alors, donc, tu lis, les, tu le dis quoi? Bah je... Tu n'as aucune idée de ce que tu vois. Non, mais je la regarde déjà, ouais. Comment elle est habillée, à quoi ressemble. C'est une vieille femme qui a des cheveux un petit peu blancs, mais blonds, et qui est habillée avec une grande robe verte. Voilà. Et ses mains, elles sont... Elles sont des longs doigts de pianiste blancs. Longs doigts de pianiste. Je vois que vous avez eu une vie à la fois... intéressante et en même temps tranquille. C'est pas faux. Bravo, bravo, bravo. Oh là là. C'est tout ce que. Mais mon avenir. Je vois que cette vie va rester intéressante et tranquille et longue surtout. Alors il y a quelqu'un qui s'approche, qui est donc Daria Kill. Non, c'est Daria Kill qui t'a fait ça. Raya Cheka qui s'approche et dit mais est-ce que vous voyez un homme dans sa vie? Je vois des hommes. Oh, ouh, loulou. Alors Coco Xinel, le capitaine dit bon, je vais reprendre la manœuvre du bateau. Si vous pouvez organiser une activité de groupe qui dure quelques heures, hein, voilà. Putain, j'adore comment on est devenu bafard. On est trop en deux secondes quoi. On fait une batucada, allez. C'est quoi une batuka? Non, on va pas faire une batucada en vrai, mais on va faire une. Bah pourquoi pas? C'est quoi une batucada? On marche dans les rues, non? Une batucada, là, tu peux marcher sur le bateau. On leur donne des. Bah, on fait une procession brésilienne dans le bateau. On fait jouer de la musique. On fait une machine beatbox là. Et il y en a qui dansent au milieu. Chacun à leur. On fait tourner tous les gens en rond autour du bateau. Ouais. On joue de la musique avec des bouteilles vides et des tonneaux vides. Et on en fait aller deux au milieu à tour de rôle pour qu'ils dansent. D'accord, bah c'est bien, ça va les occuper deux heures, ils sont un peu fatigués. Et effectivement, vous voici à bord du Rouge Oiseau. Et il y a beaucoup de touristes qui sont là et qui vous jugent un peu, mais ils sont contents, ils ont été bien amusés. Et maintenant, ils sont installés sur les chaises longues, vous pouvez manger des petits fours. Oh là ils là sont là. Fortunés, habitués c'est au confort. Le meilleur plan. Est-ce que vous voulez faire d'autres choses? Alors, en entre-temps, on vous donne des petits uniformes blancs et or. Voilà. qu'est-ce que. Une cabine ou mettre nos affaires quelque non, chose, vous dormirez dans la cale. D'accord, super. Nice. Eh ben, top. Mais Yann a fait de nos chevaux, on les a laissés à Martissette encore. Hein. Oui. Ils étaient pas avec nous sur la barque. Mais cela dit, est-ce qu'ils s'est barré avec, sachant que. Bon, bah, Momo, c'est dead. Bon, on viendra est-ce les récupérer. Avec, non, mais faut penser à récupérer nos chevaux chez Martissette. Alors, Coco Xinel vous demande ce soir pour après-dîner, est-ce que vous pourriez organiser un petit jeu? Voilà, un petit jeu, je vous laisse la. Voilà. Burger Quiz. Bah, oui. On pourrait faire. Ouais, Burger Quiz. Ou un Cluedo. Non, mais j'allais dire sinon un Cluedo. Ouais, genre, on invente une enquête et tout, et ils doivent retrouver qui a. Alors, attendez, volé c'est, un pas, c'est pas un jeu d'intelligence. Faut vraiment me dire c'est quoi le jeu. Burger Quiz. Donc, tu dis je vous proposer le Burger Quiz. Madame, expliquez-nous ce que c'est que ce jeu Burger Quiz que vous nous proposez. C'est en quatre phases. D'abord, il y a la phase des nuggets. Puis, la phase de sucré-salé. Et puis ensuite, il y a l'addition et enfin... Bon, alors, commençons par les nuggets. Eh bien, les nuggets, il suffit que vous mettiez en deux équipes, le ketchup et les mayos. D'accord, c'est compliqué, mais ils se mettent en deux équipes. Voilà. Et je vous pose des questions. Posez-moi la question. Quel est le théorème de Thalès? Il y a quelqu'un qui répond et il dit c'est un théorème qui permet de voir l'avenir. C'est faux. Un miam pour l'autre équipe. Alors c'était quoi la réponse? Il faut plein de miams. Et moi je fais les scores et tout en disant oh non. C'était quoi la réponse? C'est qu'un triangle isocèle est toujours égal à la même. Triangle isocèle. Attends. C'est l'air d'un triangle isocèle est égal à la moitié de l'air non, à la moitié l'air. Des
Quoi? Alors t'as un Clinkien qui se lève et dit, qui s'appelle Pyrom, et il dit c'est n'importe quoi, je veux récupérer mon miam, parce que elle savait pas quelle était la réponse, je veux récupérer un miam. Franchement, je lui donne le miam. Oui. Ok, posez-nous la question des nuggets. Les mecs sont ultra, ils sont à fond. Je les adore. Ok. Mais demander des trucs du monde, non, de tes notes, faire du lore. Ah oui, putain, mais j'étais là. Les autres, vous pouvez poser une question si vous voulez. Ah, ok. Ouais, comment est-ce qu'on appelle une chimère entre un corbeau et une grenouille? Ouais. Une grenouille. Non, désolé, un miam. Et non, le miam est pour l'autre équipe. Ouais. C'était quoi? Oh, une corbouille, un nom très mignon et très logique. D'accord, ensuite on passe aux deuxième étape. Deuxième étape, c'est sucré ou salé. Oui, on a noté, mais ça consiste en quoi? Sucré, salé, c'est je vous dis des trucs et vous devez me dire soit chimère, soit mère, soit les deux. Ah oui. Eh, franchement, vas-y, fais-moi une comme ça. Vas-y alors. Vas-y, on a tes noms de mer. Méditerranée. Mer. Non, les deux. Bravo. Le miam est pour l'être équipe. Oui. C'est le jeu du burger quiz. Mer ou les deux? Non, c'est les deux parce que c'est à la fois une mer et également une chimère composée d'un terrané, donc un gros lézard, et d'un médi, un oiseau. Écoutez, on a passé une excellente soirée et on vous couvre d'or. Ils vous lancent des pièces d'or. Ah, et vous pouvez lancer chacun un dé à 6 faces et vous gagnerez autant de pièces d'or pour ça. Allez, bravo pour votre burger quiz. 6 pièces d'or, 4. 5. Et 2. Voilà. Putain, ça paye mieux que Phil Jambon. Ça paye mieux qu'un chevalier du Griffon, cette merde. Dans la soirée. Reconvertir. Un couple composé de Alfredo de la Puerta et de sa femme. C'est qui sa femme? Alors sa femme, elle s'appelle Ilaoé. Ilaoé viennent voir Louise un peu en privé. Alors ils sont un petit peu vieux, hein, et ils viennent te voir. Alors Alfredo de la Puerta est même un âge très avancé, et ils disent dites-moi jeune fille, vous m'avez fait bonne impression, êtes-vous célibataire? Est-ce que vous êtes ouverte à l'amour? Ce n'est pas ma priorité. Vraiment? Bon, ben on ne poursuit pas l'affaire alors. Mais par contre, si vous cherchez quelqu'un, je peux vous conseiller. Ouais, mais c'était plutôt vous. Donc, on ne donne pas suite? Non. On ne donne pas suite. Je jette les 30 pages d'aventure. Il y a 30 pages d'aventure, là? Non, on verra. Mais le consentement, c'est important. Si elle n'a pas envie de faire un plan à 3 avec un vieux gars, elle n'a pas envie de faire un plan à 3 avec un vieux gars. Padel, un passager à la carrure solide aux cheveux gris, alors qu'il fait nuit, observe l'horizon nocturne avec un harpon à la main. Et il te dit, est-ce que ça dirait faire une petite partie de chasse? Je crois qu'il y a un animal géant qui se terre dans ses mers. Vas-y, il a l'air... Ouais, grave. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Vas-y, lance un dé. Bah attends, un harpon grisonnant costaud, je suis là, yes daddy, let's go, on va aller pêcher quoi. 3. Vous voyez au loin une tortue géante. Et quand je dis géante, elle fait 5 mètres de long. Elle te dit, est-ce qu'on est capable de l'harponner d'après toi? Oui, avec juste mon bras gauche. Faisons non, le bras gauche il est cassé. Avec mon bras droit. Tu veux tenter un coup de harpon? J'ai pas envie de tuer la tortue. Mais en même temps, j'ai envie qu'il se passe un truc. Bon, lui, il va essayer, en tout cas. Allez, vas-y, essaye. Il lance le harpon tombe dans l'eau. Voilà. C'était juste un quelqu'un de Kniga, c'est pas un guerrier. Est-ce que tu veux tenter ta chance ou est-ce que... Enfin, juste pour la tortue, pas pour Padel. Ah ouais? Ouais. Si je tue une tortue super géante, je vais avoir des nouveaux pouvoirs. En même temps, je vois Isabeau qui me regarde super mal. Moi, je vais tenter, je fais que des jets pourris, on sait pas ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui pourrait se passer sur une embarcation quand on rate un jet? Je jette quoi? Vraiment énerver une tortue géante, énerver un lézard, lance dans les deux ours. Un combat à distance. Bah, 5 mètres. Et si elle vient sur nous, elle nous renverse. 80. C'est le karma. On ira sur son dos. Et elle nous coulera. Si elle s'approche, Isabelle pourrait la dresser. Oui. C'est vrai que parler pas faux. 47. Le harpon se fiche il se plante dans la carapace de la tortue qui vous remarque et commence à nager lentement vers le bateau. Je l'appelle. Yeah, coucou. J'ai fait ça pour attirer ton attention.
Isabeau, tu vois cette grosse tortue qui arrive. Bouli. Ladder. Que fais-tu? J'essaie de lui parler. Vraiment. D'accord, je suis la tortue. Qu'est-ce que tu lui dis? Bonjour, tortue. Où est-ce que tu vas? Très bien, lance les dés. Elle vient de se faire planter, la gaufre. Exactement, elle a un arpent encore planté dans le dos, mais vas-y. Ah, il est planté? Oui. Je crois que ça l'avait touché. Non, non, il est bien planté dans la carapace. Dis-lui qu'on peut la soigner. Tu peux redire un truc, du coup? Non. 34. Tu peux aller parler ou pas? Non. Non, je suis à 20. Et c'est le choc. La tortue tape contre le bateau qui commence à tanguer. Hop, vous gardez votre équilibre, mais les passagers commencent à crier. Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a heurté un récif? Que faites-vous? Essayer de domestiquer. Domestiquer la tortue, c'est toujours la meilleure solution. Alors, Padel, qui a envie d'aventure, se jette sur la tortue et veut planter son harpon dans la tête de la tortue. Mais non, dis-lui. Enfin, on lui dit non, Padel, c'est trop tard, il est sur la tortue. Tu peux le rattraper si tu veux. Ah, bah, je le rattrape, ouais. Donc, vas-y, fais un géant en combat en corps à corps. Elle a un plâtre et tout. Elle saute sur la tortue géante. J'aime tout ce qui se passe. Moi, pas du tout. Je vais juste mourir. Hop. 46. Tu rattrapes Padel, tu le remontes. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, la tortue s'en va tout doucement. Très bien. Elle pas pu la domestiquer. Elle ne cherche pas les ennuis. Est-ce que tu veux poursuivre l'aventure d'une nuit avec Padel ou pas? Grave. Ça fait longtemps que j'ai pas... Alors, il te drague pas particulièrement. Ah ouais? Ouais. Mais par contre, il est impressionné par ta force. Ça, il dit, raconte-moi tes aventures. Mais toi, il y a moyen de dire, est-ce que tu veux... On a plus de sauge des lapins. Hein. Non, mais on a d'autres techniques que la sauge des lapins, non? T'en as, toi? Moi, je dirais. Mais après, ça dépend de l'acte que tu pratiques, bien sûr. S'il me drague pas particulièrement, on peut devenir un peu pote. Tu joues l'amitié. Ouais. Donc, tu es ami avec Padel. Tu passes une nuit à plaisanter avec Padel et à raconter des petites blagues. Tout va bien. Et la brume matinale se dissipe. Vous vous réveillez le matin, vous avez passé une nuit étrange avec une tortue géante et d'autres choses, tentatives de drague étranges. Et vous ne remarquez que tardivement, quand Coco Xinelle l'appelle au loin, un autre navire qui vogue à votre rencontre, un autre somptueux voilier d'une forme tout à fait étrangère. Deux mâts, il est vraiment très long, il a une proue haute, il a des flancs de bois de cèdre orangé qui sont couverts de petits dessins colorés avec un style que vous n'avez jamais vu avant. Et il s'approche de vous et il n'a pas de drapeau. Le capitaine Coco Xinelle, qui n'a jamais navigué en ces eaux, dit « Est-ce que vous reconnaissez ce navire ? Et est-ce que vous avez un conseil ?» Moi, je vais essayer de fouiller un petit peu ma mémoire, ouais, je pense. Vas-y, fais un jet de connaissance des secrets. Un bon. 24. C'est probablement une galère royale de... Une galère royale de Chaos. Chaos, c'est un pharaon, donc on va dire royal. Mais c'est là où on va ? Oui, c'est là. Mais lui, le bateau vient vers vous. Bah, je dis ça au capitaine. Ok. Donc il va rien se passer de mal, même s'ils n'ont pas de drapeau, on est d'accord. Bah. C'est vous qui êtes capitaine d'un bateau, ou oui, savez, non? Oui, mais moi j'ai surtout navigué dans la mer de la morsure. Hein. Ça fallait peut-être pas aller au bout, mais si vous savez pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire en marine quand un bateau n'a pas de drapeau? C'est pas bon signe, non? Ouais, en général, ils ont tous un drapeau. Ouais, c'est ça. Donc a priori, c'est peut-être que la galère a été piratée par des pirates. Est-ce qu'on tente d'éviter? Parce qu'on a l'air de. Moi j'aurais tendance à dire éloignons-nous, parce que s'ils froussent droit sur nous sans drapeau, c'est potentiellement qu'ils vont hisser un drapeau de pirate quand ils seront près de nous. Qu'une population de retraités à bord, ça va pas faire le poids. Et que notre guerrière a un bras dans le plat. Peut-être qu'on pourrait sauver des gens dessus. Alors. Le capitaine Coco Xinelle tente des manœuvres d'évasion, mais le bateau est beaucoup plus léger et vous rattrape. Okay. Pourquoi il nous demande notre avis si en fait notre sort était scellé? Non, alors pas forcément. Vous pouvez faire quelque chose. Quelqu'un a de la magie de l'eau, quelqu'un a... Enfin, vous avez des choses, vous pouvez agir. Voler des choses si il peut. Coco Xinelle, vous avez compris que c'était pas quelqu'un de super vaillant non plus. Ouais. Voilà. Mmh. Peut-être la personne qui est à bord cet autre navire peut faire des choses. Donc, puisque tu viens de me faire la remarque, vous pouvez décider de faire quelque chose avant que le bateau vous rattrape. Oui, moi je vais envoyer DJ Cactus faire un cours de repérage. Proposer ça. Voir s'ils sont très armés. S'ils sont très armés, je vais essayer de faire un En fait, le truc, c'est qu'on sait aussi que Ikora, elle est partie de Sidon. Enfin bon, je me dis, ça se trouve, c'est un navire fantôme, il n'y a personne dedans, il est télécommandé. Faut checker. Envoie DJ Cactus, ouais. Alors DJ Cactus, vu que c'est reste quand même un animal, il te dit qu'il y a quelques personnes sur le navire. Quelques personnes sur le navire. Ouais, mais merci DJ. Mais DJ... Faut être précis. Hein. Tu vas pas. Et ils ont quelle tête enfin, tu, vois des... tu veux qu'il te mime ça avec des ailes? Oui. Non. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on dit peut-être à tous les passagers d'aller se mettre à l'abri dans leur cabine? Mais alors, il y a Dariakel qui dit est-ce qu'on doit paniquer? Non, on ne sait pas.
mais on est dans un continent que votre capitaine a décidé d'explorer sans le connaître, donc on va être prudente. Nous, on travaille pour un... Est-ce que c'est une plaisanterie, on doit rire ou pas? Pas là. Mais vous pouvez, si vous voulez, mais en descendant peut-être plutôt. Il n'y a pas de canot de sauvetage sur ce bateau? Il n'y a pas de canot de sauvetage. Bon bah oui, elle est dans vos cabines du coup. Donc ils descendent dans les cabines, pas très rassurés. Donc c'est tout ce que vous faites? On peut faire des perceptions sur le bateau sans DJ Cactus pour voir si on voit quelque chose. Vas-y, lance un jet de perception. Regardez. Suave se met sur la proue, elle aiguise ses yeux. Que va-t-elle voir? Attention. 35, c'est réussi. 40, je vois. Suave voit sur la proue du bateau. Eh bien, ce sera le mois prochain. Non! Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quoi? Affreux comme cliffhanger! Mais bon, c'est, y a, tous les cliffhangers sont affreux. Bravo pour cette séance incroyable avec beaucoup de choses inattendues. J'ai l'impression qu'il s'est passé 7 heures. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a détruit un pays. Sachez que c'est totalement prévu dans le scénario que rien ne soit détruit, que la Cité du Savoir soit totalement en vie, que vous alliez voir Nila Tinuviel avec l'ouvrage en lui disant voilà, Aïs Sovlet nous a demandé ça, c'est ultra vénère, et que voilà, enfin, ça aurait pu mieux se passer. Mais c'est pas grave. Si c'est vrai, c'était pas obligé que. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça aurait été parfait, parce que nous, on a fait aucun faux pas, à part le lézard qui passe les portes. Non, mais le lézard, c'était la première erreur. Mais la dernière erreur, c'est effectivement de ne pas avoir filé le bouquin à Nila et de l'avoir filé à l'assistante qui. Ouais, c'est vrai. Qui est venu out of nowhere. Mais bon, c'est pas très grave. Vous avez vécu une grande aventure et vous êtes encore en vie. Vous êtes pas en route. La première bibliothèque. Vous allez faire une escale au continent de Chaos. C'est un peu l'Égypte. Donc c'est cool. La ville des éléphants. Il va se passer la même chose. Est-ce que vous aimez toujours ça? Ça va? Ah ouais. On a passé une super mauvaise soirée. Moi, je m'ennuie. J'ai pas du tout envie de continuer. Alors, par transparence, il faut quand même dire que moi, j'ai signé pour 5 épisodes pour Mademoiselle et que le 21 mai, nous avons une réunion officielle avec la direction de Mademoiselle. Stop ou encore? Donc il reste un épisode, ça c'est sûr de sûr en juin. Mais et voilà. Vous avez beaucoup sebé ce soir, les 13 enfants. Merci, oh là. Donc quand vous sebé, vous avez toutes les chances de notre côté. Voilà, c'est ça. C'est tant que vous êtes la mission où on sebe le plus, ça me permet d'avoir des arguments forts. Après, il faudrait. N'hésite pas à faire de la publicité pour nos podcasts. Bien sûr, vous pouvez écouter les replays podcasts de tous les lives Twitch de Game of Thrones Mademoiselle sur le flux dédié et sur le flux Mademoiselle. Voilà. Voilà. On se retrouve dans un mois tout pile, donc 4 semaines, pour la suite des aventures en mer. Qu'est-ce qui va vous arriver? Est-ce que vous arrivez à Chaos? Est-ce que vous arrivez aussi au Phoenix? Est-ce qu'on se rappellera de ce qu'il faut faire? Il n'y a pas grand-chose à se rappeler, là. Voilà. Non, mais moi, j'ai plus rien noté. À un moment, j'étais tombée dans. Qu'on avait des chevaux fratés. Elle a failli oublier d'avorter. Enfin, c'est compliqué, il se passe beaucoup de choses. Mais on a buté 3000 personnes en même temps. On est un petit peu... Ouais. En voulant sauver un crocodile. Que merci en tout cas. Moi j'ai aussi passé une excellente aventure très originale. Il s'est passé plein de choses. Donc je passe un très bon moment. Et je vous dis à dans un mois. Merci beaucoup. Merci. Merci Fibre. Merci.